Hey Julien. Ah non, c'est moi Julien. Oui. Mais c'est pas pourquoi j'ai répondu. Regarde. Ah ouais. Vraiment. Oh putain. Ah non, mais faut monter dans la voiture. Ah non, c'est bien. Là, ça marche pas là. Allez. Non, la voiture fait pas. Ah non, c'est moi Julien. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la petite soirée de RP. Ah, je kiffe bien moi le RP, hein. C'est vraiment drôle. Hein. Officiellement stagiaire, officieusement cadet, ouais. Officieusement un peu tout ce que je veux, quoi, on s'en fout, c'est rigolo, quoi, on se marre bien. Moi personnellement, il y en a plein qui disent mais je sais pas comment tu fais pour gérer et tout, se faire bully H24, même Alpha et tout, ils comprennent pas. Hein. Ils comprennent pas que je me fasse bully, ils trouvent même ça irrespectueux, mais moi je vous dis, je m'en bats les reins. Genre vraiment, je m'en bats les reins, je prends pas du tout ça personnellement, et en plus ça se voit que les mecs... il suffit de regarder les rediffs pour voir que les gens se marrent, donc y a pas de problème quoi. Ça me va très très bien de me faire full bully, y a pas de problème. Ça me fait marrer en plus, ça me fait vraiment marrer. Pour le coup ça me ferait pas rire, oui là je demanderais vas-y je passe cadet, c'est bon, ou sinon je me casse, je vais faire autre chose. Hein. Je me force pas à jouer quoi. C'est un jeu, complètement, c'est un jeu. Penny, Panini, il peut avoir des surnoms. Bah ouais, au pire, ouais. C'est bon, vous êtes prêts Ouais, c'est bon, je suis prêt. C'est quoi déjà votre... Ah, moi, c'est Julien Green, le stagiaire. Non, oh, non, pas Antoine, c'est quoi ce nom pourri? Je sais pas. J'ai une tête d'Antoine? Oh non. Non, Antoine, Julien, ah non, pas Antoine, c'est tout pourri comme nom. Ah si, si, je peux conduire. Si, le lieutenant et le capitaine m'ont autorisé. Mais si vous voulez conduire, vous conduisez, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Ouais, ils m'ont autorisé à faire 2-3 trucs. Bon, ça fait quand même 4 jours que je suis là, donc ça va. Allez-y, votez. Je monte. Activité suspecte aéroport. On va aller chercher. Allez, c'est parti. On regarde bien si la radio est configurée. La petite ceinture. C'est bon, la ceinture. On fait le plein. Il est déjà fait. Et on va aller à l'aéroport voir s'il y a des dealers de drogue. Allez, c'est parti. Ça va, vous? Eh ben écoutez, ça va. Ah, je vous ai croisé tout à l'heure là, à votre prise de service, on n'a pas eu le temps de ouais, se voir un peu plus. Vous êtes vous êtes parti. Ouais, j'avais mes ah ouais, j'ai regardé mes épisodes d'NCIS. Oh, c'est trop bien. Waouh. Eh Gibbs, quoi, ça c'est un policier hein. Ah ouais. Eh ça, c'est un policier hein. Ah non, on en a pas. Hein. Ah bah je comprends mieux pourquoi. Ah ouais. Ah, je vous conseille de regarder, hein, vous allez voir. Hein. Ah, je vous avoue que jamais. Vous regardez NCIS, hop, vous êtes capitaine. Ah, vous passez. Ah, direct. Ah, moi je vais vous le dire. Ok, faudrait que. Et moi je suis philosomiste. Hein. Moi je sens bien ça. Et vous, si vous regardez NCIS, je suis. Eh, je vous le dis, capitaine direct. En fait, j'ai RP porte-clés en fait. Je vais les défausser. J'ai RP porte-clés. Attention, sanglier! Mais qu'est-ce que c'est que cette maison de fou? Pourquoi il y a des sangliers sur les toits? Il y a des sangliers sur le toit. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour. Oh là 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 là. Ils sont pas très bien là. Bonjour. Bonjour. Le monsieur là aussi? Non, celui-là il va bien. Il va bien. Ah ouais, lui il va bien? Ok. En fait, mon ami il y a eu un petit accident de... Ah oh bah alors. Oui, ah ok. Bah oui, il faudrait peut-être l'amener quelque part, je ne sais pas. On va faire ça là, vous inquiétez pas. Oui, bah je m'inquiète un peu quand même. Hein. Mais non, ça va aller. Ouais. Allez-y doucement. Hein, allez, je prends. Plus, hein. Un plein. Est-ce que vous n'auriez pas d'eau? Parce que je pense que je vais faire une visite. Attendez, je vous donne ça juste après. Allez, allez, house. C'est bon. Ça va, madame? Ça va, tu t'en sors? C'est pas vous qui avez tiré hier? Ça va? Je reconnais votre voix. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Ouais, ça va. Si, on était à côté, t'inquiète. Si, vous avez le même problème de gorge. J'ai pas un problème de gorge, c'est qu'il y a très. Ah, plein, on se relève tout doucement. Hein. Il y avait la même IA, si vous voulez jouer sur les mots, hier soir. C'est l'IA qui est assez connue, qui est vendue par. Ouais, non, mais je comprends. Pose-toi un peu, va t'asseoir, non? Voilà. Et pourquoi vous étiez planqué par là-bas? Vous auriez un peu d'eau, du coup, monsieur? Ouais, attendez, je vous donne ça. Ah, super, merci. Ah, j'ai pas d'eau, j'ai du jus d'orange, ça vous va? Ah ouais, jus d'orange, j'ai bien du jus d'orange. Allez.
Écoutez. On aime le danger. Et voilà, madame. Super. Voilà, voilà. Ça va, vous, sinon? Ça va, et vous? Ça va, c'est pas trop compliqué, ce qui a l'air d'avoir... Non. Là, mais qu'est-ce qui... Ah, mais faut pas tomber comme ça tout le temps. Ah, c'est la jambe, là. Aïe, 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 aïe. Ça va vraiment. C'est marrant parce que moi je crois qu'elle a un problème de voix, non? Moi, non, je... Ah ouais? Je pense à voix normalement. Ah merde. Mais après, elle a souvent un problème de voix en ce moment. Alors, faites-moi la traduction. Elle a pas les bonnes pastilles. Bah, en gros, elle a mal. Et elle a mal de boire et manger, je pense. Ah d'accord. Alors attendez. Je vais lui en donner aussi. Ouais, je pense. Attendez, je vous laisse vous occuper d'elle. Putain, mais je vais niquer tout mon truc, moi. Tac, 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 tac. Ouais, ouais. Voilà, ouais. Prenez ça. Tranquillement. Ça va aller. Voilà. Ouais, ça va aller mieux avec ça. Là, un petit sandwich, un petit jus d'orange, ça va tout de suite beaucoup mieux. Hein. Merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Hein. Ah, y a pas de problème. Bon, et par contre. Oui. Dans une vignoble. Ah, dans ce vignoble? Ah non, mais là, moi, je suis arrivé pour la première fois. C'est n'importe quoi. Hein. C'est qui le propriétaire ici? C'est monsieur. C'est femme avec le caleçon et monsieur de mon menton. Le monsieur à poil là-bas? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Oh là 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 là. Ah ouais, ils sont tous complètement tarés. Hein. Ouais, non, mais, bon, vas-y, je vais aller lui demander. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais il y en a au commissariat. Dégueulasse. Ah non, mais c'est ce surtout pas. Attends, 300 balles. Ah oui. Non, à la limite pour déboucher les chiottes. Si vous avez un gros truc. Mais non, sinon dégueulasse. Hein. Ah non, mais ça sent, hein. De toute façon, quand on voit la gueule des cornichons. Ah bah c'est sûr, hein. Ah, ça a pas l'air fou, hein. Ah bah voilà les médecins. Oups. Ah bah ça, c'est la tuile. Refaites la mort. Attendez. Mettez-vous au sol. Oh là là, vous allez pas bien du tout. Ah oh, mon dieu. Je ne vais pas bien du tout, c'est... Oh, je vois le sol, je vois... Maman? Non, c'est pas possible, c'est pas elle. Madame, la dame là-bas, elle a besoin. Vite, vite, vite. Est-ce qu'il est là, votre collègue? Ah bah non, ça va mieux. Ah bah dis donc. Bonjour. C'est incroyable. J'ai un petit... Oh là là. Je sais plus son nom, votre collègue. Non, il est pas là, monsieur. Je me suis mis une écharpe dans le doigt et je me sens pas très bien. Martine, oh mon dieu. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, j'ai un petit souci. J'ai pris une commotion dans un accident et du coup, ouais, j'ai un ça, petit donc, peu mal. À mon avis, il faudrait juste faire attention avec moi, à ce qui se passe sur le domaine. Concrètement, c'est en train de partir en cacahuète alors que nous, on était juste en train de faire un bise fructueux avec le Donald au sang. Et là, moi, je comprends plus rien. J'ai juste un espace de nuit, juste d'un repos. Je me rends compte qu'il y a des meurtres ici. Je me rends compte qu'il y a des gens qui viennent. Le sanglier est normal de ouf. J'aimerais simplement qu'on soit un peu plus. Dans une safe place, oui, si vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, attention, sanglier, panier. Hein. J'en ai maté des vagos plus féroces que le sanglier. Ce qu'on peut faire. J'avoue, c'est vrai, c'est vrai que. Okay. Allez, va par là-bas. Attention, sanglier, attention, attention. C'est pas les miens, donc c'est ok. Ok, là. En fait, on m'a volé mes cheveux ce matin, donc. Alors. J'ai une perruque. Non, j'ai une perruque. Mais ça avec grand plaisir. Ah, ok. Oh, ça bouge beaucoup. C'est pour non, ça que. Hein. Ah ouais, non mais c'est. C'est une bordel. Mais c'est pour ça que moi, c'est pour ça que moi je vous dis, on a besoin de gens comme vous qui patrouillent, on a besoin de personnes qui passent de temps à autre pour checker, pour simplement se rendre compte que parfois c'est la merde et qu'on a besoin de gens. Comprenez. Est-ce que vous êtes à patrouille ici ou quelque chose comme ça? Oui, complètement. Ça m'appartient à 50% avec Donac, à l'autre 50%. Donc, vous pouvez me donner l'autorisation. Est-ce que vous me donnez l'autorisation que les voitures de police puissent rentrer dans le domaine, puissent faire une petite patrouille, tourner, partir, dire bonjour aux gens, sortir, etc. Bonjour. Non, faites ça, c'est bien. Non, pas du tout, justement, on va travailler, c'était très très bien, Lorenza, d'arriver enchantée. Je vais vous présenter deux trucs avec qui on va discuter sur pas mal de trucs. Bonjour, madame. Bonjour. Mais écoutez, non, c'est parfait. Si vous faites un peu plus de présence, nous on vous autorise à rentrer comme vous voulez. Avec grand plaisir. D'accord, et très bien. Parce que même ne serait-ce que. Ah, on va venir. La population, dire bonjour quand on passe dans le coin. Ah, bah oui. Ouais, c'est ça. La police de proximité. Vous avez une araignée sur la joue, monsieur, patron? Non, c'est rien ça, vous inquiétez pas. D'accord. On va devoir vous laisser, monsieur. On a putain de braquage de bol. Oh là là, vas-y, vite. Pas de soucis. Faites place. Au
plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup. Si si. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Ah merde, c'est pas grave, je monte derrière. Allez, vas-y. Venez avec moi les filles, venez avec moi. Monsieur. La patrouille avec le cadet Panis, on arrive sur le braquage de l'Africa. Allez, on y va. Allez, vas-y, champignon. Tu peux me dire Ah, ils sont là. Et c'est beau, on vous invite. Merci Hugo Terpi pour ton follow, merci à toi. Ne tire pas, cadet. Je vais aller négocier, hein, si vous voulez. Moi, je peux aller négocier. Quelqu'un va venir vers vous pour négocier. Je le peux. MC Yes, je viens pour négocier. MC Yes. Je me présente, Lindsay Walker du LSPD. Putain, brigade MC Yes. Je suis là pour négocier. J'ai plus mon taser ou quoi? Oh putain, j'ai encore un problème de poche. Oh merde, j'ai que mon flingue. Je me permets de me rapprocher pour m'y entendre. Attends. On s'entend mieux, ce. Non, j'ai dû poser mon taser comme un con. Ne visez pas. Ne visez pas. Attendez, on va circuler encore. Ah, excusez-moi, j'ai été interloqué par la voiture sur l'autre voie. Reculez toutes les voitures sur l'autre. Je suis là pour négocier de MCIS. Béa. Béa ? T'avais pas vu, monsieur ? Ah ouais, il faut que tu recules ta voiture. Okay. Viens te mettre de l'autre côté au cas où. Vous m'entendez, madame ? Vous êtes bien ? Ok, super. On n'est pas super bien couvert là. Ils ont chopé une pétasse. Ils ont chopé une pétasse, yes. J'adore BABA, elle est trop cool. Et merci Biscou pour ton follow, merci à toi, welcome. T'as regardé cette dégaine, incroyable. Mais lui il a un taser, j'ai oublié mon taser, quel con. Non, en vrai je vais pas prendre le flingue, c'est un coup à faire une connerie ça. Lieutenant, la revendication c'est de passer une annonce au journaliste. D'accord, est-ce que le journaliste est avec eux ou pas? Est-ce que vous avez le journaliste avec vous? Je serais mieux couvert là, je pense. J'espère vous qu'il répète pas sa voix qui grappe. Non. En vrai, ça vient tout seul, ça va. Que le journaliste ok, votre première revendication a été validée, le journaliste est en route. C'est oh, qui la base négocie trop bien. Elle est trop con. Ah putain. Ah d'ailleurs, Porte, je disais tout à l'heure que j'avais un RP porte-clés un peu. C'est dans les gènes, mon gars. Ouais, c'est dans les gènes. En fait, je fais le personnage porte-clé en fait dans le. Julien, en fait, c'est porte-clé en fait. Ah, et puis vous avez pas vu la session off cet après-midi, elle était excellente. J'ai rien demandé, moi. La viande dans le. Ça va rien dire. Y'a aucun calvaire sous la voûte, hein, monsieur. Il est sur le scan. Non, pas encore. Oui, l'idée, vous pouvez. Est-ce qu'il y a des blessés à l'intérieur ou pas? Est-ce qu'ils ont besoin de voir un médecin? Ça va, Béa? Ouais, ça va. Et toi alors, ta recette de cappuccino, tu l'as bien? Ouais, je l'ai un petit peu perfectionné là. Oh, j'ai hâte de goûter ça. Ouais, là, je mets un petit peu moins de lait, tu vas voir, ça va être molto bene. Ah, c'est vrai que la dernière fois, j'avais pas osé te le dire, mais le lait, tu vas ouais. Pas. Ouais, je sais. Ouais, ça va sinon la journée, tranquille. Ah bah ouais, ça va, enfin moi, je viens juste de prendre mon service. Ah, tu viens d'arriver? Ah ouais, bah là, direct. Hein. J'arrive, je vous suis. Je vais vous accompagner. Le journaliste aussi, monsieur. Je vous suis ou pas? On dit que si tout se passe dans le calme, libérons l'otage. Oh, je le suis. Hein. Ça fait un peu d'action. Hein. Allez,
Allez-y. S'il vous plaît, faites ce que vous dites, hein, monsieur. Hein. Je vais réussir la mission comme dans NCIS. Voilà, comme ça. Bah, le médecin qui arrive. Bonjour, madame. Ah non, mais c'est vous là? Non, mais attendez, on est où là en fait? Mais vous croyez où hein? L'hôtel l'insecte est fou là. Non, mais ah, la BA, elle se fait déchirer. 3 quarts d'heure, vous êtes la cinglée là qui fait des saignées. Oh, hein. Des saignées. Non, mais Insdev, faites redescendre. Faites redescendre la tension, calmez-vous. Mais je fais descendre la tension, lieutenant, c'est pas normal. Non, mais attendez, c'est juste ça, c'est une céréale pileuse. Comment ça se fait qu'elle est sur scène? Non, c'est une céréale couleuse. Mais je suis très calme. Vous allez vous calmer. Insdev, calmez-vous, s'il vous plaît. Mais tu es pas sûr que ce soit super de mettre Insdev en négociation? Oui, si, ça va aller, vous inquiétez pas. Ah bon, d'accord, ok, super. Les journalistes ne répondent pas. Ah, eux, ils sont jamais là quand on a besoin. Non, les journalistes veulent pas venir. Parce que c'est des gros cons. Ils veulent pas venir parce que c'est des gros cons. Le problème, monsieur, c'est que. On a un dépôt de plainte au commissariat, là. Sauf si Meunier a été, je sais pas. J'ai vu qu'il a pris l'appel. Faire le plein. Oh là là, mais vraiment. Okay. Meunier? Vous au pire, dites-lui d'aller de vous occuper du mec à l'accueil. Meunier, est-ce que vous pouvez vous occuper de la personne qui a l'accueil au commissariat, s'il vous plaît? Je peux pas lui dire de penser à Gibbs, elle est trop loin. Elle, elle a le haut-parleur. C'est pour ça qu'on l'entend. Moi, je peux pas lui je parler. Je sais, mais non, on est déjà 4, 5, là, 6. Non, Lindsay a demandé si les braqueurs sont communistes, c'est vrai. Ah, monsieur, c'est pas que je veux pas, monsieur, c'est qu'ils répondent vraiment pas, en fait. Le médecin, il est venu, mais le journaliste, il répond pas, monsieur. Vous avez essayé d'appeler Sarah Carter? Je me disais que j'avais pas la radio. Ah, moi je crois que je l'ai, attendez. T'as coupé la radio, ouais. Moi aussi je vais essayer d'appeler un journaliste. Attendez, parce que là, moi putain, ils m'ont niqué tout. Il est allé à l'accueil, lieutenant, aussi au JV, faut vous dire. Aucune info sur le fait qu'il soit communiste alors. Meunier! Je suis sur la route. Est-ce que vous avez pris l'accueil, les personnes à l'accueil ou pas? Je suis sur la route. Donc ça veut dire oui ou non? Bah oui, je suis sur la route, j'y vais. Ah d'accord, très bien, merci. Écoutez, on est en train de voir si on peut pas ramener un journaliste. Bah oui, mais ils répondent pas, donc on en cherche vraiment, vraiment très dur. Attends, merde, je voulais proposer au lieutenant de me mettre en journaliste, je me mets en civil et je joue le rôle du journaliste. Merde, il s'est barré, je sais pas où il va, lui. Ah, mais c'est Capone, là-bas. C'est avec plaisir que j'accepte cette invitation, dame. C'est Capone ou pas? Ah non, c'est peut-être pas Capone, non, c'est peut-être pas Capone. Putain, j'ai pas de taser, il faut que je retourne au commissariat, j'ai pas du tout le temps de faire mon plein. Mais comment ça, c'est pas possible, madame? On est en train de vous expliquer, monsieur, que les gens ils se répondent pas. Le stagiaire, c'est bah bon, non, je me mets en civil. Ok, la journaliste, elle arrive, la journaliste, c'est bon. Je me mets en civil et puis c'est est-ce tout qu'on quoi. Sait si c'est des communistes ou pas le... Bah, c'est bien la question que je me posais, ouais. Excusez-moi, j'ai une est-ce question. Est-ce que vous super pouvez forcer dans la négociation poser. Pour savoir si c'est des communistes? Je fais ça immédiatement, lieutenant. C'est des communistes. On a une question chose. Super importante, hein. Soyez très concentrés, s'il vous plaît. Salut. Elle s'en bat les couilles. Lieutenant, ils sont pas communistes. Ah non, ils sont pas communistes, d'accord, merci pour l'information. Mais là. C'est sur un téléphone. Ah, vous êtes patriote, America fuck yeah. Ouais, c'est un ça. Peu, ouais, effectivement. Et vous êtes bien d'accord qu'on diffuse la paix dans le monde depuis 40 ans? Évidemment, c'est la liberté. Et vive l'Amérique. C'est complètement. C'est beau, j'y arrive. D'accord. Quel pays incroyable. Ouais, c'est bon, ils y arrivent. Tiens, attends, mais je crois que j'ai un problème de son ou c'est, je sais pas si c'est. J'ai peut-être redémarré après parce que oh, je crois que je l'entends pas. C'est bon. Tu gères, ouais, tu gères. Ah, ouais, si t'inquiète pas. Mais ben non, c'est vous qui m'avez dit qu'elle arrivait. Kelly, est-ce que tu m'entends, Kelly? Kelly de l'Insee. Oh, cette scène. Tu t'enfends pas, Kelly, à la radio. Sinon, on rentre dedans, elle leur pète la gueule. Je crois qu'il y a des problèmes de son là sur le serveur. On attend que le journaliste arrive. La journaliste arrive, elle est en route, j'ai envoyé la position. Ok, la journaliste arrive, elle a la position, elle est en route. C'est quoi la pub là-bas là? Kenny Éclair, Kenny Éclair Pro Skater 2. Ah ouais.
si vous voulez que je vous réponde, faut m'appeler Lindsay. Putain, ils se font chier ces journalistes, ils mettent trop de temps. Eh oui, putain, on a d'autres choses à foutre. Si vous voulez que je réponde, faut m'appeler Lindsay. Vous aussi, vous êtes américaine. Lindsay, lieutenant pour Lindsay. Je vous écoute, lieutenant. Je suis sur un dossier très très chaud, c'est vous qui prenez le lead des opérations. Ok, lieutenant, je prends le lead des opérations, je vous décevrai pas. Hein. On va tous mourir. On évite, on évite quand même les blessés, hein. On évite tout ça, d'accord, Lindsay? Et eux aussi, ils vont tous mourir, à mon avis. Il y aura moins de morts que la dernière fois. Ah là, ça va mal finir. Non, non, mais je veux zéro mort surtout, hein. Ça sent la grosse fusillade. Parce que moi, Lindsay Walker, ayant visionné les 404 épisodes de saison 2 NCIS. Attends, je me mets en position bien. Des opérations. Ok. Je me mets en position parce que là aussi il faut défourailler, je peux défourailler. 404, t'as pas 403. Ah par contre ils ont pris le médecin. Ok, j'ai dû oublier un hors série, pardon. Il y en a 409 exactement. Qui dit, hein, je suis la ligue des opérations, on va devoir négocier comme dans NCIS. Hein. Bah vas-y, rapproche-toi avec moi, on va discuter avec eux. Hein. Ok, parce que là, j'ai un peu la pression. Kelly, 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 c'est comme dans NCIS. Ah ouais, c'est Tron. Regarde, il ressemble à Tron. Ah oh, merde. Non, vas-y, du coup, la journaliste arrive. Tu t'es entraîné au tir, j'espère. Bah ouais, ça va, t'inquiète. Ouais, on va négocier, commencez pas à faire un rapport de force. Dis-leur qu'ils vont se faire péter la gueule s'ils rentrent dans le rapport de force. Non, personne ne va se faire péter la gueule. Ah, mais ils sont en train de s'exciter là, lieutenant, ils font les beaux là avec leur gun, alors moi j'ai mis 5 à la main. C'est gros que. Écoutez, ça va finir en. Ah non, ça va finir en fusillade. C'est sûr, je prends le pétard. Ça va finir. C'est bon, lieutenant, on a compris, lieutenant, merci. Lieutenant, ta gueule. Sur un autre ton, Non, mais le ton, monsieur, moi je le mange. Elle est pas mal, Kaya. Poisson, Kelly, tu t'es lavé aujourd'hui, hein, parce que ça me déconcentre. Et merci Delta Bag pour ton follow. Merci à toi. S'il y a pas un tir qui part, ah c'est un, ouais, c'est un putain de miracle. Hein. Non. Faites sortir l'otage, je vous en supplie. Ça va partir en feu là. T'as vu comment je suis sexy et badass avec ma M4 en main droite et mon mégaphone. Ça va, monsieur? Ça va? Elle se ressemble à une pharaon, tu vois, dans les hiéroglyphes, hein, okay. À la NCIS. Elle s'en bat les couilles. Ah ouais, je suis trop badass. Oh, je suis là. Tu m'as protégé tout à l'heure. Je suis un être humain. MP5. Moi, c'est bien vrai. Hein. Bon bah on attend. Non, Port, j'ai le droit d'avoir un pistolet. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh là, ça va mal barrer. Oh là, c'est mal barré là. Oh là, c'est très très mal barré là. Oh là. Mais attention les braqueurs, on a les braqueurs sur vous. On suit. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Attention s'il vous plaît. Paradise. Est-ce que ça va ici? Bah ça va, je crois qu'ils sont juste barrés. Y'a Daft Punk qui m'a piqué mon téléphone. Putain! Ah, bah ça va. Ah non, c'est bon, je l'ai retrouvé. Ah! Ils ont sauté dans l'eau! Ah, c'est bon, ouais, ça c'est bien, ça me donne. Est-ce que vous avez besoin de parler un petit peu? Bah là, ouais, on est comme des cons là. On a plus de voiture. Bah, on est comme des cons. Ah, on peut en perquisitionner une au pire. Oh merde. Bah ouais, on va demander une voiture. On va essayer de voir si on peut en perquisitionner une. En plus, faut que je repasse quoi. La blanche devant, y'a plus personne là dedans. Ok. Ah, on va retourner au commissariat, on va reprendre un véhicule. Hein. Ah ouais, vous pouvez me mettre un point? Faut que je me soigne marina, en plus. Il s'arrête à la marina, je répète, il s'arrête à la marina. Où est-ce qu'on va à la marina? Bah mettez-moi un point alors. Marina. Ok, c'est bon, c'est mis sur le. C'est mis. Super.
Bon bah par contre on a pas pris la, on a pas pris un ouais. Ah là c'est pas fou. Ouais, tu sais qui est bien. Ah, je suis pied au plancher là. On y va, on est à fond. On arrive, on est en voiture réquisitionnée, on fonce, on arrive. Oh ça tient que dalle, la ceinture. Ouais, d'accord, c'est au fond là-bas la marina. Non, je crois pas, non, ça c'est pas la marina, non. Ok, alors non, je crois la marina. Attendez, je crois que c'est à gauche là, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Pas du tout, je sais marina, pas où je vais. Marina, et ils sont allés vers marina, héliport. Ah ouais, c'est l'héliport. Ah merde. Merde, dis où l'héliport? Je l'ai dit. Héliport. Putain, c'est où l'héliport? C'est là. Merde, dis où l'héliport? C'est bon, je l'ai marqué. Ok. Oh putain, ça avance pas. Y a quelqu'un qui est sous l'eau à mes pieds, moi. J'ai éclaté l'avant. Y en a un qui s'enfuit en jet ski encore. Il arrive sur la mer. Ouais, c'est Rive avec moi, ouais. Y a encore un bateau qui s'enfuit là-bas. C'est vous, C'est moi. Okay. Je vais défausser le jet ski. Allez-y, j'ai quelqu'un à mes pieds là, mais il va se noyer. Ok, ça marche. Très bien, parfait. C'est bien défoncé là. Ouais, c'est bon. On fait de la place. Ah, je sais pas si c'est là ou si c'est de l'autre côté. Je crois qu'on va rater l'info là. Ouais, je crois que c'était de l'autre côté. En jet ski, je pense que faut qu'on aille au commissariat. Bon. Ah. Ah non, ils ont pris un hélico. Attendez, on va aller juste aller voir quand même. Ok, on va essayer de les poursuivre. On doit toujours aller où là? C'est toujours à la marina. Oui, marina, héliport. Ok, mais ça a pas l'air ici. Bah ouais, mais là je vois pas là alors. Bon, on va retourner au commissariat, je crois. On retourne. Ils sont en hélicoptère? Il y en a un qui est parti en jet ski, il y en a dans la flotte à mes pieds là, mais ils vont se noyer ces gros cons là parce qu'ils sont bloqués, ils veulent pas sortir de l'eau. Ils sont vraiment très cons. Ouais, je pense qu'on va retourner au commissariat. Hein. Le jet ski, c'est voir, il est parti, je le trouverai pas. Ok, revenez, pénis, revenez parce que j'arrive. C'est pas bien, guette d'abord avec l'hélicoptère. Ah, c'est Lindsay et Kelly qui ont pris l'hélicoptère en fait. Ah, ok. Ok, il y a une braquage de banque. On va aller récupérer une voiture hein, parce que là ça va pas être possible. Hein. On passe par le commissariat et on arrive. On va au braquage. Faut juste que j'aille me soigner sinon je vais. Ouais, allez-y. Je vais sortir la voiture, vous allez vous soigner. Ok. Allez-y. Ok, je descends, je me dépêche. Bon. Cette voiture, tout le monde est d'accord? Cette voiture, je sais pas qui l'a mis là. Allez-y, c'est bon, hop. On va se sortir une interceptor parce qu'on n'a pas le time. Hop là, voilà. Allez, ça part. Ah, je sais pas comment il s'appelle. Ok, attendez, on va faire un petit plein. Ici officier Jean, je suis de retour. Hop là, le temps qu'il arrive, on fait le plein, on perd pas de temps. Hein. Ouais, mais je sais pas, Elton, là c'est du backseat, donc je peux pas utiliser son nom. Je vais lui demander dès qu'il revient, c'est pas grave. Parce que je sais que c'est Michael, hein, mais mon personnage ne connaît pas son nom, donc c'est la première fois que je le vois. Donc on va pas faire de backseat ou quoi. Bon mais tranquille, hein, je le sais, j'ai regardé son live. Hein. Je regarde les lives de tout le monde de toute manière. Mais j'arrive à faire la part des choses entre moi et le personnage. Alors attends. Je vais juste prendre le dernier appel. Voilà. Comme ça, j'ai déjà le point et ça décolle direct dès qu'il revient. Bon, après, il est parti chercher un truc, donc... Non, la radio, c'est ok de tiers, hein. Y a pas de problème. Ah, je crois qu'il y a un hélico qui débarque. Putain, mais qu'est-ce qui branle, là?
Faut tartiner là. T'as la fréquence, ouais, bien sûr, ouais. Je sais pas où il est par contre, hein. Parce que là, il y a l'hélico. C'est vrai que ma radio, j'ai. Je sais pas. Putain, qu'est-ce qu'il branle là? Ah, genre 100% il s'est perdu dans le commissariat. Parce que c'est vrai que je les entends enclencher la truc. C'est flashé avec un véhicule volé, c'est trop bien. Youpi. Putain, qu'est-ce qu'il fout là l'hélico? Ah là là, putain de merde. On va y arriver, hein. À l'américaine. Hop. Ah, vous avez vu le petit créneau là que j'ai tapé à la fin? Magnifique, hein. Ah, était magnifique le créneau. Ok, c'est reparti, tac tac. Par contre ça me fait chier, mais après là ce qui est cool c'est que je les entends pas cliquer, donc ça veut dire que personne essaye de parler. Je vais essayer, il y avait des gens devant le commissariat, je vais aller les voir. Bonjour. Ah non, c'est pas le lieutenant moi, mais c'est très gentil. Bonjour. Moi c'est stagiaire. Bonjour. Ah bah bonjour, stagiaire, d'accord. Ouais ouais. Vous êtes stagiaire? Pardon, on se connaît pas. Moi c'est Julien Green, et vous? Et moi je suis Sarah Carter. Merci beaucoup. Ah mais si, on s'est déjà croisé je crois. Si si, on s'est déjà croisé. On s'est peut-être pas parlé, ouais, mais on s'est déjà croisé. C'est vrai, c'est possible. Écoutez, j'attends ici parce que on m'a dit qu'il y avait une breaking news sur un braquage. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez des nouvelles? Alors le braquage, je crois qu'il est en cours au nord, à la Flica au nord. Au nord? Ben oui, mais apparemment ils ont changé de... Oh, je vois votre collègue qui vient de se garer là-bas. Venez, on va. Ah, alors on va aller le voir. Ouais ouais, on va aller le voir. Oui, oui. Pas comment tout ça se passe ici, hein? Okay, ouais, c'est un peu le bordel là. Ah, et puis oui. J'ai eu un petit souci d'oreille là, j'avais mal aux oreilles de fou. Ah, bah ça a l'air de s'être réglé, hein, je crois. Mm-hmm. Ah! Kelly! Bonjour. Oui. Vous parlez de quelle langue, madame? Ah bah bonsoir. Ah bah oui, je vais bien. Figurez-vous que je me suis perdue. Oui. Je suis la journaliste qui était censée arriver vous aider. C'est trop tard. Par contre, on a arrêté un vrai que. Ok, madame, donc, là, il est super. Au ah mais vous êtes pas la revendication à faire sur Céline. Est-ce que vous voulez le voir? Ouais, il faut que je prenne le taser, ouais. Il y a votre journaliste sur la carte. Attendez, parce que c'est important. Il y a votre journaliste sur la carte qui est encore là. Arrête-toi. Et en l'autre là. Ok, d'accord. Ta gueule, toi. Ouah, oh ya ya ya. Elle est sur qui elle? T'as dans ta gueule ou pas? Non, tire pas sur les nageurs. Oh ya 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 ya. Oh ya ya ya. Oh ya 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 ya. Arrêtez, j'ai peur quand vous criez. Putain, il me défonçait la gueule. Allez, tu rentres s'il te plaît là. Dépêche-toi, tu me fuis. Ah, je vous accompagne. Vas-y, stagiaire. Allez, tu montes le chemin, stagiaire. Vous le suivez. Allez, suis-moi. Il va poser des plots sur la route, pourquoi il a un gilet comme ça? Je vais te le mettre ailleurs, le plot, tu vas voir. Ah, ça c'est mon stagiaire, ça. Vous posez des plots, monsieur? Ça, c'est mon stagiaire, ça. C'est ça votre plan de carrière, vous posez des plots sur la route. Allez, avance. Mon stagiaire. Oh la gueule. Allez, fais pas le grand, là. Pardon, monsieur, pardon. Allez, viens, viens, viens. C'est super rangé, tiens. Je suis jamais venu, mais. Viens, je vais te montrer mes plots en bas. Allez, viens. C'est autre chose que ta chambre, hein. Clairement, hein. J'ai pas encore de domicile, madame. Tu t'es déjà assis sur un plot? Malheureusement pas encore, non. Ah mais ça va venir. Mais je suis curieux, comme on dit. Pourquoi elle rigole? Ah oh, tu fais bien. Tu fais. Allez-y, monsieur. C'est par là. Il y a pas 30 chemins. Bonjour. Ah bah vous... Vous voyez, vous êtes quand même capable de vous gourer, c'est dingue, hein? Il m'a dit de remonter, non, je crois. Non, t'en faites pas. Il a fait un signe vers le haut, il a fait un signe vers le haut, je dois remonter, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Je vous laisse alors, je vous laisse. Non, mais je vous laisse. Ah, il va. Kelly, vous êtes où là?
Allez, à Lille. Ouais. Je suis en bas, on est avec le l'inculpé, monsieur. Mettez-le en salle d'interrogatoire, les journalistes arrivent. Ah, en salle d'interrogatoire. Allez, venez par là, monsieur. Ici, merci, cette porte-là. Allez. Les journalistes arrivent. Oui. Bon, bah, allez-y. Ah, lui, il va prendre un coup, lui. Waouh. Allez, ramène tes fesses là. Où ça? Là-bas, là. Allez, arrête de jouer au con. Pas celle-là. Pas non plus. Attends. Oh merde, c'était pas celle-là? Non. Oh merde. Attends, il va ressortir. Elle est juste là. Oh, mais il est con, quoi. Oh, le débile. Il est où, le débile, là? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Qui t'a dit d'aller là-bas? C'est de l'autre côté. Oh là là, mon Dieu. Pardon. Allez, va de l'autre côté, là. Dépêche-toi. Où ça? Là-bas, de l'autre côté. Oh là là. Mais je connais pas, monsieur, moi je suis pas de. Je mange pas de ce pain, moi je suis pas un gangster. Il faut aller chercher où elle est. Allez, là on sort là. Là on sort, et c'est là. Ah, ok, interrogatoire, oui. Ok, mais je parle pas anglais, pardon. Oui. Je sais pas si je prends une petite photo avec les cellules. Ok, monsieur, vous pouvez pénétrer dans la salle. Oui, c'est bien la seule chose que vous devez pénétrer d'ailleurs. Allez, c'est parti. On entre. Allez, on entre. Non mais c'est un délire, non mais il entend rien ce mec. Non mais qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle? Sortez d'ici. Une chaise, ça. Une dextraceur. Ouais, ou quoi? Dépêchez-vous là, cassez-vous. Cassez-vous là, je vous ai dit. Bougez. Putain. Voilà. Le PNJ il prend cher. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il se passe rien, vous sortez pas. Ok, pardon. Non mais attendez, vous entendez rien à travers la vitre, la réfléchissez un petit peu. Tout va bien, elle va bien là. Merci quand même. Ouais, je reviens. Allez, viens, Kylian, on va l'interroger. Attends, je vais aller laisser l'interroger. Je vais vite chercher un taser là parce que j'ai. Ah non, c'est. Attends, c'est par là-bas. C'est pas ma question. Oui, pardon. Il me faut un taser là, le petit taser. Hop là, le petit taser, let's go. Lieutenant, la journaliste arrive. Lieutenant, la journaliste arrive. Oui, le journaliste, la journaliste arrive. Attends, est-ce qu'on peut pas aller. Ouais, voilà. Putain, vous avez déjà ce modèle? Bordel, c'est pas possible. Ah mais ça y est, ça remarche. En fait, tout à l'heure, tout bugué en fait. Oh, mais j'ai combien de gun moi? Oh là là, attends. Eh attends, Sarah, je te refile un gun. Attends, je te redonne un gun. Oh là là, ouais, j'avais fait n'importe quoi. C'est ma faute. Voilà, je te redonne le pistolet. Hein, voilà. Bon, je garde le taser. A plus tard. Bon, vas-y, on va lui décoller sa gueule à lui là. Tu vas voir, c'est qui pose des cônes. Je vais lui poser un cône dans le cul, moi, tu vas voir, il va faire du bruit. Péter sa gueule, moi. Non, c'est là. On s'en fout de son histoire là. Voilà. Oui, hein, c'est vrai. Hein. Les filles, je vous entends. Mais pas vous. Non, mais pas vous, mais lieutenant, bien sûr, c'est la journaliste. Mais lieutenant, vous gérez tout là, même le prisonnier. Je m'occupe juste du prisonnier en fait. Ok, il est en salle d'interrogatoire. Bonsoir, monsieur le stagiaire. Ça va? Alors écoutez-moi avec attention. Ouais. Ouais. Je voulais vous faire promouvoir après toutes les épreuves que vous avez passées hier, mais on m'a dit que vous avez refusé. Bah ouais, en fait, je voulais faire mes 2 semaines. Je pense que. Après, je sais pas. J'attendais des conseils un petit peu de vous, j'avoue. Je sais pas si c'est bien pour moi de passer cadet ou pas. Avec qui on travaille au quotidien. Ouais, je sais bien, je sais bien. Au moins d'être cadet. Vous croyez? Bah c'est sûr, hein, vous serez toujours ma serpillère dans tous les cas, hein, mais vous mettez cadet, vous serez la moins la serpillère d'autres. Hein. Ah. On continuera à vous faire passer les tests, hein, si vous voulez. Hein. Ah ouais, parce que bah c'est pour continuer mon rapport, quoi. Parce que là, je suis en train de l'écrire et tout ça, et au bout des 2 semaines, je pourrais vous le montrer. Bah c'est oui, comme vous le voulez, hein, c'est vous qui décidez. Voilà, hein. Ah bah si vous me dites que je suis prêt à être cadet, moi je suis prêt à être cadet. Bah moi j'ai demandé votre promotion, ouais, hein, donc voilà. Bah on ira voir le capitaine alors ensemble. Voilà, on fera d'accord. Ça. Ah, ok, super. Parce que le lieutenant il m'a dit oui, mais il a refusé, donc voilà. Mais vous inquiétez pas, cadet c'est un peu pareil. Hein, c'est ouais, juste un peu moins pire. Quoi. D'accord, ok. Moi je serai toujours la serpillière. Oui, vous serez toujours la serpillière. Notre serpillière. Ah, moi ça va alors. Ah, moi ça va alors, ça super. Me va. Voilà. Ok, c'est cool. Bon, bah c'est parti. Hein. Allez, go. Allez, on y va. Allez, c'est l'heure de l'action. Allez, cassez des bouches. Ouais, on va les péter des gueules là. Caméra, ok, action, NCIS.
Bon bah je vais peut-être passer cadet en fait au final. Bah du coup c'est nickel, il faut qu'on aille à l'SMS parce que je suis blessé, mais j'ai appelé un médecin qui devrait être là. Excusez-moi pardon, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Mais on rentre vite lui. Non mais attendez, c'est un moule. Oh là là. Mais vous prenez pour qui? C'est pas Disneyland ici hein. Stagiaire, vous arrêtez de pervers sexuel tout de suite hein. Allez stagiaire, on te regarde. Stagiaire, arrêtez-moi de pervers sexuel, on est où là en fait? Le monsieur devant là? Mais oui, c'est ça, c'est un pervers sexuel. Monsieur, dégage! Non! Vous, arrêtez-vous, pardon, arrêtez-vous! Vous arrêtez maintenant là! Oui, oui. Hop, hop, c'est par là-bas vous! La sortie, tout droit, gauche, droite, c'est parti, ça sort! Attendez, je suis attendu par le lieutenant. Vous êtes une information capitale, une information d'une importance. Bah, je vais voir ça tout de suite. Hein. Attendez là, monsieur. Ah, lieutenant, vous me recevez? Oui, le. Y'a le pervers sexuel qui est arrivé, monsieur. C'est vous le lieutenant qui avait invoqué le pervers sexuel hein. Le... Non, alors, journaliste. Journaliste. Tenez, ça RP de moi. Journaliste. Lieutenant, vous m'entendez, lieutenant? Journaliste. Ah non, mais... Le SMS est tout seul et il vous attend au-dessus. Alors allez-y tout de suite, il va vous soigner. Lieutenant, c'est vous qui avez appelé le pervers sexuel. Stagiaire, oui, c'est moi qui l'ai appelé, le journaliste. S'il vous plaît, okay, allez, agent. Allez, on y va. Lieutenant, venez me dire votre agent, s'il vous plaît. Au revoir, monsieur. Allez, on y va, on y va. Tu n'oublies pas que je suis obligé de marcher, je suis blessé. Le LSMS est là pour vous, pour la 45ème fois de la soirée. Le médecin est tout seul, il a autre chose à foutre que de vous attendre, bordel de merde. Et je crois que... Ok, c'est bien sûr. Il vient de partir, le médecin, lieutenant. Vous me faites tout chier. Vous me faites tout... Non mais c'est pas confortable, ça, lieutenant. De officier d'INSEE, je prends les choses en main, en attendant que le lieutenant rallume sa radio. Sous contrôle, nous sommes le SPD, une unité d'élite, bien sûr. Mais Inès, j'entends le lieutenant sur la radio. Ce monsieur a braqué la banque tout à l'heure et avait demandé... Lieutenant, on fait que vous entendre dans la radio. Fermez votre gueule, lieutenant. Fermez votre gueule, lieutenant. Il croit qu'il y a un problème avec la radio. Vous voulez que j'aille lui dire? Ok, stagiaire, vous foncez, vous lui dites fermez sa gueule, on entend radio. Vous êtes pris tout seul, il y a ça. Vous avez dit que c'est Denis dans la banque qui est journaliste par là avec votre radio qui est restée allumée. Arrête, nous entend pas le crayon tout seul. Allez-y. Je ne connais pas d'avocat en ville, désolé. Les problèmes, c'est les 34 mallettes d'argent qu'il y a sur vous. Lieutenant. La radio qui est allumée depuis tout à l'heure, on vous entend, on a rien à foutre des mallettes d'argent, c'est compris. Mais il a quoi le rugbyman, merci. C'est bon. Allez, repartons en patrouille. Julien pour l'INSEE, c'est bon, mission accomplie. Merci, soit vous parlez aux journalistes de vos revendications. Bravo. Soit vous leur parlez pas, et du coup, bah tant pis, ils seront vus. Par contre, il est complètement con. Elle est éteinte, la radio. C'est ce bordel. À la Oh, il est sous pression, il y a pas le capitaine, il est sous pression. Non, mais on vous entend tous, puis tout à l'heure, c'est insupportable. Ok, pendant l'absence du lieutenant, je prends les choses en main. Officier d'INSEE, NCIS. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Je viens signaler une disparition. Oh, merde. Je voulais okay, savoir vous si vous aviez entendu d'un ami à moi qui s'appelle Curtis Shepherd. Mais non. Non, pas du tout, monsieur. Ça me dit rien du tout, monsieur. Non, mais est-ce que j'ai une tête d'annuaire? Non, mais... Parce que c'est la première disparition qui m'arrive, je sais pas comment faire, vous comprenez? Eh ben... Qu'est-ce qui vous dit que la personne a disparu déjà? C'est quoi? Bah, il me répond plus, exactement. Oui, mais depuis combien de temps? Est-ce que par hasard, le monsieur est du coiffeur? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah d'accord, parce que j'ai vu un indice, hein, je mène l'enquête, hein, comme dans NCIS. Ah, vous adorez NCIS, madame? Ouais, c'est ça, monsieur. Bon, je vais pas vous déranger, je vais essayer de chercher, peut-être qu'il a plus de batterie. Non, mais écoutez, n'hésitez pas à nous tenir informés, hein, mais après on peut pas, si c'est juste qu'il ne répond pas depuis un tout petit peu de temps, ça peut pas forcément dire que c'est une disparition, hein. Oui, vous avez raison. J'espère, j'ai envie de vous dire. Oui, j'espère aussi. Allez, bon courage. Merci. Bon courage. On est à...
Alors voilà, je vous explique. Ben moi, on m'a dit que je pourrais être utile ici. Alors, je suis venue. Au final, je me retrouve avec un de vos agents. Attendez, je vais vous montrer. Bougez pas, suivez-moi. Attendez, suivez-moi. Je vous suis. C'est vous qui avez été invité, alors on a besoin de vous. Alors, sachez que ça fait un petit moment qu'on vous a appelé. On est dans l'urgence la plus totale. J'espère que alors après, il y a mon patron aussi qui est là, donc peut-être que lui couvre l'événement également. D'accord, très bien. Alors écoutez-moi, ça c'est un moment qu'on vous attend. Est-ce que vous m'entendez en radio? Oui, on vous attend. Ça fait quand même un moment que je suis là. Après, personne ne m'appelle, je ne sais pas. Par jour, etc. Sur la dent, vous n'ouvrez pas le feu. Vous ne répliquez que si on vous tire dessus. Attendez, madame, ça pas le radio, mais suivez-moi. Ça fait quelques heures qu'on vous attend. Bah quelques heures tout de même, quand même pas. Mais attendez, ça fait une semaine qu'on se plaint. Vous allez me répondre à la radio, bordel de merde. Oui, lieutenant, oui, c'est bien pris. Oui, ok. Et merci, Panda Barbu. Merci à toi pour ton follow. Oui, c'est bien compris. Oui, c'est bien compris. Oui. Oui, c'est bien compris, lieutenant. C'est super bien compris, oui, monsieur. C'est bien compris. C'est bien compris, là, monsieur. C'est bien compris quoi, pardon? Ok, du coup, madame, pourquoi vous me faites venir dans une pièce comme ça? Bah, ça fait une semaine qu'on vous attend, c'est bien vous, madame, qui se coupez du balai. Non, mais attendez, c'est le dernier. Merci, Nance. Non, 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 je suis journaliste Weasel News. Bah, c'est pas pareil. Ah, c'est. La serpillière, c'est ma semaine. Ah, bah, quand même, je ne vous permets pas. Non, en tout cas. À plus tard, au revoir. Ah non, mais excusez-moi. Oui, bonsoir. Allô? Oui, excusez-moi, j'étais dans mes pensées. Vous recevez des informations importantes à la radio, vous rigolez. Merci Rainure pour ton follow. C'est exactement ça. Mais c'est vrai parce que nous on fait un vrai travail. En plus, on l'a déjà vu quand même. Comment tu lui parles? Non mais attends, bah oui, tout de même, c'est beaucoup. Je sais pas quoi. Nous on a besoin de quelqu'un pour les toilettes. C'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure. Oui, alors c'est sur le braquage. Alors non, je vous explique. Très simple. Oui. En fait, il y a eu un braquage. Ils ont demandé des revendications. Ils voulaient faire passer un message par la presse. Oui. Du coup, moi, je vous ai appelé. Mais entre-temps, ils sont partis. On est partis en course. Bon, attends. Non, mais c'est pas grave. Je vais juste là deux secondes. Je me récupère des trucs à boire et à bouffer là parce que j'en peux plus, moi. Ils me cassent les couilles avec leur histoire. Tac, tac. Tac. Hop. Merde, le con. Ah si, ça va, ça en prend quand même 5. Ok, parfait. Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Ah, c'est bon. On n'est pas censé leur parler de tout non plus. Est-ce que quelqu'un est disponible? Écoutez, moi, oula. Bonsoir. Ça va, officier? Vous êtes toujours stagiaire? Ah oui, oui. Non, ça va pas tarder, là. Je sens que ça va pas tarder, là. Ouais, c'est dans les tuyaux, je crois. On va voir, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être pas, je sais pas. Et où sont vos maîtres de stage? Elles sont dans le là avec une dame. Là-dedans? Ah, c'est pour ça que ça fait du bruit? Ah oui, 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 oui. Ah, mais j'ai des trucs à faire. Ah, là, faut pas rentrer, là. Là, c'est vraiment mauvaise idée. Hein. Mais j'ai pas que ça à faire, j'ai des trousses. Ah bah... Ah, vous voyez, je vous avais dit, hein. C'est ça, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous parlez fort, hein. Je dois déposer des trousses. C'est lui qui va se faire défoncer. C'est vrai qu'on est un petit peu à l'étroit ici. Allez, j'en ai, je vous en donne. Ça sent la javel en plus, c'est pas très agréable. Mais c'est pas une salle de réunion, ça c'est un local. Et bah c'est le local du NCS maintenant, c'est ici. Allez, exécute. Oh, ah, je t'avais dit qu'il fallait pas y aller là. Par contre, bon. Bon, je vais patienter quoi. Ça va vous sinon? Ouais, ça va, ça va. Tranquille, ouais. Non, mais bah, allez-y, faites des petites pompes là, hein. Vous avez le temps. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. T'en fais aussi. Allez, allez, pourquoi pas, je te suis. Non, merde, putain, le con. Liste, je crois que c'est sport. Allez, c'est parti. Vous êtes un peu proche. Ouais, c'est vrai. J'aime bien être collé, chérie. C'est bizarre, stagiaire. 3, 4. Ouais, putain, j'ai plus de cardio, moi. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Allez. Ça va, la tête tombe pas. Mais ça va, ça va, ça va, fait, ça le fait. Ouais. Okay. Allez, on continue. Yeah. Mais qu'est-ce que... Ok. Alors là, c'est pas ce que vous croyez. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Vous êtes en train de faire des pompes? Ah oui, je faisais des pompes avec l'officier, madame. Ok, pas de soucis. Ouais, hein. Madame la journaliste, en tout cas, si vous voulez regarder. Oui, et oui, il est chez nous, c'est un pervers sexuel. D'accord. Heureusement qu'il n'est pas là, il allait péter un câble. Bah, faites un article, j'en sais rien. Moi, sucez vos stylos. Ah, les punchlines, elles sont sévères. Il faut garder là, et puis un jour vous pourrez l'utiliser contre lui. Ouais, c'est ça que vous faites du chantage. Attendez, on m'appelle. Okay. Alors attendez, je note ça vite fait. Est-ce bonjour. Est-ce que vous serez en mesure de backup mon histoire si jamais tout cela sort un jour? Moi, je backup carrément. En plus, on a le nom des deux victimes qui ont porté plainte. Puis-je vous demander quels sont les noms, s'il vous plaît? Évidemment, je ne révèle jamais mes sources, donc. Non, je me rappelle plus, madame. Bon, si jamais vous vous souvenez, est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? C'est quoi votre numéro, madame? Attendez, faut que j'ouvre mon GSM. Le soir où il est pas là, c'est le bordel. Non, mais c'est le bordel tout le temps. 5-5-5-48-91. Ah, les deux, elles sont trop fortes. Hein. Moi, je fais ma vie avec elles. Hein. Sarah Carter, comme Samantha Carter, dans Stargate SG-1. Oh, on a parlé de Stargate tout à l'heure et de la pénétration du Goa'uld dans C'est vrai, stagiaire. Ah oui, oui, c'est vrai. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est ça, 48-91. Après, NCIS, c'est quand même au-dessus, hein. 48-91. 48-91, il faut que je vous ajoute également, bien sûr. Je suis totalement leur porte-clé. Je suis une vulgaire merde. En attendant, elles ont quand même voulu me faire passer cadet. Mais je ne sais même pas comment vous appeler, en fait. J'arrive. Vous pouvez m'appeler Lindsay. Lindsay. Je suis la chef du NCIS ou de SPD, Divi stagiaire. Ouais, ouais, ouais. C'est elle. C'est ça. Et votre numéro, c'est le 555. J'ai rien écouté. Et mon numéro, c'est le 555-7699. 7699. Tout à fait. 76-99. C'est ça, madame. Bon, écoutez, coup, je suis. Ben oui, mais je suis désolée déjà pour vous d'avoir pensé que j'étais potentiellement une. Enfin bref, une balayeuse de votre établissement, alors que pas du tout. Attends, j'espère. Vous s'en nettoyer là, en fait. Ah bon? Ah non, ça va être encore à moi de le faire. Oh non, s'il vous plaît, madame, faites-le. Oh non, j'en ai marre de nettoyer, moi. Mais ça va pas, je ne monnaie pas mon travail. Non, mais mon travail... On le fait ensemble. Eh, je vous propose 50-50, on le fait ensemble. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette tise? Désolé, je vais rejoindre mon patron. Non, mais je... Ah, mais... Elle est vraiment pas cool, la dame. Non, non, j'étais en train de... Je me rappelle plus où était la pièce où il y a nos saisies, en fait. Voilà, je c'est en bas, à côté des cellules. C'est en bas, ouais. Ok, alors. Y a-t-il... Merde, qu'est-ce qu'il dit? Conseil en amour, apparemment, encore. Non, mais encore. Ouais. On va où, là? Qu'est-ce qu'on fait, hein? Ah, je crois que vous cherchez la sortie, c'est par là. Hein. Je remettais ma radio. Hein. Oui, c'est moi, je l'ai éteint. Et très bien, j'ai l'impression que personne s'y retrouve dans ce putain de commissariat, c'est un délire. On va au saisie là? Non, il faut que je me fasse soigner. Ah d'accord. Pourquoi tu vas au saisie? T'as un truc? Non, non, pas du tout. Ah d'accord. Bah, viens, on se tire. On tient pas. Attends, mais il y a... Où est... Je sais pas. Je suis sûr. Salut, comment il s'appelle? Ah bah attendez, venez, suivez-nous, on va vous inviter dans notre bureau. D'accord. Merci de m'aider pour ces petits problèmes de cœur. Mais c'est normal. De cœur? Non, de cœur. Qui parle de cœur ici? Vous avez mal au cœur? Non. Alors le stagiaire, lui, ça va être le meilleur, il va vous donner vraiment les meilleurs conseils. Ah oui, oui, oui. Ah moi là, je me suis occupé du lieutenant tout l'après-midi. Tout l'après-midi, je me suis occupé du lieutenant. Il avait le lieutenant, il allait pas. Ah ouais, le lieutenant, il va déconstruire madame Vanessa, la médecin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait, Ah, il va la déconstruire de A à Z. C'est-à-dire déconstruire, c'est pas un bâtiment? Oui, oui, en fait, non, mais c'est une longue histoire, c'est compliqué. C'est quoi votre souci à vous? Alors, c'est plus pour les problèmes de... Pardon? Il y a un médecin à l'accueil, ramenez-le ici, s'il vous plaît. Oui, d'accord, tout de suite. Elle arrive. Lindsay, qu'est-ce que vous faites au bureau encore? On mène une enquête. On mène une enquête, quelle bande de grosses mythos.
Eh Roger, t'as pas vu la médecin? Mais bordel, elle se fout de ma gueule, y'a pas de médecin là. Ah, là-bas. Mais y'a pas de médecin là. Mais où ils sont? Y'a pas un médecin là? Oh, médecin! Qu'a des peines de retour en service? Officier Lindsay, y'a pas de médecin à l'accueil. Bah y'a pas de médecin à l'accueil alors hein. Bah c'est vous m'avez dit d'aller le chercher. Mais oui c'est normal qu'il soit pas à l'accueil puisqu'il est en bas Lindsay. J'y vais. Et si vous voulez venir, non, mais Lindsay va venir en bas pour se soigner. Mais je ne peux pas courir lieutenant, je suis blessé. Et bah tant pis pour vous, votre officier va vous emmener à l'hôpital et puis vous démerdez. Et moi dans l'histoire je fais quoi? Vous partez avec le médecin pour mettre au bureau hein. Oh merde, je vais te foncer putain. Vous repartez. Lindsay, soit vous descendez ou soit vous êtes viré sur le champ. Oh là là, j'arrive. Vous attendez votre... Allez, excusez-moi lieutenant. Lieutenant, je mène une enquête. Lindsay, soit vous descendez ou soit vous êtes viré sur le champ. À mon avis c'est bon. À mon avis ça va aller, c'est un peu... Ça bouge un peu mais c'est ok, ça devrait le faire, merci beaucoup. Attendez, oui, attendez, non mais ça c'est vraiment un truc de policier de faire comme mon pote, ça. Ah non mais si, 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 c'est bon, mais c'est juste que je crois que... Mais je mets du temps à okay. C'est quoi le lieutenant, je me souviens plus très bien. Je vous donne un petit coup là. Il vous reste 30 secondes, si vous êtes viré. Mais je ne peux pas courir, lieutenant. Ah, okay. J'en ai rien à branler, ça fait une demi-heure que vous attendez dans le bureau avec un branlier, un médecin. Fallait s'en occuper avant, sachant que le médecin en plus était déjà venu, il est reparti. À cause de vous, il a perdu encore un quart d'heure. C'est passé quoi lieutenant, je me souviens plus bien. Elle va se faire tège. Elle va se faire tège putain. Le prisonnier, ok très bien. C'est ce que je demandais mais on m'a dit. Après, je me souviens plus. Merde putain, attendez, j'ai plus de bouffe moi. Jetez un œil sur le prisonnier. Oui, tout de suite. Son GPS que j'ai eu, c'est celle que je t'ai donnée. Ça me regarde pas, madame, ça me regarde pas. Je pense que la personne doit être dans le canal. Alors, comment vous appelez? Edwin. Mais c'est pas vrai, c'est la troisième fois qu'on se voit aujourd'hui, Edwin. Ah, quasiment autant que moi. Ah mais c'est vos collègues, ils font n'importe quoi madame. Mes collègues, c'est qui mes collègues? Je sais pas là, les gilets jaunes là derrière là. Ah moi c'est pas, je suis pas médecin moi. LSPD, l'élite ouais. De Los Santos. L'unité d'élite, comme ça ouais. L'unité d'élite de Monsieur Keck. Alors, ah oui si en plus vous êtes l'unité de Monsieur Keck, vous êtes forcément une unité d'élite. Ça monsieur, je suis l'unité d'élite de LSPD du NCIS. Parce que j'ai les gens qui hey. De beaucoup plus. Hein. Plo, oui, je m'occupe de vous dans un instant, je dois faire. Tirez-moi dessus, monsieur Plo. Okay. Vous voulez que je vous tire, mais vous êtes dégueulasse. Abattez-moi, monsieur, j'en peux plus de sa voix. Ah, mais non, mais moi je veux rien faire avec lui, moi, c'est dégueulasse. Abattez-moi, s'il vous plaît, j'en peux plus de sa voix. Tasez-moi. Okay. Bon, vous pouvez. Vous, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes stagiaire? Prends le bus, Michael. Je vais chercher le bus. Va chercher le bus. Vous parlez à moi, madame? Non, je parle au gilet jaune derrière vous. Ah, oui, moi je suis stagiaire. Bah oui, on s'est vu 7 fois aujourd'hui. Ah, Vanessa, vous me faites beaucoup de peine. Est-ce que je me sens mieux là? Oh, qui je vous appelle? Bah, moi, on s'est vu 7 fois aujourd'hui. Oui, allez, c'est bon, on y va. Oh. Stagiaire, vous repartez avez besoin. Avec Lindsay? Oui, tout de suite. Mon collègue m'a tiré dessus et m'a tapé, madame. Ah, oui. Je peux être soigné si vous voulez. Stagiaire, vous pouvez repartir avec Lindsay, d'accord? D'accord. Allez, tiens, du coup, on se voulait gérer ce jour. J'ai mal partout, madame. Ouais, c'est le bordel, hein. C'est 25, je pense. Et Lindsay, vous repartez en patrouille. Vous repartez en patrouille avec Kelly, d'accord? Vous avez un chewing-gum coincé, c'est lieutenant. Bon. Bah c'est bon là, non? Ouais, c'est bon, merci, lieutenant. Ne vous inquiétez pas, lieutenant, je m'occupe du stagiaire. On va continuer la déformation. Bureau, là, on est en train d'écouter la déposition d'un monsieur. Oui, bah restez pas toute la soirée dans le bureau. À vos ordres. Allez, viens vite. J'arrive. On arrive, Kelly. Ouais, c'est bon. J'aimerais apprendre à la connaître. Voilà, mais c'est parfait. Non, mais voilà, on l'a mis sur le bureau. C'est les meilleurs dans la vie, hein, vous savez. Tu vas encore exploser, j'en sais rien. Yo Lisa, hello. Est-ce qu'on a le temps d'aller au Paradise? J'ai dit qu'il était ouvert. Par contre, monsieur, vous allez descendre du bureau tout de suite. Non, mais mon bureau, c'est pas Disneyland. On peut aller au Paradise pour fêter le message que j'ai envoyé. Ils offrent les premières boissons. Ah bah dis donc, si vous êtes euphorique pour un SMS, hein, qu'est-ce que ça va vendre des mots plus tard, hein. Bah arrêtez de parler de ma queue comme ça.
De là. Ok, très bien. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'on a des enquêtes à mener, monsieur. On va pas vous accompagner toute la journée non plus. On a un service public. D'accord, je vais arrêter de vous embêter. Non, mais vous nous embêtez pas. Vous nous embêtez pas. Si, travail, d'accord, je comprends, je comprends. Merci de ton aide encore, Kelly. D'accord. Il n'y a pas de problème. Non, mais n'hésite pas. Puis tiens-moi au courant là pour l'histoire de ta sœur. Hein, parce que c'est quand même un peu bizarre qu'elle dorme depuis quelques jours. Bah écoute, elle est endormie depuis quelques jours apparemment. Elle reste à l'hôtel. D'accord. Oui, dites-moi, monsieur, votre dame là, c'est qui? C'est Lorenza. Tu vois que c'est. Oh, Lorenza. Oui, oui, tu vois que c'est la victime du pervers sexuel. Ouais, je lui dis. Je lui dis de pas parler de nous, hein, d'ailleurs. Oui, j'ai fait le problème de parler de vous. Ah, mais ah ouais, attendez, mais c'est génial. Vous la connaissez bien? Ah, mais c'est une copine. Une copine, ou... je suis pas sûre qu'elle te kiffe vraiment. Hein. Kelly m'a dit qu'elle l'aimait pas vous. Salut Lorenza, hein, t'es la meuf avec le nom du café. Hein. Ah, Lorenza. Ouais, c'est ça, c'est l'INSER, Elite Jules Speedy qui gère le NCIS. C'est du NCIS. Je l'amende et je l'emmène. Ok. Oui, non. Je suis devant la. Ah, ouais, ouais. Je pensais que c'était le LSPD. Oui, oui, mais elle, c'est l'unité d'élite, elle. Attendez, mais qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Qu'est-ce qu'elle est en train. J'espère qu'elle ne parle pas de moi. Elle va être la honte. Peur de nous? Lieutenant. Discret. Ouais, on est discret, là, en plus. C'est ça qui est bien. Ne faites pas le bruit. Pourquoi on parle comme ça? Vous êtes là? Vous la connaissez, monsieur Camin? Je sais pas, moi je. Mais vous le faites payer quand même, vous inquiétez pas, c'est bon. Non, hein, dingue, quoi? J'étais hypnotisé! Non, mais attends, tu viens d'appeler la fille qu'il est en train de courtiser, on voulait savoir. Mais pas du tout, non, j'étais au téléphone avec une meuf qui vend du café, hein, qui lit. Oui, du café, ouais, c'est bien ça. Tiens, d'ailleurs, si on allait chercher du café au sous-sol, je crois qu'il y en a un peu. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, à plus tard, hein, monsieur Tim. Au revoir. Je sais pas où l'on sort. Viens, venez, suivez-nous. Bon, Tim, on s'y informe, tu me dis. Venez, monsieur. Lorenza, hein. D'accord. Et tu me dis aussi pour ta sœur. Hein. D'accord. Allez, venez, monsieur. J'arrive. Lorenza, c'est votre sœur? Non, ma sœur c'est Lucie, Lorenza c'est la fille que je pense que j'aime. Ah d'accord, ok, parce que je me disais, elle vous parlait de... Et là j'avais un petit doute là quand même. Non, ce n'est pas du tout la sœur de moi. Ouais, parce que sinon c'est dégueulasse hein. Ah oui, on ne fait pas ça de chez nous. Ah oui. Ah là c'est là, ici. Et la porte est là monsieur. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, au revoir. Au revoir. On arrive. Il est complètement con lui avec son accent. Quel abruti. Gnagnagna, Lorenza. Je suis amoureux de Lorenza. Et moi je bois du thé. Il m'énerve ces cons là d'anglais. Pédis, vous y allez aussi ou pas? Non, j'ai encore. Le mec qui se vénère solo. Il a personne à qui parler, du coup il se vénère solo. Il se monte le mot. Est-ce qu'elles sont encore dans le storage à se tourner les pouces? Qu'est-ce ou... qu'il a fait? Ah mais c'est encore là. On devrait y aller. C'est très humble, je trouve. Ouais, c'est ça, ouais. Problème, j'ai toujours été humble d'ailleurs. Okay, j'ai eu un petit, bon alors, qu'est-ce qu'on fait là? On va faire une patrouille, hein, parce que là, on fout rien. On est dans ce commissariat depuis 2 heures là. Non, moi je vous suis. On va bosser là un peu. Il y a des malfrats qui sont en ville là. Ah ouais, moi je suis prêt pour botter des culs. Avec le détecteur. D'accord. Ouais, en effet, il y a des petits soucis de son. Hein. Il y a le yinch, je sais pas. Je vois des gens qui courent par les fenêtres. T'attends quoi, par petite boulette? Pour info, c'est à l'accueil de l'hôpital, c'est pas aux urgences. Oh, une intervention. Vous êtes qui, monsieur? Moi, je viens ici pour passer mon permis de port d'armes. Je viens voir le psychologue. Ouais, putain, permis de port d'armes, moi je viens pas. Il faut y aller, faut aller en patrouille. Bonsoir. J'ai une question, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Ah non, pas un permis de port d'armes, non. Ah non, pas de permis de port d'armes, non.
Certes, mais depuis, je suis un quelqu'un de. Ah, oui, je me rappelle que vous êtes rangé, mais c'est très bien ça, monsieur. Voilà, c'est ça, je me suis garé, mais on peut dire. Et du coup, tout à l'heure, voilà, je travaille dans le journalisme, et tout à l'heure, il y a votre collègue, enfin, une de mes collègues. Ah, mais ça veut dire qu'il recrute vraiment n'importe qui dans cette entreprise, hein. C'est un délire. Voilà, mais c'était une blonde avec deux couettes, mais elle m'a pas donné son prénom et son nom, et ni son numéro, parce que j'ai besoin de lui donner l'information, du coup, qu'elle m'a demandé. Ah ouais. Vous l'avez peut-être vu, que vous la connaissez, peut-être vous pouvez m'aider. Bah attendez. C'était pas la femme de ménage là qu'on a vu tout à l'heure ? Elle s'appelle Sarah Carter. C'est la femme de ménage. Ah, c'est ça, c'est la femme de ménage. Faut tout de suite, on met des enquêtes qui disent, mais t'es trop une femme facile. La femme de ménage avec les deux petites couettes ? Ouais, c'est une femme de ménage. Mais par contre, elle avait pas envie de faire le ménage avec moi. Comment s'appelle Carter du coup ? Allez, ça y est. Bah, c'est Samantha Carter. D'accord, merci. Est-ce que vous avez possibilité de me donner son numéro ou pas ? Est-ce que je dois lui donner l'info ? Du coup, comment on dit ? En plus, regarde, on entend pas les civils, vraiment stagiaires, n'importe quoi. Ah mince, ah, fallait pas lui dire ! Mais c'est une femme de ménage ! T'as été gentil, t'as tout fait, hein, donc maintenant. Je suis désolée, Tim. Ah merde. Monsieur le stagiaire, vous pouvez le numéro, s'il vous plaît ? Oui. Du coup, vous avez son numéro ou pas, monsieur ? Ah non, moi j'ai pas le numéro, je savais que c'était la femme de ménage, c'est tout. D'accord, donc c'est Samantha Carter, mais il me faudrait son numéro parce que sur le site. Ah oui, mais moi je l'ai pas, je peux pas l'inventer. Hein. J'essaie d'avoir avec votre collègue, merci. Ah, d'accord. Monsieur l'agent ? Ouais. Il est sorti ou pas, Edwin, à Max ? Non, je crois qu'il est toujours en cellule. Ah, il est en cellule, ok. Ah, je crois. Hein. Il va aller en fédé, non ? Ah, j'en sais rien du tout, ça par contre. Il faut aller voir à l'accueil. Bah, demandez à votre collègue, je pense qu'elle peut le savoir, ça. Ah, là, je vais lui demander, attendez, bougez pas. Ah, merci, vous êtes un boss, monsieur l'agent. Et raccroche le téléphone quand tu conduis, hein. Ah, mais par contre, elle est un peu vénère. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Kelly, le monsieur, il veut savoir si son ami va aller en fédéral ou pas. Je sais pas lui répondre. Je comprends plus, moi, de qui on parle là. Ah, dites-lui, monsieur. Mais c'est pas mon ami, c'est pas mon ami. Ah, si, je sais pas, moi. Bah alors, le monsieur. Qui traîne dans mon quartier. Bah alors, pourquoi vous voulez savoir où il va ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Parce que c'est un mec qui traîne dans mon quartier. Bah, il peut passer dans les. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ça fait plaisir qu'un mec du quartier finisse en cellule. Non, le mec qui est en bas là, en cellule, qui était là-bas en bas là, qui voulait manger des plots. Ah, mais le gros con là ! Ouais, qui voulait prendre des plots et s'asseoir dessus. Mais lui, si je peux l'envoyer en prison, il va être direct. Hein, là, il est en train de se faire interroger. Je vous le dis, il va passer un peu de temps derrière les barreaux, ouais. Et puis, il s'assoit sur des plots, hein. Eh ben, il a dû faire une dinguerie, monsieur. Ouais, non, mais lui, une dinguerie, surtout, il a essayé de braquer une banque et s'est retrouvé dans l'eau comme un con, quoi. Donc, on l'a chopé, hein, voilà ce qu'il a fait. Hein. Ah, il a voulu faire flipper. Il a raconté à tout le monde au quartier, hein. Allez-y. Non, hein. Ça, je vais pas le raconter, ça. Bah, si, raconte. Ah, bah, c'est un sacré branque, hein, quand même. Hein. Ouais, mais quelle réputation, elle existe même pas, sa réputation. Mais vous savez, au quartier, on a tous une réputation. Ah ouais, ah ouais. Au quoi ? Ah, mais attendez, vous avez des grades comme chez nous. Ouais, moi, je suis officier 2, moi. Sérieux ? Mais attendez, ouais. Moi je suis juste officier, ça veut dire que vous êtes au-dessus de moi dans votre quartier ? Ouais, mais dans le quartier, après vous êtes au-dessus de moi dans votre quartier avant. Ah ouais, d'accord. Non, mais j'ai rien compris là. Hein. Mais non. Mais j'ai mal à la tête, hein. Non, mais c'est pas grave, stagiaire. Bois un peu d'eau, ça ira mieux. Ok, je vais aller chercher de l'eau. Bois un coup, t'inquiète, ça va aller, hein. Tout va bien. Ah merde, mais j'étais déjà à fond, quel con. Ok, monsieur, vous apprenez votre pas de quoi faire. Votre pas de quoi. Oui. Bonne pause, Cadet Michael. Super. Merci, au revoir. On a vu. Non, mais lui, il est trop chelou, hein. Le coiffeur, c'est pas son pote, hein, vu sa gueule. Hein. Mais je sais pas, hein, là, c'est bizarre. Il me pose une question chelou, là, sur son pote. Bon, bah, écoutez. On fait, ouais. On fait quoi, là? Bah, on part en patrouille. Ouais, pourquoi il y a un hélicoptère au milieu de là ? La deuxième, non. Je sais pas. Il n'y a pas les informations. Mais c'est quoi ce bordel en fait dans cette ville ? Attendez, excusez-moi. Je vais faire un tour. Attendez, faut que je me mette dans un coin là, deux secondes. Ah putain, l'hélico en plein milieu. Je l'avais même pas vu. En vrai, pour le bus, refaites peut-être l'aller-retour jusqu'au. Ah putain de merde! Vous voyez, tant mieux si vous voulez pas, tant pis. Je pense pas qu'il soit parti au pénitencier. Hein. Vous alliez où avec le bus? Ah bah, on sortait à peine et Michael a fait. C'est qui s'est occupé des croûtes? Des croûtes? Oh putain! Si, si, si! Oh, la radio, ils disent n'importe. Alors en gros c'est une dame qui passe en fait.
fait qui est passé, qui cherche les croûtes parce qu'apparemment il y a un collègue qui les aurait embarqués. Aïe aïe aïe. Ok bah on part en patrouille là. Ça marche. On va aller chercher une voiture. Kelly. L'INSEE, je crois que Kelly elle est pas là. Mais je crois que t'es trop focus sur le téléphone. Merci Valmanus pour ton follow. Ah tiens moi elle arrive. Donc faudrait vous être prié de les ranger dans le garage quand même. Je sais pas ce que vous en faites. Ouais, excusez-moi. Bon alors, on fait quoi là? On part en patrouille. On va les récupérer une voiture qui arrive puis on part en patrouille. Ça veut dire quoi ça? Rien du tout, lieutenant. Je vous rappelle qu'il y a quand même un détenu qui s'est barré du commissariat avec le bus. Ah bon, on est pas au courant. Ah bah super, merde, c'est pas super. Ah, il est parti avec le bus police. Sans tout ça, genre, c'est une bonne passoire, le truc, je te jure. Putain, c'est pire que tout, quoi. Pris les quoi? Les croûtes, les premières croûtes. Désolé, hein. Ouais, c'est... Ah, y'a pas tué. J'avais le doigt sur la détente, je suis désolé, hein. Pas de message radio pour l'hélico, on s'en fout. Merci. On s'en bat est-ce les que couilles. Vous avez, quelqu'un a pris le dernier appel au commissariat? Toujours. Bonjour. Je peux m'en occuper après monsieur Denis s'il faut, mais sinon s'il y a quelqu'un d'autre, je peux bien. On prend celle-là? Bah ouais, on va prendre celle-là. L'INSEE, vous êtes toujours au commissariat ou pas? On est toujours là, oui, lieutenant, avec. Eh bah, occupez-vous du. Permis de port d'armes alors, au lieu de rien faire là. Mais de qui, de quoi? On patrouille, ça fait non, pas de permis de port d'armes. Hein. Ah non, ouais, c'est chiant le permis de port d'armes. Non, mais occupez-vous de l'appel au commissariat pour le permis de port d'armes. C'est déjà fait, lieutenant. Ah, c'est bon, c'est déjà géré. Prenez pas l'appel. C'est terrible, prenez l'appel, regardez quand vous avez un petit message. Alors, tirons-nous là, tirons-nous, j'en peux plus. Donc, quand il n'y a pas le capitaine, c'est le bordel. Hein. Ah ouais mais non mais c'est même pas qu'une question de capitaine hein. C'est qu'on a recruté des bras cassés moi je vous le dis hein. C'est pas du tout comme dans NCIS. Tu te rappelles Kelly quand on était en service toi et moi là il y a quelques jours hein. Comment on gérait toute la ville hein. Ouais c'est clair. Ça filait droit hein, je te le dis hein. Le retour avec les bêtises. Tiens avec cette vitesse encore. Aïe. Non mais il s'enfuit là avec son masque. Non mais attends, mais c'est quoi ce bord? Qu'est-ce que vous faites? Non mais ça va ou quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez-vous là! Les mains contre le mur! Oui, d'accord, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous roulez comme un malade et en plus vous roulez avec un masque! Vous savez on qui est je où suis là? Ah merde, non. Je sais pas qui t'es! Et moi tu sais qui je suis? Vous rendez pas compte. Mais vous savez qui on est? On est du NCIS! Arrêtez... NCIS. Oui. Exactement. Du LSPD, monsieur. Bureau d'enquête du NCIS. Ah oui, j'écoute avec moi. Ça y est, c'est reparti. Les mains contre le mur. Le NCIS. Enlève ton masque. J'enlèverai pas mon masque, je suis un super. Ah ouais, d'accord. Je crois que je le connais, lui. Je crois que vous fouillez, monsieur. Fouillez-moi, mais fouillez-moi, Kelly. Ah merde, merde. Je suis désolé, hein. Non, mais on sait pas qui vous êtes. Montrez-moi votre carte d'identité. Hein. Ah, je crois que c'est monsieur Doberman ou je sais pas quoi. Non, voilà, c'est moi, Doberman. Si, c'est Doberman, ouais. Il est assez connu, il est sorti de l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ça, Doberman? Non, il est sorti. Je crois qu'il sort de l'hôpital psychiatrique, c'est pour ça. Non, mais moi, je suis Jack Russell. Hein. Non, mais moi, je suis Gibbs. Dans ami yes, mais on est où, là? Mon est où, là, montrez-moi fait, votre carte d'identité là, dépêchez-vous. Hein. Non, je ne veux pas que vous connaissiez ma véritable identité, hors de question. Je suis Doberman. Mais ça va faire mal. Oh non, moi j'en ai marre. On est monté des speedy, vous monsieur, hein. On fait des enquêtes comme dans NCIS. Oui, très bien, mais moi je suis la justice, j'incarne la justice. Oui, mais. Non, c'est pas vrai voilà. Parce que la justice est Gibbs hein, dans NCIS. Pensez à Mysterio, Doberman. Sinon, elles vont vous casser la tête, là. Ça vous servira à rien. Montrez-leur. Non, je montrerai pas ma carte. Alors, vous devez pas ça. Aïe, aïe, aïe. Non, mais t'as des gens qui tiennent de poupous, toi, c'est clair. Oh, putain. Il faut prendre des choses en main. Oh, non. Oh, pas le taser. On va finir au poste, hein, je te jure. Non, j'irai pas.
Vous allez pas aller au poste, mais je te le dis, quand tu vas te prendre le taser, tu vas pas comprendre, en fait. Je te dis, bah, y aller au poste. Madame, arrêtez. On va vous enfoncer tellement profondément ma matraque dans le poste. Alors déjà, attendez, moi déjà je vais vous fouiller là, déjà, parce que là, lui ça m'étonnerait pas qu'il ait pas de la drogue sur lui, hein. Attends, non, mais t'arrêtes de faire des par contre, Kelly, hein. Arrêtez, ne bougez pas, je ne veux pas. Kelly, tu les merdes. Non mais Kelly, tu me fais des... Attends, d'accord. Il lui faut un espace de... Ouais. Il me faut un espace. Captain Tilidoy ne sera pas ravi. C'est vrai qu'il faut un espace avec ton gros cul. D'accord, ok, alors déjà, on a une boîte de Viagra. Ah, c'est pour les muscles, on va dire. Ah, c'est sûr qu'ils vendent des mousses et des mousses dans la voiture. Qu'est-ce qu'on a? Des montres en or, qu'est-ce que vous foutez avec 5 montres en or, vous? En plus, c'est quoi la cette vienne? On dirait vos amis, ça sort d'où, ça? J'ai les justiciers. Ça vous parle, Mysterion & Co. Vous faites un recel de t-shirt ou quoi? C'est qui Mister Con? Mister Con. Mais non! Attendez, qu'est-ce que c'est que ça là? C'est Cerflex en plastique là? Pourquoi vous avez deux Cerflex? C'est pour neutraliser les ennemis, voyons! Non mais ça c'est n'importe quoi, vous vous êtes cru! Non mais les ennemis de qui? Non mais je pense que lui il faudrait le ramener à l'hôpital! Alors vous avez Cerflex, ça je prends, hein! Je suis désolée, je peux pas vous laisser avec ça! Non! Vous me rendez ça! Non, je peux pas vous rendre ça! Madame, vous allez trop loin! Ça sert pour faire du jardinage! Calme-toi, Doberman, ça sert à rien de s'énerver! Non! Tu le sais très bien que je suis Doberman, dis-lui! Mais oui, mais c'est pour ça, on va te ramener à l'hôpital et voilà. Mais non, mais j'y suis déjà allé hier, arrêtez. Aïe, aïe, aïe. Arrêtez. J'ai passé la journée hier, ça suffit. Je t'y retournerai pas. Qu'est-ce que tu fais là? On dirait que tu glisses de l'humeur là, en fait c'est bizarre. Comment ça? Bah je sais pas, tu te tortilles là. Non mais je réfléchis là, parce qu'en fait son cas est tellement exceptionnel, je sais pas quoi en penser. Vous allez me rendre ça. Vous allez me rendre ça. Calme-toi. Parce que lui déjà apparemment il est à l'hôpital une fois et ça sert à rien, on peut pas ramener en fait. Ah merde, ok. Attendez. Attendez, ce qu'on fait, on fait comme la dernière fois. Vous allez voir. Ah, house. Qu'est-ce que ferait Gibbs à ma place? Mais... Qu'est-ce qu'il ferait Gibbs, dis-le-moi. Putain, j'en ai aucune idée meuf, je te jure. Stagiaire, tu as vu ton épisode? Ah non mais là je suis décontenant. Ouais. Moi je pense qu'il faut le ramener à l'hôpital, hein. C'est ce que ferait Gibbs. Non, Gibbs il ferait pas ça, je le connais. Si, Gibbs c'est un mec super bien. Un avertissement. Mais rendez-moi ce qui me sert à neutraliser les ennemis, voyons. Peut-être que tu rentres ces Cerflex, hein. Ouais, c'est censé pour le jardinage. En plus, tu sais que c'est pas illégal d'avoir des Cerflex. C'est vrai, hein. C'est pour le cable management. Non, la justice. Ah oui, ou la justice. Ah, merci beaucoup. Est-ce que je pourrais peut-être prendre votre numéro? C'est la voiture que je viens de croiser, là, venez avec moi. Oui bien non. Sûr, et puis tu veux pas une pipe aussi? Non mais on est où là, on sait. Non mais vous ne comprenez pas, ce n'est pas pour ça, je ne vous drague pas voyons. Je suis chien unique. Et je crois que j'entends des coups de feu. On n'est pas avec moi là? C'est à dire que j'aimerais votre numéro non, pour qu'on collabore stagiaire, ensemble. C'est vrai. Attends le stagiaire, viens là stagiaire. Je viens de croiser une... Ok, t'entends des coups de feu, t'es sûr? Mais regarde l'aventure. C'est pour ça que t'es stagiaire. Ah oui, ah là là. Non mais n'importe quoi, on a vraiment une équipe de... Ah bah oui. On est où là en fait? Ah putain! Je vais aller chercher quelqu'un au bureau vite fait. Dans votre numéro. Y a erreur de... Ah putain, j'ai. Collaborer ensemble. Ah bah oui. Ah putain, le con! Je la banquise, hein, monsieur. Je sais pas ce que vous faites là, mais renifler les trottoirs, là, c'est pas mon délire. Hein. Mais travailler ensemble, ce genre de choses. Y a le lieutenant là. Vous êtes des alliés. J'ai cassé des dégénérés, j'en ai déjà plein dans mon équipe, hein, je vous rassure. Hein, 10 ans, stagiaire. Vous voulez dire Kelly avec moi, s'il vous plaît? Stagiaire. Vous m'envoyez le stagiaire. C'est juste pour conduire le bus. Coucou le stagiaire. Je viens, je monte. Bonjour lieutenant Kuk, comment allez-vous? Bonjour. Voilà. Et je me casse, moi. Aïe. Ah, vous êtes avec le chien, je viens de le voir. Bonjour le chien. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Allez, tu prends le bus et tu le ramènes au commissariat. D'accord. Bah quand même, hein. Quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Venez, je vous ramène à votre voiture. Non, mais ouais, bah... Oh, ça va, Liège? Moi, je me retrouve dans sa bus. Mais qu'est-ce que... Bon, je reviens, moi, après. Ah, putain. Moi, je pensais qu'il me suivait. Ah, merde. Je vais mettre une heure encore à retrouver quelqu'un pour repartir. Stagiaire, je viens te rechercher et te ramener avec Kelly. Ah, ça va. Ah, merci, c'est gentil. Oups, désolé.
Oh, ça va, il me dépanne. Mais t'as toujours pas le permis, non? Si, je l'ai le permis. Si, je l'ai, regardez. Ah non, bah attendez. Tac, rangez mon véhicule. Vous n'êtes pas devant un véhicule, nique ta race. Là, c'est bon, je suis devant un véhicule. Ouais, c'est bon. Ah, putain, il galère le truc. Allez-y, montez, stagiaire. Merci. Ouais, y... Ah, ça bouge là comparé à ce matin. Hein. Ah bah là, oui, hein. Hop là. Merci. On t'a rendu tes flex en plus là. Ici toi heureux. Mais qui vous êtes vous? C'est Doberman, vous me reconnaissez? Ah, Doberman. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? On en peut plus la lieutenant. On a mis sur un kicking de porte. Oh, il y a chier qui sort. J'en veux. T'es rien à faire. Très raisonnable. Tu sais avec qui tu feras un bon duo? Avec le yinch. On devrait t'embaucher au LSP. Ah mais super. Ça se ressemble, comme dirait Gibbs. Un stage? Vous me proposez un stage de super-héros? Ah ouais, c'est trop bien les stages. Oh bordel de merde. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Doberman? Rien du tout. Il roulait vite là, il s'est garé sur le côté, donc on est allé vérifier son identité, il veut pas nous donner sa carte d'identité. Lieutenant Kirk, elle m'a frappé. Est-ce que c'est normal de conduire une voiture avec un masque comme ça? C'est quoi, c'est Disneyland en fait? Écoutez, c'est pas interdit les filles, hein. C'est pas interdit. Hein. Ouais, c'est vrai. Écoutez, venez voir les filles, je vous parle. Attendez, j'arrive Doberman. Ouais, y'a pas de soucis. Hein. Ok, très bien. Le chien, on va faire duo maintenant. Non, faut pas leur en vouloir, hein. Elles sont pas méchantes. Hein. Mais vous me reconnaissez, vous au moins? Vous savez qui je suis? Ah oui, bah oui, Doberman et Mysterio, oui, bien sûr. Bah oui. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui. Ah non, mais elles sont un peu sous. On est un peu tous sous tension là. Faut pas leur en vouloir. Oh là. Mais c'est encore dans l'amination ça? Attendez. Oui, non, c'est ah, Doberman, c'est bon, Doberman. On va vous laisser maintenant. C'est réglé. Ouais, y'a pas de soucis. Et puis, allez, sucez la justice ailleurs, passez une bonne journée. Allez, sucez. Pour l'Alliance. Un numéro. Je vous laisse mon numéro, mais c'est vraiment pour vous débarrasser de vous. Je vous dis direct. Ah, si, hein. Non, mais attendez, je sors ça. Allez-y, dites-moi. Je pars en course poursuite sur contre une Porsche 811 Power Street. Les calls vont être très rapides puisque je vais la perdre dans moins de 30 secondes. je fais la perdre dans moins de 30. Ah, vu que j'ai déjà perdu ça. Ah, c'est un sacré bordel cette soirée, hein, putain. Ah, ça démarre fort, hein. Ouais, ça va. Après, c'est une soirée lambda pour nous, hein. Oui. On a. Ok, c'est quoi les courses poursuites là? Expliquez-moi. On arrive devant le LSMS. Bah, ils sont au LSMS. Une course poursuite. Ok, c'est parti. Allez, c'est gouré de route. Et on tape la 811, on l'a fait sauter. Hein. C'est une 811, ça bombarde dans tous les sens, ça dégage. Hein. Ok, c'est vous. Hein. Aucune idée. Okay. Je crois que c'était au-dessus. Hein. Mais parle dans la radio. Ah bah super, hein, je suis entouré, hein. On peut pas dire où est-ce qu'ils sont là. J'essaye de trouver. Pillbox, pillbox. Direction drive. Attends, il était à peu. Je sais pas, je comprends rien. Ah ouais, ok. J'ai 1000 points. Ok, super, merci stagiaire, tu gères. Ça t'es devenu meilleur parce que t'as regardé. Oh regarde, c'était pas lui là. La voiture verte. On l'a vu en face de nous, il se dirige vers le pôle emploi, lieutenant. Voiture verte. Ah, j'étais le nez sur la tablette. Ah ouais, non, c'était pas celle-là. Non mais attendez, celui-là aussi était en excès de vitesse. Eclipse Boulevard, c'est quoi ça? Oh! Oh merde! Aïe. Non mais bordel! Ah, ça a glissé là. Non mais tout se passe dans le calme. Tu vois? Non mais y'a pas une bagnole qui va nous passer à côté à toute vitesse, la stagiaire? Ah mais j'avais la tête dans la tablette là, j'ai la tête sur la carte. Ah mais moi je comprends pas, j'ai une boussole et je vois pas le nom des rues.
Non mais moi je crois avoir vu deux bagnoles archi vite passer par là. Hein. Attends, c'est pas mon paroussière. Attends, je vais regarder c'est quoi le dernier call. Un membre de l'SPD est demandé ici. Ouais. Ah oui, bah. Ah merde, la ceinture! Putain, j'ai encore oublié la ceinture, c'est pas possible. Je me relève, y'a rien! Tu vois, c'est bon, ça va. Merci SSID pour ton follow. Non, ton sub, merci bon, à toi. Kelly, tu peux pas mettre ta ceinture, bon dieu. Ah merde, elle est morte. Kelly. Aïe, 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 aïe. Non mais stagiaire. Je sais pas, je retombe sur mes pattes tellement. Non mais c'est bon là, j'en ai marre. Comment voulez-vous qu'on fasse des courses? Bah oui, mon arrière aussi. Ah, il y a des grosses des 5, il y a des énormes des 5. Attends. Non mais attendez, on se fout pas de nous. Oh putain. Oh la porte. Oh mais c'est bien, ça fait de l'air. On arrive. Vraiment, c'est C'est bien pris, lieutenant. Ah putain, la ceinture, bordel, les gars, dites-le moi, la ceinture. Putain. Non mais Kiri, faut que tu penses à ta ceinture, hein, vraiment. Ouais, je sais. En fait, je crois qu'elle m'a pas vu sortir de la bagnole, en fait. Je crois que ça a bugué. Quelle journée, ouais. Ah, je suis, ouais, c'est fatigant déjà. Ouais, moi aussi, je suis déjà fatigué là. Hein. Ils m'ont épuisé. Hein. Lieutenant, je suis sur une affaire, sur un interrogatoire là. Est-ce que je peux terminer? Attends, c'est qui parle? Elle a bien qu'il y a un là pour la réunion. Ah, vous êtes sur quoi là? Une affaire apparemment de d'agression et de. Oui, allez-y, finissez. Allez-y, finissez, finissez. Ah, j'ai envoyé du monde. Faut que tu sois H24 avec Chuck pour qu'il te le rappelle. Ah ouais, non mais de ouf. Toi qui as ramené le putain d'hélico à gauche là. Non. Oh. Mais je sais pas ce que c'est, cet hélico. Oui, je sais pas qui il est, cet hélico. Oh, ça va, on est nombreux en vrai là ce soir. Tu dis que c'est le tien. Bah oui, c'est le tien, alors donne les clés. Ah, j'ai faim. Ah, j'ai une dalle aussi. Attends, putain, ça recommence, mais ah bordel mais c'est Fred. Oui, bonjour, lieutenant. Bonjour. Voilà, c'est bon. Qui est là, qui est pas là. Il venait d'arriver. Moi, je me mets sur le déco. Moi, je suis comme en cours. Je me mets dernier rang. Je vais lever la main. Alors, tout le monde m'entend, d'accord. J'ai une petite question à vous poser à tous. Est-ce que vous trouvez normal que pendant 10 minutes, je reste tout seul avec le lien, je suis en poursuite et que je donne des informations et que personne n'arrive? Parlez plus fort, je vous entends pas. Bon, rapprochez-vous, on s'en fout des bureaux là, putain, merde. Mais c'est juste qu'on vous trouvait pas, chef. Avec Kelly et le stagiaire, on était en train de finaliser avec. J'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler, vous finalisez quoi? Ça fait une heure, Kelly et Lindsay, qu'on vous voit pas là, on vous entend même pas en radio, vous nous répondez jamais. Donc maintenant, je c'est vrai, ça stagiaire. Mais moi je conduis, lieutenant, si je conduis. Putain, je peux mais pourquoi ça retombe toujours sur ma gueule? J'en ai rien à foutre, vous dites un petit ok et puis voilà. Je vous demande pas okay, de. Lieutenant, c'est notre. Mais c'est vrai, on le faisait pas assez. Mais oui, je vous demande pas de me raconter votre vie. Et vous mettez sur la longue portée. On s'est mis sur la longue portée, lieutenant, c'est configuré, pas de soucis. Ensuite, les véhicules. Je sais pas ce que vous en faites. Mais faudrait peut-être, au bout d'un moment, les ranger dans le garage. Donc Lindsay et Kelly, votre première mission, c'est d'aller chercher votre voiture que vous avez foutue sur le toit, je sais pas où, je l'ai pas retrouvée, c'est pas à moi de la rechercher, d'accord? À vos ordres, on va mener l'enquête. Sur le toit? Non mais c'est pas une enquête à mener. C'est juste à aller chercher votre véhicule que vous avez foutue sur le toit et que vous avez abandonné.
Okay, il faut les ranger dans le garage. Il y a eu plus de véhicules perdus aujourd'hui. On est même pas dit agent du LSPD, je sais pas comment on fait. Hein. Oui, mais attendez, c'est pas tout nous quand même. Nous, bah, c'est pas tout nous, non. Mais déjà, non, mais tu connais la société patriarcale, hein, Kelly. Hein. On est les deux qui prennent cher. Regarde, les autres, ils ont rien du tout. Hein. En moyenne. Je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde. Par exemple, le cas des pénis, lui, il a avoué qu'il a, il a lâché un véhicule, il l'a perdu, il a fini dans la flotte. Non, mais attendez, lieutenant, j'étais la première à vous dire qu'il était sur le toit devant le restaurant de poisson. Mais vous avez même pas été chercher le. Été pour le rechercher. À démonter Vanessa. Non, pas encore, pas encore. Ah, oui, j'ai pas eu le temps là, ce soir. Pas ce à la radio. Voilà. C'est pour ça. Personne ne se fait victimiser comme toi. J'ai passé une heure au commissariat, les médecins nous parlaient à la radio et vous leur répondiez même pas parce que vous êtes même pas sur la fréquence de la radio du LSMS, LSD. J'ai oui, c'est vrai, ça, lieutenant, vous avez raison. Bah oui, après, mais... lieutenant, que la radio en ce moment, c'est vraiment le bordel. Bah alors maintenant, on va faire des informations claires et nettes, d'accord? Oui. Oui, monsieur. Faisons ça, oui. Oui, je vous écoute. Vas-y, parle, stagiaire. Je parle? Pourquoi faire? Je vous écoute. Il parle pas assez fort. D'accord, merci. Attends. Oui, je parlais au LSMS là en fait, l'idée, tu vois, mais ça tu peux pas le savoir vu que t'as pas la fréquence. Salut, moi non plus, c'est pas moi qui parlais. Hein. Pourquoi vous m'agressez encore, lieutenant? C'est même pas moi qui ai parlé. C'est affiché sur le forum actif. Mais je vous ai dit, c'est de l'acharnement, je le vois, hein. Vous êtes témoin. Non, c'est pas de l'acharnement. Ouais, je vois, vraiment. C'est pas de l'acharnement. C'est même pas moi qui ai parlé, je me fais agresser. Non, mais. Est-ce que vous avez bien compris les consignes pour tout le monde là? Ah bah oui, y'a que moi qui ai parlé. Ah oui, carrément, on est 10 dans la salle, on a tout compris. Bon bah, c'est bien, si tu as tout compris l'idée, je suis content. Si tu te sentais visé, bah écoute, moi j'y peux rien. C'est que ça te concernait, non? Il y a une petite ambiance là. C'est oui, bon. T'as raison. J'en profite pour dire, tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais le lien, j'ai passé sergent hier soir. Bravo, bravo, félicitations le chien. Bravo. Waouh, la super belle carte. Ah ouais, félicitations. Un bravo, hein. Ah mais ça, c'est sûrement parce qu'il a vu les 44 épisodes de NCIS. Oui. Certainement, oui, certainement. Enfin. Bon allez, on se remet au travail tous, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain et beaucoup de... Ouais. Ok, super. Oui, ils nous ont demandé de l'aide, de l'SMS, ou c'était juste pour nous prévenir? Quand? Bah quand vous leur avez répondu merci. Pardon. Ah non, non, c'était juste pour dire que c'était des informations dont on se battait les couilles. Hein. D'accord. Ah oui. C'était juste pour dire qu'il y avait un gros carambolage dans le Nord. D'accord, j'ai vu. Rien d'important, non? Bah du coup, on y retourne? Oui, on y retourne. Allez, c'est parti. En avant. Les véhicules, si vous les trouvez sur la route, à nous. Ouais. À la Banque du Nord que Michael a laissé. Oui, bah il va aller chercher Michael. Non, Michael il est parti en pause. Et bah il ira. Tranquille, allez m'attendre dehors, j'arrive. Alors je vais voir avec monsieur avec la même idée. Après tout ce que j'ai accompli comme enquête. Hein. Oui, Lindsay, avec qui on se donne à fond. En plus, on est ensemble à trois. Hein. Je sais, Lindsay. Elle s'occupe super bien de moi en plus. Hein. Je sais, mais faut savoir qu'on fait partie de la même famille. Ouais, on est tous du d'ailleurs. Et vous comprenez que moi, quand je conduis, je peux pas non plus tirer, répondre aux communications. Hein. J'ai deux personnes avec moi, mais il faudra peut-être qu'ils sortent les doigts un peu. Et ben, ça, c'est votre équipe aussi. Ça. C'est vrai qu'il faut que je me sorte les doigts. Mais c'est vrai qu'en tant que élite de l'hospice, c'est à moi de les gérer. Vous avez raison, lieutenant. Lisez, si je vous ai parlé, c'est parce que je vous vois un peu comme la chef d'équipe, vous voyez, de ce trio, là. Ce trio infernal. Ah oui. Ouais, c'est vrai, on est quand même une équipe, inquiétez-moi, on se complète bien. Ah ouais, oui. Et puis on a bien déformé le stagiaire, vous pouvez compter. Ah, super bien déformé. Ah bah oui. J'ai bien vu cet après-midi encore. Ah ouais. Et cet après-midi, j'étais qu'avec le lieutenant. Oui, cet après-midi, j'étais qu'avec moi. Il a bien ouais. Le stagiaire. Mais du coup, tiens, stagiaire, je t'avais dit que je voulais que tu sois premier, mais du coup, le lieutenant a dit que t'avais refusé. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on fait hein? Bah, vu que vous m'avez dit, après moi, voilà, je vous écoute, c'est vous les supérieurs, c'est vous qui me dites si je suis prêt ou pas. Non, alors, parce après, il y a que le capitaine qui peut prendre la décision. Et apparemment, le capitaine a déjà parlé au stagiaire. Ouais, mais j'avais pas vu Lintia et Kelly. Ah, c'est pour ça, je savais pas trop, j'étais perdu. D'accord, et ben j'en reparlerai au capitaine ce soir alors. Mais elles disent que je suis prêt, donc bon. D'accord, bon, on verra avec le capitaine. Ouais, nous, on pense qu'il est prêt. Hein. Il est prêt pour être cadet, hein, ça c'est clair. Hein. Vu ce qu'on a avec en cadet, très clairement, il a le niveau. Hein. D'accord. Bon, bah allez, au travail. Ouais, c'est parti, en avant. Et renvoyez Franck là, je l'attends. C'est qui Franck hein? Bon bah du coup demain je pense que je serai cadet. C'est celui qui voulait parler au capitaine. Bah vas-y, bah, attends longtemps, moi je sais pas qui c'est. Ah là par contre je crois que c'est pas le bon chemin.
Moi aussi, je crois ouais, là, que c'est les toilettes. Je crois que c'est les toilettes. Ok. Et c'est par là, hein. Attendez. Il faut un truc à manger parce que je peux pas. Ah, c'est là-bas. Ici, juste derrière. Non, c'est là-bas derrière. Ah, ici. Ouais, juste là. Vas-y, je vous attends. Je mange un bout ici. Hein. Putain, moi je connais le truc mieux que personne. À force de faire des allers-retours dans cette merde de commissariat, je le connais par cœur le truc. C'est parti. Ouais, allez, on y va, on part en patrouille là. Faut que ça bouge un peu là. J'en ai marre d'être dans ce commissariat. Ah, c'est vrai que c'est chiant. J'en peux plus là. On a la mission pour récupérer la voiture sur le toit. Très bien les idées. Ah donc du coup vas-y on fait ça comme ça le temps il arrêtera d'être en... Oh là là mais quel état la voiture hein. On a perdu une autre partie. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais Kenny? Mais j'essaye de monter à l'avant. Mais y'a même plus de portière. Ah c'est dangereux hein. Oh là là. C'est pas grave. Oh là. Oh là 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 là. Bon tu t'accroches hein, Kenny, t'as mis ta ceinture. Vas-y, cette j'ai fois, mis j'espère. Ma ceinture. Merci Seven, merci à toi pour ton follow. Les stagiaires, okay, c'est des bonnes crash test. C'est que le stagiaire, tu vas mettre un point vers la marina parce qu'on doit récupérer la voiture. Ok, d'accord, je regarde. Il se pourrait qu'il y ait un accident à côté du commissariat. Mais que se passe-t-il, lieutenant? Oui, on a entendu une explosion. Putain, mais elle est. Vous avez elle est anodisée la couleur. Non, tout va bien. C'est moi ou ils ont tuné la bagnole de flic? Ok, super. Ils ont tuné la bagnole de flic, là, on est d'accord, elle est anodisée là. Non? C'est moi qui périclite ou elle est anodisée? Bon, en tout cas, tout se passe dans le calme, hein. C'est super cool. Hein. Oh, on ouais, fait du bon boulot. Calme, hein. Oui, hein. On a bien bossé. Hein. J'ai mis le point. Hein. Ouais, vous avez vu comment le lieutenant il me lâche pas. Hein. Il est ah, il est sur vos côtes. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. Par l'insté. Ouais, c'est ça. Hein. Mais j'ai y a rien le à lui point, dire hein, parce que dis donc. Bah, j'y vais, j'y vais. Allô? Oh, il y a une cathédrale. Ouais, t'avais dormi vu, hein. Ouais, ouais, mais là, je suis en patrouille, là. Je suis avec mon maître ouais. de stage. Ah, bah attends, j'arrive, je vais prendre mon service. Ok, ok, fait, ok. En... À tout de suite. Ah, c'était Cadet Thomas. Désolé. Mais c'est pas ici, hein. C'est pas au niveau des ports. Ah, c'est pas ça, la marina? Bah non, c'est... la marina, c'est tout ça. Le tour. Ah, merde. Oui, nous on était nous, de notre côté. Côté du restaurant à poisson. Oui. Ah. Non, les rouges perlés. Ouais, non, mais d'accord, mais elle est tunée. C'est vrai que notre voiture elle y est toujours. Anodisée. Mais non, mais ça, je crois que c'est les couleurs anodisées, ça. Ah, je pense, hein, je sais pas. Elle y est plus, elle était là. Elle était là. Mais oui, c'est ah, perlé. Ah merde. Quoi. Ah bah ouais, non, elle y est plus, hein. Elle était là. Ah, lieutenant, vous nous recevez de l'enfer. Oui, je vous reçois, qu'est-ce qu'il y a? La voiture, elle n'y est plus, lieutenant. D'accord. Vous suivez un véhicule blanc, là? Il y a quelqu'un qui est... Exactement, c'est Vespucci Boulevard, direction est. Il est au commissariat, il est au commissariat, il s'est planté. Il est au commissariat, vous êtes pas juste à côté. Non, 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 c'est un... Je vais t'analyser, tu vas voir. Elle est rose, ouais, elle est trop chelou. Je sais pas qui a fait ça, elle est dégueulasse. La communique. Oui, bah c'est ça, c'est ça, c'est ça, elle est là. Elle est là. Au commissariat, vous pouvez venir, on l'attend. On vous attend. Bon, ouvrez bien les yeux, hein. C'est pas le moment de les avoir en oui, cuisine hein. de poupousse. Hein. Ouais, ouais, ouais. On peut aller faire un tour, peut-être. Qu'est-ce que c'est que cette voiture là? Vous avez vu ça? Quelle ah, voiture oui, c'est, ah, oui, c'est un excès de vitesse ça. Comme une folle. Allez, on prend parti, une voiture, on poursuit une voiture en excès de vitesse sur Vespucci Boulevard. Ah, mais c'est pas possible, tire-toi! Allez, allez, à gauche là, à gauche. À gauche, à gauche. À droite. Non, tout droit. Non mais elle roule sur le trottoir, non mais j'hallucine. Elle est speedy, arrêtez-vous! Arrêtez-vous, elle est speedy. Jean, tu me reconnais?
Arrêtez-vous, sortez de la voiture. Putain, la bite direct. Oh, faut pas rouler comme ça. Bombarder les maisons, elles sont armées. What the fuck. Sur le trottoir. Je t'entends mal. Parle plus fort, Lindsay, s'il te plaît. Parle plus fort. Non, mais on est où là, en fait? On doit aller sur le sidewalk. Allez, mettez okay, on veut pas de problème. En fait, on roulait vachement vite. On a eu vachement peur. Il y a un type qui nous est rentré dedans à contresens. D'accord. Et au début, on s'est dit qu'on allait le courser, tu vois, pour lui, pour discuter mais, en fait. Attendez, mais j'ai une question. Est-ce que vous appelez LSPD? Non. Bon, ben voilà, la question est répondue alors. Et après, non, mais on avait laissé tomber la course poursuite très vite, justement, coup, en voyant vos collègues. Un grand merci au stagiaire qui me bute maintenant, sans toi, les meufs seraient perdues à chaque porte. Merci à Raccord. Vous poursuivez, non, mais ça n'a aucun sens. Où est la cohérence, monsieur, là? Non, mais on avait merci pas à toi, Raccord. Non, mais vous prenez pour des gogoles. Non, mais il roulait à sens inverse. Vous étiez où quand il roulait à sens inverse? Non. Aïe. Il était en train de rouler sur le trottoir, justement. Il est tout nouveau, il agresse un peu, mais tranquille. Non, mais vous vous rendez compte, il y a des enfants, il y a des grands-mères, et vous roulez à 110 là sur le trottoir. Non, mais on est où là en fait? Sur le trottoir? Oh, sur le trottoir, c'est. Bon, il y avait une petite roue peut-être sur un virage ou deux, mais tranquille. Non? Ah non, là, il y avait comme. Franchement, on est des rappeurs, on est. Mon stagiaire va voir s'ils ont moins leur permis. Ok, ça marche. Vérifier, vas-y. Montrez-moi votre permis, s'il vous plaît. C'est moi qui conduisais. C'est moi qui pilotais. Moi, je viens d'arriver, les gars. J'ai montrez-moi. Dormi. Donnez-moi votre permis. Ouais, pas de soucis, bah bienvenue à Los Santos. Bon, j'ai. Ouais. On te matraque pas la gueule. Ouais, c'est une ville de dingue. Même les keufs, ils sont complètement ouf ici en vrai. Hein. Les quoi? Les forces de l'ordre. Ah oui, d'accord. On a les forces de l'ordre. Bah, vous me le montrez, votre permis? Ouais, le voilà. Ah, je le trouve pas, j'ai perdu, mais on m'a volé mon téléphone. Faut regarder dans les poches, derrière, devant, non? Oh, je trouve rien, les gars. Mais moi, de toute façon, j'ai pas le permis. Hein. Alors, moi, c'est étrange parce que c'est marqué invalide. Je sais pas pour quelle raison. Ah, ouais, d'accord. Oh là là, ça. Ah là, vous êtes dans une sacrée merde. Hein. Ça, c'est étrange, mais c'est dans la sacrée merde. Hein. C'est pas possible. C'est drôle, hein. C'est pas. Non, mais c'est. Ouais, c'est vraiment bizarre. C'est pas la première fois que je l'entends, quoi. Ah, vous êtes parti pour vous asseoir sur des cônes. Hein. Oh là là. Mais pourtant, j'ai pas le chien à la maison, hein, donc j'ai pas l'excuse du chien qui l'a mangé. Pour de vrai, je pensais en avoir. C'est bizarre. Où est-ce qu'on est? Non, mais là, c'est la foire. Mais qu'est-ce que c'est cette merde? Anne! Je purifie le monde. Mais elle a une tête de poulet. Super. Non, je suis. Alors, écoutez, non, stagiaire. Là, nous sommes en pleine interpellation. Pardon? Non, ils ont pas de permis, non. Non, ils ont pas, non. Sans permis, ok, allez, main contre le mur, on se dépêche. Ce sont des méchants, ce sont des méchants. Doberman, allez-vous en deux minutes là, vas-y, c'est pas le moment. Ce sont des méchants. Non, c'est pas des méchants, ils ont juste un peu. Non. Intervenez la police. Vous n'avez pas la gentille d'arrêter. Non, Philippe, Arrêtez. Arrête, Doberman, fais pas ça. Allez, calmez-vous. Arrêtez, calmez-vous. Non, c'est bon. Faites pas de mal à Philippe. Regardez, vous voyez, c'est en fuite. Il est tout nouveau. Allez, arrêtez-vous. Non. Pardon, il fallait que j'attende le signal, c'est ça? Ah ouais, là, c'était pas le bon timing, là. Bon, restez tranquillement là, il y aura pas de souci. Restez là, tranquille. Non. Voilà, là, pour la merde. Maintenant, on va arrêter les conneries un peu là. Elle se calme, elle se calme. Elle se calme. Non, mais ça va pas ou quoi? Vous êtes cru où là? Non, mais arrêtez. Elle n'a pas fait exprès. Elle a pas fait exprès. Vous voyez, c'est un supérieur comme moi. Je suis un être supérieur. Non, bah alors les êtres supérieurs là, vous allez prendre votre voiture et vous allez vous casser vite. Mais pourquoi tout? Allez, Doberman, pars avec. Oh, c'est pas possible. Dis-moi. Alors, viens voir stagiaire, on va réfléchir à trois, on se concerte. Je crois qu'on a un problème avec la jante là. Je peux parler ou pas? Merci, silence. Mais moi, je voulais juste purifier. Mais tu veux pas fermer ta gueule? Non, mais on a besoin d'une ambulance là, je crois. Je disais, si tu es à ma place,
Putain, on s'en bat les couilles. Laissez-les. On se barre. Allez, on s'en va. Oh, pardon. Non, non, désolé, désolé. Vas-y, vas-y. On va laisser les dégénérer cette affaire, c'est bon. Oh, rate toutes ces conneries là, allez, tirons-nous. Hein. J'en ai marre. On a tassé tout le monde et on se casse. Non, mais c'est bon là, attends. Là, c'est pas c'est une ville de fous. Ils se fracasser la gueule entre eux là, rate le cul. Non, mais on est oh là, pas payé là pour attends, on a faire un agent les... à terre. Oh là là. Ok, c'est où hein. C'est bon, elle a mis le point. On a mis le point. Ah non. Attendez, il y a un agent à terre, on y va là, on y va. Ah bah non, mais l'agent à terre, c'est chez nous. C'était là où on était. Attends, mais quoi? C'est qui a mis ça? Et attends, mais c'est quoi ce non, c'est pas une CIS qui parlait. Hein. Ah bah super, maintenant t'es pareil que moi qui lis. Hein. Qu'est-ce que j'ai... De quoi hein? Non, mais c'est parce qu'il y a un citoyen qui est par terre, la regarde. Hein. Ah mais merde, il y a marqué agent à Ted. Bah ah ouais. Non, mais c'est agent Ted. Oh, mais ah merde, non, c'est agent Ted, oui oui. Mais c'est oui, madame non, agent c'est Ted. C'est les deux mongolos là qui se prennent pour ben, des super héros. Allez, on va discuter on avec les vrais gens là qui ont une vraie histoire pour qu'on allez puisse faire notre épisode de NCIS tranquille. C'est clair. En avant. Cette fois-ci, ça va non, bien se passer. Attendez, j'en peux plus là. Ah, c'est une ville de taré. Bonjour. 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 LSPD. Bonsoir, messieurs. Oui, bien sûr. On est de la section spéciale des enquêtes, hein, comme dans NCIS. On peut vous aider, monsieur. Bah, non, c'est nous. Est-ce qu'on peut vous aider? Oui, parce que là, non. Nous, ça va. Ça va, oui, belle soirée, oui, non, ça va, quoi. Non, ça va très bien. On était juste, je dois l'avouer, un petit peu mal garé au niveau du bord de la route. Et ouais, on allait justement... On allait justement partir. Comme vous avez pu le voir au niveau de ma voiture, là, elle a eu un petit problème, mais je vais aller la réparer tout de suite et comme ça tout sera bien réglé. Ok, super. D'accord, bon bah c'est parfait. Hein. Oh bah oui, ne bah, vous inquiétez bien. Pas, tout va bien en tout cas. Calme, hein, ça fait du bien. Hein. Et vous avez ouais, un magnifique tatouage. Il y a pas eu de dinguerie là. Ah, il y a monsieur l'anglais. J'ai perdu la voiture de moi. Ah, ça va? Oui, je vais mieux. Je vais me marier ce soir à 23h. Ah oui. Ah oui. Ça va vite en café là. Et maintenant vous allez vous marier. Ah c'est beau l'amour. Hein. L'amour de ma vie, c'est Vanessa. De quoi? Vanessa, vous y touchez pas, ok? C'est la dame du lieutenant. Non, vous êtes pas bien ou quoi? Non, tout l'après-midi. Non. Et là vous. Non, ça non, va non, mal non, finir votre histoire, vous. C'est ouais, ça va mal finir. Eh, hey, Vanessa, c'est pas votre femme. Hein. On est d'accord, je n'ai rien fait. Il y a le monsieur anglais team, il a dit qu'il allait culbuter Vanessa. Il a dit exactement ça. Alors, vous allez vraiment vous asseoir sur un cône là ce soir. Hein. Parce que du temps, il en a rien à tirer de sa femme. Écoute, Sima, je comprends que t'as besoin d'amour, hein, mais t'as vraiment pris la plus folle. Hein. Ah ouais, bah, la bon. La plus folle de la vie, hein, je te c'est dis elle, direct. Hein. Elle a proposé de se marier ce soir à 23h. Bah écoute, vas-y. Hein. Ouais, ça va mal finir. On est dans tous les vestiaires du LSP. Donc nickel, tu peux y aller feu vert. On a fait du team building avec. Mais comment tu fais, toi, Tim, t'as mal ou quoi? C'est l'INSEE, c'est la copine. J'ai dit oui, et ça tourne en rond encore la tête. Ouais, c'est ça, monsieur. Écoute, moi je m'éloigne hein, quand c'est comme ça. Tu m'insultes encore, je vais t'enfoncer ma matraque tellement profondément dans ton cul que t'auras un goût de merde dans la bouche, c'est clair. D'accord, je fais plus de blagues bizarres. Super, on est sur la même longueur d'onde. Ça me sait qu'on est, ça se passe dans le calme. Putain, je viens de Perpignan, mais je suis pas de Marseille. C'est vrai que comme que je vois la taille de la matraque, ça me semble difficilement possible, mais bon. Ah, moi je la mettrais pas en. Non. C'est juste que quand je. Excusez-moi. En fait, c'est plus que quand je regarde le fusil d'assaut que vous avez dans les mains, qui est là. Celui-ci là. Je me dis que ça serait beaucoup plus efficace que la matraque, par exemple. Oui, ok, parce que merci impact. L'expert en sodomie. alors non, moi. Ah, il s'assoit sur des cônes, le monsieur. Doctissimo, on a des vraies enquêtes. Non, j'ai des vrais problèmes. Allez, on y va. Je me suis fait voler la voiture. Allez, de moi. Allez, barrez-vous, bonne soirée. Allez, au revoir. J'ai perdu ma voiture, elle était là-bas, il n'y a plus. Ah, et on laisse Vanessa tranquille. Hein. Attendez, par contre, si
ça c'est ma voiture. C'était pas la bonne. Hein. Oui, bah surtout qu'elle est reconnaissable. Ouais. Est portière. C'est vrai, c'est plus simple pour rentrer. Non, mais c'est bon. Oh ma merde, elle est fermée. Quelle histoire. Elle est fermée, je peux pas rentrer. C'est vrai que tant qu'elle est, si elle est pas ouverte, je peux pas rentrer, hein, clairement. Hein. Ceinture. Une ceinture. On y va. Qu'est-ce que t'attends là? Tu mets du labello ou quoi? C'est pas bien d'avoir les lèvres gercées. Attends, bouge pas, je mets du labello. Fais sous pour fâcher. Ah, par contre, on le dit au lieutenant ou pas? De quoi? Bah, et qui veut culbuter sa femme? Mais on lui a dit, il a dit qu'il s'en foutait. Ah, il s'en fout? Ah, bah, ça valait bien la peine de tout organiser cet après-midi. Elle a dit qu'ils s'en foutaient, qu'il y avait d'autres choses à faire. Bon. Putain, moi je suis tombé d'un hélicoptère pour leur couple quand même. Comment ça? Ah ouais, j'étais après, mon après l'hélicoptère avec le lieutenant. Bon, il s'est écrasé. Et moi j'ai sauté de l'hélicoptère et j'ai mal fini. Quoi? Ah ouais, d'accord. Non, bon, mais tu sais quoi? Toi t'es trop un cascadeur. Tu vas trop faire les vrais épisodes et tout de NCIS. Moi j'ai jamais sauté en parachute. J'aimerais trop faire un saut en parachute. Hein. Ah bah fais pas comme moi, hein, prends un parachute. Hein. Ah j'ai jamais essayé le saut sans parachute. Hein. C'est vraiment pas drôle. En stagiaire. Ouais, en plus après Brioche il m'a fait, il m'a jeté du toit du commissariat. Mais comment il s'y est pris? Comment c'est possible? Bah en fait j'étais pas très très bien, j'étais au sol et il m'a escorté jusqu'au bout du toit quoi et il m'a jeté. Oh c'est super ça. C'était pour que ça aille plus vite. Bah il est gonflé Brioche, hein. Il est gonflé. Hein. Et aussi j'ai servi de cible pour le PPA de monsieur Capone. Non mais t'as pas marre d'être une victime? Bah moi je sais pas, j'écoute les ordres. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette voiture suspecte là? Regardez là. C'est suspect ça. Où ça? Non mais oh braquage. Ah là? Hop hop hop. On est où là? Oh dégagez, je l'ai tué. Dégagez, je l'ai tué. Montez dans le véhicule, montez tous les deux dans le véhicule. Montez dans le véhicule. What the hell? Oh my god. Montez vite. Montez. Je vais tirer. Monte. Faut monter. Allez-y, montez ou je tire. Putain, y'a un jaguar. Prise d'otage, voiture orange et noire. On est sur San Andreas Avenue. Avec notre voiture de merde, je sais pas, meuf. Je crois qu'ils sont partis tout droit. Ils étaient pas à droite. Oh merde. Ah mais aussi ils ont des voitures de ouf là. On a des voitures de merde. Ouais c'est vrai mais t'inquiète. Tu vois je pense que c'est vraiment la soirée pour sortir la Z. Aïe aïe aïe. C'est quoi la Z? Ah la Z tu verras, ça fera peut-être partie d'une de tes prochaines étapes de formation. Ah ouais. Il faudra... Par contre avec la Z faut surtout pas mettre sa ceinture, hein, c'est clair. Oh je l'oublie les trois quarts du temps, ça devrait pas être un problème. Si tu mets la ceinture, vraiment tu... Attendez, parce que sinon on va se faire virer là. On les a perdus, ils sont dans une voiture orange. Il y avait orange un braqueur avec un orange. Ils ont capturé je crois la journaliste. Oui ils ont capturé Sarah Carter et un autre individu habillé en noir. La ceinture, là, c'est quoi attends? Ils doivent pas être très loin, regarde, il y a des gens qui courent. Juste passer un truc là. Ouais, il y a une ambulance. Il y a un parking ici, peut-être. Ah, bien vu le parking. Je vais essayer d'appeler la journaliste. Faudrait une unité à moto. Ouais, mais je sais pas. Engagez-vous, engagez. J'essaye de regarder, voir si je le vois pas, mais là... Ouais, il y a Sunper, hein. Putain, mais c'est, j'avoue, leurs bagnoles, elles vont ultra vite, hein, par rapport aux nôtres, hein. C'est n'importe quoi, les machins. Le truc, ça tartine de ouf.
Ok, bah tout se passe je dans le calme. Je vais demander d'envoyer la position. Ouais. J'ai essayé d'établir le contact avec la journaliste. Je vais demander d'envoyer la position. Je vais voir si elle arrive à me répondre avec son téléphone discrètement. Ouais, je me demande comment ça se fait qu'ils savaient exactement où est-ce qu'elle est, tout ça. Ils ont dû forcément avoir des informations, c'est grave. À mon avis, ils ont dû prendre l'autoroute. Hein. Ouais, tu penses en quelle direction? Ouais, je sais pas. Je crois que je devrais essayer de l'appeler. Mais bon, non, elle va pas pouvoir décrocher. Je pense qu'ils vont y prendre. Ouais. Ouais, à mon avis, ils ont dû y prendre. Ah, on est peut-être arrivé à temps, hein. Ils ont peut-être pas eu le temps de le prendre. Ah, il y a un véhicule volé sur Alta Street. Ça pourrait être ça, hein. Ouais. Allons voir. Je sais pas trop. C'est où ça, Alta Street? Putain. Ça, par contre, de pas connaître les routes et tout, c'est trop dur. Hein. C'est Doberman, des super-héros qui protègent notre ville, une dernière rue par les stages. Non mais c'est quoi ça, Breaking News? Ah ouais, je viens de voir. Non mais Weasel News, vraiment, c'est vraiment le torchon de la ville. Ah bah Weasel merde, hein. Ouais, c'est clair, on est bien d'accord. L'agent tête des Doberman, des super-héros qui protègent notre ville. Non mais n'importe quoi, hein. Et nous par contre, personne fait les interviews sur nous, hein. C'est moi qui ah bah avec si, une... hein, c'est moi qui suis dans une voiture avec une portière ouverte. Ça, personne ne raconte au quotidien, hein, tout ce qu'on vit, hein. Ouais, c'est clair, exactement. Et en plus, attends, je te ferai remarquer que moi j'ai fait 4 interviews, hein. Et ben ils les ont jamais publiées, hein. Vraiment des incapables. Hein. Ça, quand c'est qu'on a vu nous des éloges sur nous, là, diffusés auprès de tout le monde? Que dalle. Ted et Doberman, non mais j'hallucine, les deux fous là. Les vieux gars qui tabassent les citoyens honnêtes. Non, hein, mais qui c'est ça. Que rouler sur un trottoir. Hein. Sans permis. Ouais. Bon, vas-y, Kelly, hein. C'est pas le moment d'avoir des gens qui font de poupousse là. Il faut ouais, regarder partout. Bah là, hein. Écoute, moi je regarde pas tout là. Je suis. Hein. Là, je crois qu'on les a un peu perdus. Je vais essayer de l'appeler, hein. Au grand mot, les grands, bah, les grands vas-y, remèdes. Essaye, hein. Essaye, on sait jamais. On va donner des remèdes aux mots. Faudrait. Ouais, une unité. Ouais, non, ça c'est bon, j'ai lu. Bon, j'espère que ça va. Ah putain, ça oui, démarre bonjour fort. Bonjour Sarah, vous êtes où? Putain, ça tourne. Demande où ça va bien. Elle vient d'être libérée, Lindsay. Vous êtes où? Oui, je vois. Ok, bah attendez, on va essayer de venir alors. Bah raconte l'histoire. Lieutenant Cuc et KD Payne, on a deux personnes au LSMS qu'on a arrêté en train de braquer les vignerons. Oui, je suis là, pardon, excusez-moi, j'avais un problème avec mon GPS. On okay, arrive. Racontes, merci, Bulluage, en vrai, ni vu ni connu, vous pouvez prendre une voiture plus rapide au garage de la police. Elle est là où j'ai bah, mis le point. Bah ouais, mais moi je mais la laisse faire, c'est pas hein. À faire. Bah elle a été libérée apparemment. C'est-à-dire, elle a pas fait une petite coma, c'est vrai. Et du coup, ici, c'est tout. J'en ai déjà fait beaucoup d'autres. Non, d'autres. De Lindsay pour le lieutenant, apparemment la journaliste a été libérée, on va la retrouver. Il y a un braquage de magasin en cours. Ah, il y a un braquage ça. Ouais, je mets le point. Voilà, c'est bon, c'est mis. Mets le point. Non, non, il faut qu'elle enlève le sien pour que tu puisses mettre le sien. Ah, c'est à gauche, là. Bah ouais, mais regarde, moi, j'ai pas sur mon GPS. Allez, au pire, c'est je peux vous l'indiquer. Voiture, je vous l'indique, attends, je vous l'indique. C'est quoi cette voiture? C'est pas la voiture de tout à l'heure, hein. C'est bon, je l'ai enlevé. Hein. Ah si, c'est eux. C'est parti, là, hein. Concentrez-vous, bordel. Course poursuite, on a retrouvé la voiture orange et noire. Arrêtez-vous. Oh là. Carcerway. Il est descendu. Oh, c'est l'otage. Ah mais c'était pas Cadet Thomas? On se fait tirer dessus là, je rêve. Non, c'est moi. Ah oh, mais tu sais n'importe comment, Kelly. Ça fait son petit effet.
En vrai, elle conduit bien, putain. Sortez. Get down now, get down. Attends, faut que je le fouille. Restez là, vous bougez pas. Non, vous lui parlez pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Attends. Mais pourquoi vous avez tiré dessus, monsieur? Vous recevez lieutenant? J'ai pris. Vous avez tiré occupé avec deux braqueurs de vignerons à l'hôpital. Je ne peux absolument rien faire, je suis tout seul. D'accord, vous inquiétez pas, il n'y a qu'un seul mort, je gère. On bat les couilles, pourquoi vous avez tiré? Stagiaire, vous allez. J'ai pris. Pour la personne. D'accord, ok, ça marche. J'appelle un médecin. Je te conseille de baisser. Je sais même pas comment on fait pour appeler un médecin. Comment on fait pour appeler un médecin? Attendez. Je crois que c'est ça. Tac, besoin d'un médecin en urgence. Voilà. Il y a un mec qui est mort, qui est vivant. Vous inquiétez pas, monsieur, les médecins arrivent. Et qui dit, faut faire genre, on s'entamponne pas la chatte. Vas-y, démenote-moi là. Démenote-moi, toi. Attends. Ouais, je te démenote deux secondes. Ouais, je le tiens en joue, t'inquiète. Mais là, attention, il est attaché. Ah, c'est bon, voilà. Merci, stagiaire. Occupez-vous du médecin, s'il vous plaît. Stagiaire. C'est bon, c'est déjà appelé. Ok, super. Vas-y, stagiaire, tu peux retirer son espèce de sac. On va tourner à faire, là. C'est pour le soleil, monsieur. Doucement, je suis albinos. Ah, oui. Comment on lui enlève le sac? Vous avez une araignée sur la tête, je peux vous mettre une droite pour l'enlever? Non, ça va aller. Ok. J'arrive pas à lui enlever le sac, vous y arrivez, vous? Ah non, je suis attaché. Attends, tu vas me détacher. Ah, tant qu'il est pas... Allez, Kelly, détache-le, il va enlever son sac tout seul. Ok, pardon, excusez-moi. Ouais, j'ai plus de clé, moi. Dans mes pensées, hein. Il faut que je reprenne des clés. Y a pas de problème. Fallait signer ton message par le meilleur sage. C'est vrai que j'aurais pu mettre ça, mais c'était trop long. Ok, vas-y. Hein. Non, mais c'est une blague. Ok, tout est réglé au commissariat. Il va à l'ouest. Ouest sur Vespucci. Monte. Donnez-moi les informations là, je vous cherche. Ah, j'ai pris la pire voiture. Vous êtes où, hein? On est. On est sur Rockford Drive. Mais c'est vous dans la voiture pourrie, hein. Ouais. Mais il est où, hein? On sait pas, ma fille. Oh, elle a perdu, là. Non, mais ok. Ma fille, c'est. Il s'est barré avec une moto, hein. Ok, bah très bien. On retourne là-bas, hein. On va récupérer son pote. Hein. Non, mais c'est quoi ça, en fait? Mais comment on fait ça, là, en fait? Ouais, très bien. Merci. On va récupérer son pote là. Police sur 20, putain, je te jure, j'ai pas réussi à lui shoot. J'ai shooté le civil, putain, fais chier quoi. Sinon je l'aurais eu, bordel, s'il y avait pas ce con de civil. Ah, j'ai pris la pire voiture ever, quoi. Ah, j'avais pas d'autre choix, quoi.
Bah je crois, je sais pas, c'est pas celui qui est à côté là, regarde, juste à notre gauche là. Non, c'est pas celui-là. C'était peut-être un peu plus loin. Ouais, je sais plus où il est. Hein. Ouais, je crois que c'était un peu plus loin. Ouais, c'était ici. Capitaine Billboard, en service. Vous y avez gagné, capitaine ? Moi, j'ai juste mis un bon. C'était dur. Ah, bah, j'ai pris le mauvais chemin. Ok, peut me rejoindre, il est toujours là. Non, mais c'est une blague. Est-ce que le lieutenant est là ? Il est à l'hôpital. Ouais, tu vois, alors, on va pas voir. Ah putain. Oh ça recommence. Ah ça recommence, je suis encore bloqué. Ah putain de sa mère. Oh non, je suis encore bloqué, bordel. Ah bah au moins je le suis à la trace hein. Ah non mais où il va? Oh où il va putain. Il a... Ah putain, je peux rien faire, c'est insupportable ce bug. Oh là là, je peux rien faire. C'est horrible, je ne peux. Putain, je peux rien faire, c'est horrible. Allez vas-y, attends, je ressors, voilà. C'est bon là? Oh c'est atroce. Oh mais c'est atroce putain de sa mère. Oh c'est horrible. Oh là là. Eh, hey, je vais prendre un pétard, les gars. C'est mort, la prochaine, je prends un pétard. Vas-y, attends. Allez, c'est bon, je sors le pétard, là. Ils m'ont saoulé, là. Ah, j'arrive. Tr- putain. Ah, relou, ça fait deux fois que j'ai le bug, quoi. C'est pas grave, on va les retrouver, vous inquiétez pas. Ah, on va se les faire. Mais ouais. Gardez la pêche. Hey, par contre, la prochaine fois, hein, vraiment, tenez-les bien en joue, tasez-les s'il faut. Hein. Non mais meuf, attends, le mec genre no fear, hein, tu vois, j'étais dehors, je lui ai dit arrête-toi ou je tire, j'ai fait des tirs de sommation juste à côté de lui, il a continué à courir. Hein. Ah, c'est non, vrai que par contre sais, le RP là, les deux gars... Il est pas trop à sa vie, j'ai l'impression. Hein. Oui, je sais, bah la prochaine fois... Les deux gars, le RP était pas ouf. Hein. Ah, le mien, c'est quoi le stagiaire qui en peut le plus. Le mec qui se fait réanimer, hein, il est blessé par balle, hein, il saute d'un étage, hein, il remonte sur l'étage, hein, il prend une bagnole, hein, il se fait rafaler, les pneus crevés, tout va bien. Hein. T'inquiète, ouais, hein, c'est pour ça. Tout, j'étais un petit peu, j'étais un petit peu décontenancé, hein, je savais pas comment réagir. Il était peut-être ouais, aussi solide que moi. Bien, hein. Non, mais on va les choper, ça hein, va. Mais je pense que la prochaine fois, faut vraiment essayer d'être plus réactif. Hein. Vous êtes non, vraiment en lent fait, en communication. En fait, moi, c'est juste que j'ai hésité à le rafaler, quoi, tu vois. Oui, mais même, vous auriez dû me dire, ok, il est parti à gauche, là, au fond de la rue, je sais pas. Moi, je suis avec la voiture, je sais rien, j'aurais pu le rattraper, tu vois. Pardon, capitaine. Retour du lieutenant radio, je me suis fait prendre en otage à l'hôpital. Ah, ok, bah j'arrive. Je vais appeler les ravisseurs parce qu'ils sont débiles. Ouais, le mec a pris beaucoup de balles. En plus, l'autre, il s'est fait ranimer, il s'est barré direct. Ouais, c'était pas. Là, c'était du mauvais RP, là, c'était vraiment du mauvais RP. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on s'en bat les couilles. En vrai, c'est rien du tout, on s'en bat les couilles. C'est surtout que quand on va les revoir, on va les taper quoi. Vu qu'ils ont pas été cool, on sera pas cool. Il y a un cochon au milieu de la route. Ok. Parce qu'en plus, la voiture, je la maintenant, connais. C'est un véhicule orange, mais c'est trop suspect. Hein. Tu crois pas, toi, Kelly? Ouais, je suis assez d'accord. Excuse-moi, j'étais dans mes pensées. Moi, j'écoutais la radio. Ouais, bah, ça change. Mais hein, orange, c'est pas le couleur d'un gang? Ouais, mais si, c'est le jaune Vagos. Hein. Mais maintenant, je vais surveiller orange-jaune, j'en peux plus. Hein. À chaque fois, c'est que des voitures orange et jaune. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait le monsieur là?
qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a un monsieur qui court, il est sorti de sa voiture, il court. Bah j'en sais rien, moi. Ah d'accord, ok. Veut, non, c'est illégal. Oui, ici, Cadet Giordo, nous avons monsieur Pichon qui est en fuite avec un véhicule de police sur la rue San Andreas. Ok, on essaie de se rapprocher à la patrouille. La patrouille. Attends. Ok, très bien. Donc du coup, je disais que comme Gibbs dirait, la règle numéro 39 de NCIS, les coïncidences n'existent pas. Le numéro ah sur bah le oui, véhicule hein. était 93. Le stagiaire Thomas, il est vite devenu... Oh là là! Il y a une course poursuite là qui est virée avec toi. Hein. Mettez votre ceinture là. Ouais, ouais, c'est bon, ma ceinture elle est mise. Bon, bref, on s'en bat les steaks, c'est bon, ça va. Allez, communication, go. La communication, s'il vous plaît là. Mais dites-le dans la radio. Course poursuite sur la Puerta Freeway. Ouais, excuse-moi, on est en train de me prendre la tête là sur mon portable, il me casse les bonbons. Là. Sur Rockford Drive, direction nord-ouest. Nous recherchons une voiture bleue. On est sur Esbourne Way. Il a pris un relais parce qu'il s'allait pas démarrer là. C'était à droite, elle est partie à droite. Ouais, ok. C'est pas grave. Mais il fallait me le dire, vous avez un vrai souci de communication, vraiment. Vous dites rien du tout, moi je conduis. Là à gauche, là à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Il faut que je tire. On a plus en visu, on est sur Awick Avenue. En fait, il faut que je tire, il faut que je dirige, il faut que je conduise, aussi, il faut que je fasse les communications en fait. Alors, j'ai beau avoir beaucoup de talent, hein. J'ai pas 36 bras. Hein. Donc, je pense qu'il va falloir à un moment donné sortir les doigts du cul, hein, comme dirait Gibbs. Putain. Ouais, je suis là, désolé. Hein. Je t'expliquerai, hein. Je t'enverrai un tuto quand on aura fini notre service. Ouais, t'inquiète, on regardera NCIS. Ouais, on regardera NCIS et Stargate. Ouais, t'inquiète. Non, mais là, c'est un truc de putain. Malade. T'as vu toutes ces voitures folles? Putain, on chope rien, ce rouleau. Tout le monde est en fuite, c'est trop ça. Tout le monde est en fuite. Entendez des petits à-coups. Vous êtes où? Après, le truc, c'est que notre bagnole. Et toi, t'as un vrai problème de cul. Hein. Elle pue la merde. Hein. Ouais, mais puis surtout, il serait temps de la réparer. Hein, parce que bon, déjà, regarde le. Elle a un, ouais. Comment il est enfoncé. Vas-y, viens si tu veux, je lui mets un petit coup de chalumeau. Oui. Bah, vas-y, on fait ça. On a qu'à s'installer là. Hein. Vas-y. Hein. C'est vrai qu'il est que t'arrives à nous pendre une petite portière là et ce serait nickel. Alors regarde, attends, je crois que j'ai toujours ça en réserve, une petite portière. Attends, je te dis ça direct. Ok, alors super. Regarde, là tu vois, je suis à fond sur la portière. Voilà, regarde. Je suis en train de remettre les charnières. Bon, lieutenant, qu'à des peines de retour, j'ai eu un double blackout, mais je suis en train de. Ah, vous êtes où là? Je suis au commissariat. Ok, bah occupez-vous du commissariat. Attends, et de la j'ai ville. J'ai un petit problème de chalumeau. Reçu. Regarde, tu vas voir, je vais l'illustrer après, je vais mettre de l'huile de lin. Normalement, elle sera brillante. Tu l'auras jamais vu comme ça. Ah, magnifique, voilà. Hein. Ah merde, elle est un peu sale, mais bon, c'est pas grave. Moi aussi. C'est quand même vachement bien. Hein. Regarde, une petite porte. Allez, on y va. C'est parti. Ah, patrouille, là. Ok, super. Bah, c'est parti. Tu gères vraiment trop bien, t'es la meilleure. Et là, si vous êtes un bon membre du NCIS de la hâte de devoir canner et que tu sois encore traité comme un stagiaire. Merci plafond pour ton follow, merci à toi. Putain, ça me saoule. Eh, ce soir, on chope quelqu'un, je m'en bats les couilles, bravo, je lui défonce hein. La tête. Encore plein d'épisodes, hein. C'est de mettre la ceinture. Ah oh oui, merde, la non, ceinture. Moi, c'est bon, j'ai mis la ceinture. Ah ouais, parce que là, je j'en peux plus, hein, vraiment. Tu l'as dit? Je sors la dernière interceptor du garage. Oh, ok. Ah, le capitaine, je crois qu'il était pas au courant. Oh, mais là, c'est bon. Hein. Kelly, elle a totalement retapé notre voiture. Hein. C'est nickel. Hein. Donc, c'est très bien. Ouais, là, je l'ai comme neuve, quoi. Attends, je vais regarder les derniers appels.
Et merci Maloubeb pour ton follow, merci à toi. KD Payne, occupez-vous-en si vous êtes encore au commissariat. C'est un médecin, ça vous plaît ça? Reçu. Non mais tout le monde conduit n'importe comment. Attendez, je réponds à un message. Ah oui, là ça va vite. Il se barre, là, en fait. Ouais, ouais. Mais stagiaire, vraiment, tu dors en fait. Aïe. À droite, ouais. Il est au bout, il est au bout. Tout droit, tout droit. Ouais, c'est bien, ouais. Tu peux l'annoncer en radio. Hein. Course-poursuite sur Strawberry Avenue, direction sud-ouest. C'est pas des médecins, ça. Ok, on essaye de rejoindre. Ah, si, c'est les médecins, c'est les médecins. T'es sûr? Ok, bah annule. Ouais, ouais. Non, c'était les médecins. Annulation. Ouais, c'était les médecins. Ok, très bien. Faut répéter ce qu'ils disent, s'ils disent pas la longue portée, s'il vous plaît. Officier, panique. À l'écoute, capitaine. S'ils n'utilisent pas la courte portée pour X raisons, vous leur demandez longue portée. S'ils peuvent pas, vous répétez ce qu'ils ont dit, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ok. On a peut-être un souci avec un agent qui s'est fait kidnapper, on mène l'enquête. Ah! Et ce serait qui? Ce serait Nicolas. Oh là, là ça tire là. Ça tire. Dans le cas des Thomas. Oh ça non. Tire vers okay. Davis Avenue, hein, à côté de nous là. Ok, il y a Eventis qui vient de se faire kidnapper, je crois. Voilà, il y a une voiture verte. Là, là, à droite. On fait tirer dessus sur Strawberry Avenue, à côté du Lucky Plucker. C'est quoi ça? Strawberry Avenue. Arme automatique, hein, arme automatique. Arme automatique. On a besoin de renfort. On a besoin de renfort, il y a au moins 4 individus. Hein. Ok, on arrive. Il y a leur voiture au bout de la rue. La voiture verte au bout de la rue, je pense que c'est la leur. Mais t'inquiète, on la guette. On fait un passage vite fait. Hein. Ils sont toujours là. On a besoin de renfort, ils sont toujours armés sur place. Vous pouvez leur donner une position approximative, s'il vous plaît. Vas-y, donne les positions là avant de se prendre une balle. Strawberry Avenue, on est toujours sur Strawberry Avenue à l'angle avec Innocence Boulevard. On a proximité du marchand de vêtements, vous savez, de la station service. Ils vont tenter de s'enfuir, ils vous tirent dessus. On se fait tirer dessus, oui. Ils vont tenter de s'enfuir. Vas-y. Ouais, ils s'en vont. Oh, merde. Je vais prendre peut-être le volant maintenant. Non, putain! Pas possible. On a besoin de renfort sur position au col rouge. J'arrive, la personne que j'attends au commissariat vient toujours pas. Ah, au sol! Vous pouvez envoyer une position, s'il vous plaît? C'est fait, code toujours rouge! Toujours au même endroit, à côté de la station service. Merci. J'ai envoyé le code rouge dans le répondeur. C'est qui est au sol? C'est l'INSEE? Mais non, non, c'est pas moi, non. Exact. Ouais, c'est un des. Attention là, roulez, barrez-vous! Il y en a un deuxième, deux au sol. Ok, félicitations. Ok, la deuxième personne c'est au sol, c'était okay. Un otage. Il est blessé. Merde. Il était déjà allongé par terre avant qu'on intervienne. Stagiaire appelle un médecin. Oui, d'accord, tout de suite. Oui, j'ai pas le temps d'écrire le nom. Ah, c'est bon, c'est appelé. Non. Ah, vas-y, attends, là, ça tire. Mais qu'est-ce que je fais avec des guns? Ah mais oui, je lui ai taroué son gun. Les médecins arrivent, monsieur, vous inquiétez pas. Ça arrive. Mais on bite rien, ce que vous dites. Eh oui. Oh l'autre, l'anglais encore, je me le prends pleine face.
Julien, pour tout le monde, le LSMS arrive. Heureusement que l'aventure... Ouais, non mais je te jure, putain. Bon, au moins on a réussi à faire un truc. Ouais, on en a eu un. Alors je t'avoue, j'ai hésité à la battre, mais quand je veux qu'il t'a tiré dessus, alors là j'ai fait ah non c'est mort. Bah non mais ça fait raison à un moment. Ah, j'ai complètement cramé, on l'a déglingué. Tu sais, faut pas avoir pitié avec les malfrats, ils en ont pas avec nous, hein, j'ai envie de te dire. Ouais c'est bien vrai, hein. Puis je me suis dit qu'est-ce que ferait Gibbs à notre place, et puis je me suis dit qu'il aurait bien fumé, hein. Donc voilà. Ah ouais c'est clair. Vous êtes où, cadet Panit? Est-ce que le médecin arrive hein? Ouais j'arrive, je les ai appelés. Ils m'ont confirmé qu'ils arrivaient. On est intervenu, on a abattu le mec qui nous a tiré dessus, hein, mais apparemment ils avaient déjà abattu le citoyen. Hein. Le civil est à terre, les médecins arrivent, hein, je gère. Ah, c'est bon, ils sont là, ils sont au bout de la rue, ils arrivent. Les médecins sont sur place. Oh, gilet jaune. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, c'est pas moi, c'est le monsieur qui est là. En priorité, ce monsieur, on a une prise d'otage qui a un peu mal tourné pour ce monsieur. Ils ont voulu l'agresser, puis ensuite ils s'en sont pris à lui physiquement, le pauvre. Ils ont entendu Julien, ils ont éteint. Ils ont fait... Oh non. Tu vois, stagiaire, il faut faire semblant de t'intéresser aux victimes, hein, tu comprends? Oui, je lui ai parlé, je lui ai parlé. Je vais éviter de trop vous parler. Je lui ai parlé, mais. L'empathie, hein. L'empathie. Ouais, c'est quoi. Ça, l'empathie, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, mais je lui ai parlé, mais on comprenait rien. L'épisode 7 de la saison 4 de NCIS. Ah, j'ai trop à d'y être alors. Est-ce que vous pouvez arrêter de parler de cette série de merde? Oh là 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 là, putain, qu'est-ce qu'il a dit lui? Oh là 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 là. Excusez-moi, docteur, mais je pense que vous devriez retirer vos propos. Hein, parce que ah ouais, là ça va mal finir, là vous allez vous asseoir sur des cônes. Très mauvaise soirée après. Il y a qui de travailler ici. Aïe 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 aïe. Si on fait notre travail. Comment vous dites? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on est là? Merci Lilith. Qu'est-ce que vous croyez? Non mais attends, aïe 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 aïe. C'est grâce à elle que je suis une super officier du LSPD. Oh là là, docteur. Ça va, monsieur? Ça va. Écoutez, là, ça va mieux. Mais vous n'y aviez pas l'air super, hein. Bah ouais, bizarrement, je me suis pris des balles. Donc ah ouais, ouais. Tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui s'est passé, là? On vous a vu vous faire prendre à partie par des individus malfaisants. Non mais là, moi, je suis arrivé dans le coin, et je me suis dit... Et merci, Jean-Guy, pour ton follow. De rouler, tranquille, et puis d'un ah, coup... Ah, bonsoir, capitaine. Bonsoir, capitaine, cher. Bonjour, j'en peux plus d'NCIS, j'en peux plus. Merci, docteur, merci. Et ça va, monsieur? Ouais, ah, allez. Ça mais oui, on s'est croisés tout à l'heure. Bah oui, oui, tout à fait. Bon, alors, dites-moi tout. La tête qui tourne, mais bon. Ah, ouais, ouais. Ah, vous voulez vous asseoir? Asseyez-vous si ça va pas. Peut-être un peu, là, je vais me mettre sur le côté. Là. Allez-y, allez-y. Asseyez-vous, vous allez être bien, là. Je vais juste. Hop là. J'ai juste besoin de chercher un peu le. Ouais, les genoux, ouais, ouais. Oui, prenez votre temps. Ah, merci, c'est gentil. Tout doucement, tout doucement. Un peu là. Les zones où on est à peu près là. D'ici à un petit peu. Un peu là. Je m'en occupe. Est-ce que vous êtes où? Je vais m'asseoir totalement. Voilà, ouais, c'est bien. Là, oui, non, mais il y a un problème. Là. Non, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, ça va aller, ça va aller. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais là, moi, je suis tranquillement en train de passer dans le quartier. Ouais. Si vous pouvez je me commence à me faire tirer dessus. Oui, oui, je vous transmets ça. Ah, ouais, ouais. Je fais de spécifique. D'accord. Du coup, j'essaye de m'arrêter pour me mettre dans un endroit un peu sécurisé. Ouais. Et le problème, c'est qu'ils m'ont retrouvé. J'ai pas voulu coopérer avec leur manipulation de ma. Ah ouais, ouais, ouais. Et ils m'ont mis à terre. Hein. Et vous avez su reconnaître un des individus? Eh ben, il y avait deux gars. Ouais. Il y en avait un avec une casquette un peu américaine, là, une casquette. D'accord. Verte. Ouais, ouais, ouais. Et il y en avait un autre, un peu, vous voyez, bon, pourquoi comment on l'appelle ce mec? Attendez, je recherche. Ouais, One Pack, là, ça vous dit rien? One Pack? Ah oui, d'accord, ok, oui. Ah oui, oui, avec un bandeau un peu à la... Ouais, ouais, c'est ça, sur la tête, là? Un bandeau vert, ouais. Super vite, ce studio. Et ils étaient tous habillés en vert, c'est ça? Non, il y en avait que... Ah ben...
le gars là qu'on voit là-bas là. Où ça? Regardez à votre... Ah bah il s'est fait arrêter, bah vous voyez. Eh ben lui, c'est celui qui m'a mis à terre. D'accord, ok, bon je vais informer mes collègues de cette information. Il y avait du coup One Pack avec lui, enfin le mec qui se fait passer pour One Pack là, cet idiot. D'accord. Sauf que forcément, et même s'il a tout tenté, il a pas eu les coronesses de me tirer dessus. D'accord. C'est son collègue qui l'a fait, quoi. Ok, bon très bien, bon bah merci de vos coopérations, hein. On va s'en occuper, hein. Bien sûr, vous inquiétez pas. Hein. Je crois qu'ils ont volé ma voiture dans le lot. Ah mais on va vous ramener, vous inquiétez pas, on va vous déposer quelque part. J'ai pris un appel pas loin de vous, apparemment il y a les hommes armés. Bon, je... Attendez, montez dans la voiture monsieur, montez dans la voiture. Mettez-vous à l'arrière, on arrive. Je te suis. Kelly, je peux vous parler? Oui bien sûr. Ah, s'il vous plaît, moi merci. Du coup mettez-vous sur le mur là. Attendez, restez les stagiaires. Stagiaires et les deux. Mais limite, il va falloir qu'on leur laisse tout de suite bientôt à eux. On va falloir que je règle les choses là. Et ça va être clair et net. Hein. Premièrement, est-ce que vous avez tout simplement pris dans votre GPS la carte? Dans cette carte, oui. Si vous l'avez prise, il y a une des zones. Ces zones là, rouges. Voilà, exactement. Ces zones rouges, que ce soit celui de gauche, celui de droite, entre les deux, vous ne pouvez pas y aller. Okay. Mais j'ai pas de zone rouge moi sur ma carte. Moi j'ai pas de zone rouge sur ma carte. Parce que vous avez pas fait ce qu'on vous a demandé depuis au moins 3 jours. Mais vous nous l'avez jamais montré, hein, capitaine. Incroyable. Vous nous l'avez jamais montré, en fait. Moi j'ai une boussole, j'ai pris une boussole, mais j'ai pas de... Je vous ai demandé de regarder sur intranet, là où il y a le LSP information. Ah oui, c'est le nouvel OS. Oui. Ah merde. Mais oui. C'est comme dans NCIS. C'est depuis le premier jour que je vous ai dit de faire ça déjà. Ah oui, c'est vrai ça. Je l'ai pas dit, mais en fait la spécialiste de l'intranet, bah c'est Adam. Je l'ai pas fait non plus. Yes. Exactement. Et là en fait le problème c'est non, que non, je l'ai pas fait non plus. C'était le quartier entre le... Il y a deux quartiers. Il y a la carte quand même, on va dire, hein. L'île est quand même extrêmement méga grande. Le Yinche est dans la zone, je crois. Okay. Et cette zone-là, on peut pas y aller. Sinon oui, c'est la guerre. On va partir en guerre, ça va être toujours du gunfight, on va tous crever à la fin. Okay. Est-ce que vous avez envie de faire ça? Non, capitaine. Après quand ils sortent de la zone, on en a rien à foutre. Ils sont pas chez eux. Non mais je veux bien, mais nous on n'était pas là pour foutre la merde, on va lui dire, hein. Nous on était juste là pour les braves. On était sur une course poursuite, il y a eu des tirs. Ah, il y a le monsieur, il s'est fait tirer dessus quand même. Oui, mais je vous ai dit, si vous allez dans la zone, vous allez vous faire tirer dessus, c'est leur quartier. Non mais attendez, capitaine. Après, pour être honnête, je vous l'ai dit, hein, on roulait vraiment sur Strawberry, on s'est fait rafaler direct. Hein. Oui, c'est vrai, hein, on n'avait même pas encore tiré, rien fait, on les avait même pas vus. Il ne faut pas rouler sur Strawberry, vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Ah oui, on viendra plus ici alors. Non mais il n'y a pas de problème, c'est incroyable. Ah, on est désolé, pardon. Il n'y a aucun souci. Ok, Strawberry, on roule plus sur Strawberry. Non, moi j'aimerais juste que vous téléchargez ce que vous devez putain de télécharger. D'accord. Si je dois faire un dessin et vous écrire qu'est-ce qu'il ne faut pas aller, je le ferai. D'accord. Mais là, mais putain, merci capitaine. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage toi. Oh là là, ça va glisser là. Ouais, ça va glisser. J'ai dit au monsieur là du coup qu'on allait le ramener. Parce qu'il a, il s'est fait piquer sa voiture. Il est plus fort que moi lui, hein. Capitaine, j'arrive, il est capitaine. En train de se faire défoncer la gueule. Aïe, aïe, non. Juste toi capitaine toi. Voilà. Allez. Okay. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ok, on a compris, on vient plus ici. Oh, bref. Wow, c'était vraiment une grande leçon de virilité là. Ouais, clairement, ouais. Bon, comme je disais, vous allez arrêter de faire ça. Il y a un truc à faire quand même, putain. C'est vous quand même des gamins quoi. Je vous demande de faire un truc dès le début. Si vous le faites pas, dites-le moi. Ah, mais ça vous l'embête. Je vais vous dire oui pour vous faire plaisir, mais vous me l'avez jamais dit. Mais oui, capitaine. Il y a pas de raison. Attention quand même. Attends, mais. Non, mais. Aïe aïe aïe. Ah là, c'est Superman là. Ah non, mais pas encore moi. Aïe aïe aïe. Je vais peut-être les aider parce que. Aïe 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 aïe. Voilà pourquoi ce qui se passe, voilà. Vas-y, mec, appelle le mec du quartier, on est débarrassé. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Plus pratique. Eh, hey, rappelez à l'ordre là. Non, les mecs du quartier viennent tous, hein. Putain, m'écrasez pas non plus. Attends.
T'as vu ça, Kelly? Je me suis vengé un peu. Ah, mais y'a pas de soucis. Oh, Captain, y'a pas de problème, Captain. Allez, y'a un coup de pare-choc. Allez, on est pas sur Strawberry Avenue, Captain. Non, mais attends. Ah, oui. Ah, par contre, il va me falloir une petite trousse de soins là. Parce que moi, je me suis quand même bien fait arracher la tête. Hein. Ok, on arrive. Okay, on est place centrale. On arrive. Bon, on y est là, non? Ils arrivent. Ah merde, la radio, ouais. je suis juste derrière vous, j'arrive place centrale. On est là. Allez, pitez-moi ça! J'ai fait, chef. Bon, la réunion, il y en a qui vont faire des battes. Ah non, c'est encore lui. Oh non. Oh putain, il y a toutes les... Celui-là, vous le mettez en prison. Ah merde. À vos ordres, Captain. Il y a toutes les unités de flics. C'est la première fois que je vois autant d'unités de flics sur un mec. Vous le mettez en prison. Vous enlevez tout ce qu'il avait, vous lui mettez une amende de 50 000, allez hop. À vos ordres, Captain. Arrête de bouger, putain. Mais merde. Mais pourquoi tu te rapproches de moi? Je vous dis que je me note. Mais je t'ai pas entendu. Non mais attends. Bougez plus là, monsieur, je vous note. Merde. J'ai plus de clé en plus, je peux... Ah j'ai plus de clé, je vous ai démenoté 4 fois. Ah merci. Attends, je m'enlève. Vous me suivez ou pas, mon capitaine, ou je vais tout seul? Non, laisse-moi 2 secondes. D'accord. Merci, hein, tu gères. On vous laisse, les... Ah, merci, le chien. T'es le meilleur. Allez, mets-le dans la voiture, stagiaire. Mets ta ceinture, les chiens. Allez, viens. Allez, viens, Doberman. Nous, on est en train d'interpeller l'individu. Il allez, monte à l'arrière. Allez, monte à l'arrière. Superman, on va l'amender 50 000 dollars dans la prison de ce. Ok, parfait. Les autres, vous surveillez les rues. Reçu. Ah mince. Allez, dépêche-toi. Je peux pas courir. Et moi, j'ai pris un pare-choc de voiture quand même. Hein. Moi, j'en ai marre de manger des pare-chocs. Apparemment, mon capitaine, c'est une soirée alcoolisée où les gens dansent tout nus. On a encore perdu une porte là. Ouais, c'est pas grave. Oh non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est une blague. Ah non, mais lui il est débile. Mais c'était certain, il faut le ramener à l'hôpital. L'individu a ouvert la porte et s'est jeté sur la route, voilà. Captain Doberman, il s'est jeté de la voiture, il est dans le coma, on appelle. Ok, bah faites-lui une amende pendant le coma là. Autre chose, les autres unités là. Il y a des cadets et des officiers qui sont. Les cadets et officiers qui sont Ok, alors les ordres du capitaine, c'est de laisser comme un bras mort par terre et de glisser son membre dans la poche. Et ouais, on va faire ça. Avec moi, des gens. Ok, bah vous gérez ça. Vas-y, on le fait. Allez-y, vous gérez les rappels. Très bien, mon capitaine. On est sur le coup. Et on appelle le LSMS quand même. C'est bon, je les ai appelés. Nickel, allez hop. Et nous on rentre. Allez hop. Au revoir. On l'a mis sur. Voilà, c'est chiant. Ok, capitaine, je l'amende dans sa poche, hein, 50 000 dollars. Ah bah là, il peut pas, hein, pour l'instant. Mettez le doigt sur le Y. T'as envoyé un message au LSPD? Non. Mais son putain de doigt, oh, merde. Oh, le con. C'est pas grave, je renvoie. Ah, bien vu. Oh là là, vous me sauvez la vie là. Oh là, vous me sauvez la vie. Oh, bien joué, cœur. Oh là, j'ai failli être dans la merde. Bon, attends, ils vont pas le voir de toute façon. Non, c'est bon. Stagiaire, on a besoin d'un médecin. Ouais, ils arrivent. Oh non, pas Kelly. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Stagiaire déplacé sur le trottoir. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. Non mais attends, mais c'est un délire aujourd'hui, hein. Non mais c'est pas du tout comme dans... T'inquiète pas, Kelly, je te mets sur le côté derrière la voiture.
Ah, ça va aller, hein. Aïe, 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 t'as bien pris, là. Aïe, aïe, aïe. Tu l'ouvres la gueule, tu lui bouffes le museau, ok? Alors, je vais lui remettre l'amende et je vais lui glisser son doigt. Vous avez dit quoi, monsieur? Dans les ordres du capitaine, c'est clair. Si on l'amende oui, maintenant. Je savais pas qu'il était au sol. Mais si, je vais dire. Mais sinon, tu me fouilles, hein. Vite ses poches. Ça va plus vite. Bah, attendez. Il a une bête de baseball et un pistolet de détresse. Même s'il est en coma, hein. Il a des chargeurs de flair. Bon, le médecin est arrivé. Bonjour médecin. Oui. Elle a un peu mal à la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel de cul ? Oh non, mais rien du tout. Écartez-vous, s'il vous plaît, écartez-vous. Ça va un peu picoter, madame. Elle a juste voulu regarder le pare-choc. Ah oui, d'accord. Ah oui, je vois là, les hématomes, mais bordel. C'est une catastrophe, hein, ce monsieur, là. C'est un mec, il se prend pour je sais pas qui, il frappe tout le monde. Ça va aller, Kelly. Ça va picoter encore quelques instants, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, petite dame. Ouais. Mais vous voyez pas le pare-choc ? Ou quelqu'un a mis le pare-choc sur vos yeux ? Mais je crois que le pare-choc il est venu à ses yeux. Hein. Le pare-choc est venu à moi. Hein. Ah oui, d'accord. Oh, elle a pas eu besoin de le chercher longtemps. Hein. Il est bienvenu à moi, ouais. Oui, c'est assez récurrent. Hein. Ouf, ça tourne un peu là. Non, bougez pas trop, madame. Ah, c'est oui. Le trauma, il va être un petit peu de temps. Va leur dire comme ça, pas de traces de. Non, mais c'est bon, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qui t'arrive hein. Vous êtes blanche comme une merde de laitier. Vous avez déjà pensé à vous y hydrater, s'il vous plaît. Merci. Merci. Monsieur le médecin, il y en a un autre là-bas, là. Oui, bah, vous hydratez-vous, je m'occupe d'abord de vous. Je vous soigne juste après. Avant que le chien pisse dessus, sinon c'est dégueulasse. Ah non, mais il a déjà pissé dessus, hein. Oh putain! Ah, ah oui, d'accord. Eh bah, tu vois que la justice, ça protège pas, bordel de merde. Bon, ah non, il a sauté de la voiture, le monsieur. Ouais, bah ouais, mais il se prend pour la justice, apparemment, ça sauve pas. Ah d'accord, ah oui, oui, oui. Si elle saute à 200 km/h d'une voiture, forcément, elle finit en merde écrasée. Bon, le chien, tu bouges pas, t'inquiète pas, c'est Docteur Mulet. Ah oui, non, mais pardon, je voulais pas contrarier votre collègue. Les forces de l'ordre, c'est à la charge de l'individu. Vous êtes prêt à le taser hein, Bernard Pichon mais Bernard, c'est Alpha. Il sait très bien qu'il a perdu fer neuf dans la gueule. Merci Linette, merci pour ton follow. What the Berman, tu m'entends? Si tu vois la lumière, c'est normal, on est en dessous en réverbère, donc tu peux y aller, t'inquiète pas. Reste avec nous. Putain, mais ils ont des punchlines incroyables. Ne vous inquiétez pas, moi je vous entends qu'à des punchlines. Non, mais à moi, pareil, pour moi, sinon tu vas prendre un fer neuf dans la gueule. Bon, écoute, c'est soit tu prends mon fer neuf, soit tu prends les coups de taser. Donc au pire, tu fais ce qu'on te dit, ça sera plus facile pour tout le monde. Je m'occupe du taser. D'accord, t'as l'air, bouge pas pour les commotions. Ah putain. Merci Marco Nance. T'es dégueulasse. Non, c'est Gérard Alpha. Ah bah c'est Ted alors, ouais, c'est Ted. On a demandé cas des traumas, on a demandé tout ça là. Comment tu te sens? Est-ce que t'as mal quelque part en particulier? Ok, vous êtes avec qui là? Vous êtes tous les deux ensemble, c'est ça? C'est ça, on est en train de patrouiller. Ok, bah pour trouver le cadet là qui a été kidnappé. On va pas rester longtemps. Ok, c'est Thomas justement. On l'amène en cellule lui ou pas? J'ai rien fait. Alors, j'ai jamais été kidnappé. Ok, donc vous avez été retrouvé. Non, j'ai jamais fait. Et bah c'est l'occasion. Du coup, tu vas t'approcher de nous, vas-y. Bah monsieur, bon. En fait, mon capitaine, un capitaine Boyle, oui, bon. Il a dit qu'on devait vous amender à hauteur de 50 000 $. C'est bon, j'ai payé, laissez-moi. Je vous donne un peu d'antibiotiques. Il a payé là ? Il a payé comment ? Moi, je vois rien du tout. Non, moi non plus, je vois rien du tout. Hein. Vous n'avez pas la fonction. Alors, c'est gentil, le muscle vu qui marche. Ah si, c'est bon, c'est bon. Non, mais là, tu voyez. L'amende à moi, stagiaire. Ah merde. Il a un peu récalcitré, d'accord. Attendez, écartez-vous. J'ai vraiment rien fait, vous comprenez, Tito ? J'ai vraiment rien fait. J'ai rien fait. L'amende. Ouais, et puis après, on va pas trop dire. Hein. Ouais, d'accord. Ah, j'ai faim, Kelly, j'en peux plus, quelle dure journée. Hein. Ah, moi aussi, hein, j'en peux plus. Non, mais regarde comme il est dans la radio. C'est voilà, c'est bon. Rien. Merci. Je vais vous laisser. Au revoir. Au revoir. On y va. Non, mais il se barre, il a payé ou pas. Oh, tu sais pas. Ah non, il a pas payé, non. Mais il a pas payé, mais il a pas payé. Poursuivez-le. Ah merde, je croyais que moi ça marchait comme ça. Mais arrêtez-vous tout de suite là, vous arrêtez. Hein. Voilà. Hey. Vous irez nulle part. Bon, il m'a vous avez payé votre amende. Vous irez nulle part. Calmez-vous. Vous irez nulle part.
On l'a rattrapé, il est tasé, tout va bien, situation sous contrôle. Putain, mais il est relou lui. Putain, j'ai senti. Oh là là, il me saoule. En vrai, là, le RP est chiant, tu vois. Là, il est relou là. Là, il est relou. Là, normalement, c'est le moment où il devrait lâcher l'affaire et laisser tourner le RP parce que là, du coup, c'est juste relou là. Ah monsieur, c'est votre voiture. Exactement. Oui. Mes condoléances. C'est tout. Non mais lui on le prend le fauteuil là, c'est bon, il m'a saoulé. Hein. Allez, ah non, l'ordre a donné oui. Enfin, le capitaine a donné ses ordres, on va s'en occuper, vous inquiétez pas. Oui, mais cette fois vous le gardez avec vous s'il vous plaît, Lévi. Ah mais oui, mais il saute du véhicule. Mais moi je sais pas, je vous ai dit, je lui ai mis l'amende. Mais je savais pas comment ça marchait. Le dos dans mon hibou là en fait. Mais j'y savais pas moi. Mais tu tournes pas le dos hein, mais comme ça. Et d'accord, okay. Je le ferai plus. Allez, c'est parti là. On est violé. On va jamais s'en sortir. Ah, il est insu. Mais non, mais menotté, il peut quand même descendre de la bagnole, c'est un enfer. Nickel. Non, c'est juste que là il devrait arrêter parce que sinon ça nique juste le RP. On va lui remettre une amende de 50 000 $ parce qu'il a pas compris. Les 50 minutes, t'as bloqué tous les effectifs du centre-ville et un médecin. Inquiète-toi tout seul, avec tes conneries. Ouais, ouais, bah là, tu vas aller en prison. Tu pourras pigner en prison comme ça, le yinche. Le yinche ? T'es d'accord, tu vas en prison, il mérite. Voilà, il a dit oui. Il a dit oui. Le yinche et le juge. Et tes bourreaux, c'est les deux NCIS derrière. Ah bah, je sais pas, mais tu vas pleurer après. Alors voilà. Alors, peut-être un petit problème. Nickel, merci Brioche. Bon courage. Alors, j'ai peut-être rien fait quand même. Vous êtes posé la question. Les mains sur le capot. Très bien. Les mains sur le capot. Nickel. On va vous fouiller, monsieur. Je vous fouille. Hein. Je me permets. Oh, aïe aïe. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à toucher, monsieur. D'accord. Bon, allez, vas-y. Stagiaire. Ouais. Tu vas arrêter de bander vous maintenant. Tu vas le fouiller. Parce qu'il a sur... Non, mais c'est pas possible. Mais c'est une blague. Pardon, excusez-moi. Non mais là, je suis à deux doigts, vraiment. De mettre ma putain de matraque dans ton cul, t'auras tellement de merde dans la bouche que je te jure, tu vas pas kiffer. Hein. Parce que là, c'est bon. Moi, je vais dire non, mais je suis navré. Je peux plus, hein. Mais je comprends. Qu'est-ce qu'il fait, Gings, à ma place, là, hein. C'est une CIA. Là, il faut garder son calme, Gings, il garderait son calme. Non, mais Gims, il garderait son calme. On va s'en occuper. Oui, je comprends, vas-y, je m'en occupe. On va s'en occuper. Allez, vas-y, Doberman, arrête de faire de la merde. Je te promets que si t'essayes de ressortir de cette voiture, je t'éclate la tête, t'as compris? Je vais la sortir cette fois. Quand même. Mets lui la putain de ceinture. C'est bon. Merci, grand fou. Il faut se calmer, hein. Gibbs, il aurait gardé son calme. Calme-toi, Lynn. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'emmener au commissariat. Mais en fait, pourquoi on s'en met au commissariat? On s'en bat les couilles. Vous lui mettez une putain d'amende. Vous lui prenez tout ce qu'il a sur lui, je sais pas quoi. Et on dégage. Allez, c'est bon. Allez, sors de là. Tu sors. Tu sors. On va te mettre la ceinture. Détache ta ceinture. Oh putain. Détache ta ceinture. Merci. Non, putain. Je dépasse la ceinture. Merci. Alors, maintenant. Oui, dites-moi. Tu lui mets l'amende. Stagiaire, l'amende. Stagiaire, amende. Stagiaire, putain, une petite amende. J'espère pour toi que t'es pas anorexique du porte-monnaie, hein, parce que tu vas raquer maintenant. Petite amende. C'est bon, je l'ai mis. C'est bon, j'ai payé. Non, t'as pas payé. Si. Ah non, mais j'ai rien vu là. Eh, hey, paye, je te jure, paye. C'est le muscle de la vue qui fonctionne mal, tu veux que je te le réveille? Non, non. Il a pas payé, il veut pas payer. Si, j'ai payé. Comment dire, c'est que. Par contre, t'as fini la radio là, c'est en train de me faire un calvaire sous la voûte, c'est un truc de non, malade. Non, mais moi je vais arrêter la radio, je te dis. Il est. Je me sens vachement mieux. Hein. Là, je suis désolé, mais il veut pas payer, je peux rien faire, je lui ai mis l'amende. Je coopère, mais... Je baisse la radio là, je peux vraiment rien faire. Hein. Comment dire, le prix est peut-être un peu élevé. Ok, bah on arrive tout de suite, Capitaine. Excusez-nous, on est avec le Doberman. Moi, on a une mission importante à faire. Parfait, bonne soirée. Ouais, ça valait le coup.
Négatif, on a un braquage de passif, il est de repasser plus tard, désolé. Et l'otage ok, il y a un braquage de banque, on doit y aller directement. On a assez perdu temps avec l'autre là. Ah ouais, mais c'est sur la patrouille. Le prends GPS, s'il te plaît, stagiaire. Attends. On arrive, Captain. C'est sur laquelle de banque? La Pacifique, hein. Pour info, il y a deux bras, deux camions du groupe 6 devant. Et une voiture qui bloque le deuxième ex. Je suis sur place, mon capitaine. Lieutenant Cuc sur place aussi. Arrivé sur place aussi, avec le cadet Thomas. Ok. Donc place, là c'est quand même une banque, donc ça va mettre du temps. Mais quel bordel, non mais j'en peux plus là en fait. Personne vient de sortir de la banque. Mais si vous arrêtez d'éteindre tout le temps votre radio, c'est moi qui vais prendre maintenant. Non, non, c'est bon, je l'ai la radio. Elle est allumée, Lynn, t'inquiète pas. Non, parce que là, si c'est encore moi, je pète un plomb. Non, on te défendra. Dites mon capitaine, hein, je suis dispo. Donc, tiens, on est en place. Venez à côté de moi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais attends, mais c'est quoi ce camion là? J'en peux plus, Kelly, j'en peux plus ce soir. Moi je craque. Oh, aïe. Oh, ça tue les oreilles. Oh, c'est horrible là. Attends, c'est quoi cette merde? C'était quoi ce bruit d'enculé là? Horrible! Ah, c'est bon. En fait, je crois que ça a détecté un son. Qu'est-ce qu'on va faire, Kelly? Oh, ça m'a tué les oreilles. Juste de penser que Doberman, il a même pas payé son amende. Non, il a rien payé du tout. Non, mais je veux plus entendre parler de ça, là. C'est pas possible. Hein. Moi, je vais criser, hein. J'en ai marre. Non, mais on n'a pas du C4, franchement. Non, mais la prochaine fois, je vais te faire péter sur cette Doberman, ville, hein. Coup de matraque, au revoir Doberman. C'est clair et net. Il y a meilleure des techniques, je pense. On a voilà, c'est bon. Il n'y a pas eu vraiment d'appel de détresse, mais bon, je suppose que vous aurez besoin d'un docteur. Ouais, c'est pas bête d'être là. Hein. Ouais. Là, déjà, non, pas très longtemps. Eh, mais. Ici le LSPD, vous êtes cerné. Que voulez-vous? Nous allons envoyer une personne du LSPD. Oh putain de merde! Oh putain de. Si vous tirez avec ton arme, tu une fois, cela veut dire oui. Si vous tirez deux fois, cela veut dire non. Est-ce que vous validez pour le négociateur? T'es un très mauvais directeur là que vous avez. Ok, c'est non. Ok, bon, on va préparer le SWAT alors. Oh merde, j'ai pas pris mon gilet anti-émeute. Ouais. On a rien pris. Si vous tapez, vous tirez une fois, ça veut dire oui. Deux fois, ça veut dire non. Je répète la question. On vous envoie le négociateur. Est-ce que vous validez? Mais non, il veut pas. Ok. Ok, bah bonne soirée à vous, préparez-vous. Oh my God. On se prépare à l'assaut, hein. Ah, je vais demander. Attendez. On peut sortir le C4 non, mais non. Oh là là. Pour celui qui tire, si vous le voulez, vous faites ça un va mal finir. Si vous voulez pas, c'est deux tirs. Ok. Vous pouvez y aller, plus gaffe. Non, mais c'est... J'en peux plus d'Oberman, moi. Moi, je deviens la chérie. J'en peux plus d'Oberman. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous allez dégager. Non, mais là, ça va pas être possible, là, Doberman, là. Moi, là, je vous sauve la vie. Sinon, je vais vous mettre une balle. Vous allez rester couché et attendre 2 heures. Allez, continuez votre route tout droit. C'est pour votre bien, Doberman. Allez. Non. Ah, putain. Ah, là, c'est vrai. En vrai, là, il est relou. Là, en vrai, je sais pas s'il se rend compte qu'il est relou et il pète les couilles. Mais là, si ça continue, je pense qu'il y en a une des deux qui va faire une connerie, donc... Ils sont d'accord pour négocier. Ah d'accord, super. Mon capitaine, apparemment, ils veulent négocier, finalement.
Ça c'est parce qu'ils ont entendu que j'allais amener le C4, ça les a calmés. Hein. Ouais, peut-être, ouais. Ça doit sûrement être ça qui lit. Bon, mais c'est... Alors, dites-moi, ils veulent négocier finalement. Ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour négocier, ils veulent que vous envoyiez un négociateur. Est-ce qu'ils sont cons, vraiment? Ok, attendez. Ça a compris. Heureusement que vous êtes là, le psychiatre, hein. Heureusement, sinon, Captain, vraiment... Captain, je pense que vous devriez envoyer le meilleur des négociateurs. Donc on a compris, on envoie le négociateur. RP pour lui, s'il te plaît. Ah ouais, il est relou, hein. Ah, en vrai, il casse la tête, hein. 2 heures sur lui, quoi. On l'a arrêté déjà 4 fois ce soir. Ah, j'en peux plus. Vas-y. Vous attendez. Je sais pas qui c'est par contre en vrai. Lucien, non, vous avez déjà fait une fois donc. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, Captain. Donc on va essayer de tourner un peu les choses. Vous avez raison, Captain. Est-ce que pourquoi on est 5 ici là? Ah, je suis venu parce qu'elles étaient là, mais je m'en vais. Parce qu'il y a Doberman, Captain, qui a pas. C'est pas le plus 1 de Locke. Ouais, mais du coup, je sais pas si c'est un streamer ou quoi. Je sais qu'il stream, bah, du moins qu'il est avec Locke, hein, c'est Mysterio et Doberman. En fait, le truc, c'est de savoir quand s'arrêter, tu vois. C'est Chamallow. Ah, d'accord, bah, je connais pas. C'est juste savoir, tu sais, quand, voilà, bon, tac, tac, t'as fait ton truc, c'est drôle. Mais après, l'humour sur. Bah là, ça fait quasiment 1 heure. Voilà, oh, c'est chiant, quoi. C'est giga lourd. À petite dose, c'est cool, mais pour le LSPD, il se rend pas compte, c'est super intense. Oh putain! Ouais, mais en fait, ça lance un son, les gars, parce que vous voyez, je l'arrête comme si c'était une musique. C'est trop marrant, je sais pas. C'est pour ça qu'en fait, les streamers se font DMCA, c'est parce que la sirène dont ils se servent, c'est un son pas libre de droit. Infâme cette alarme, elle est infâme. Là, c'est l'alarme de la grande banque centrale, c'est pour ça. Bon, ça va, j'ai réussi à trouver comment l'arrêter, donc c'est déjà cool. Regardez-moi, elle est pas belle cette bâche là. Regardez ça. Regardez-moi comme c'est joli là. Bon, ça va, là, tu vois, là, je lui ai dit de s'arrêter. J'ai l'impression qu'il a compris que c'était relou là. Parce qu'il s'est barré et il a pas fait chier. Donc je pense qu'il a compris. Le duo de Locke est très insistant. Ouais, non mais après, en vrai, c'est rigolo, hein, c'est super drôle ce qu'ils font. Mais c'est juste qu'à un moment, faut juste savoir lâcher. Quand tu vois que c'est la troisième fois que tu arrives sur le même équipage de police, bon bah tu les laisses tranquilles au bout d'un moment. Il faut faire tourner le RP parce que là du coup, on attend quoi. Bah là on attend que ça se passe, hein. Il y a le négociateur, il y a Vanessa. Bon attends, moi je vais aller là-bas parce que moi je me fais chier, je suis tout seul de l'autre côté là, et puis ça leur merde. Ah c'est simple, hein. On va leur ramener que des fours. Ok Captain, le message a été passé au journaliste. Oh. Bah excusez-moi, pardon. Me faudrait Ah non, rien. Alors, venez, vous restez ici. Oh, attends, je vais aller voir de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Putain, mais il y a du monde là. Ah, c'est un gros braquage là. Ah oui, d'accord, hélicoptère qui vient d'arriver. Ah, c'est Weasel News, ouais, ok. Oui, j'imagine. Le Yage. Va demander au capitaine qu'est-ce qu'il demande. Quelles sont les revendications? Il va demander le Yage, il vient de demander. Oh putain! Ah ouais, ça dégage les bagnoles. Je crois que Lindsay est en train de se détendre. Une soirée normale au Los Santos, c'est clair. Ouais, non, pardon, j'avais pas reconnu. Je pensais que. Captain, les voitures de merde, on les met en face de la Pacifique. Hein. Ah oui, mettez
Cadet devant. Ok. Oh putain. Mettez les pompes prêts à sortir. Super qu'on est en train d'appeler les voitures. C'est une réquisition, hein, monsieur. Ils ont demandé 10 voitures pour faire 10 voitures. Ok, madame, merci. Normalement, ils sont toujours à l'intérieur. Ah oui, d'accord, en fait ils amènent. Ok, c'est une revendication, ils veulent 10 bagnoles. Ah oui, d'accord. Bon, au moins elles arrivent vite les voitures. Hein. Ah, ça va partir en énorme course-poursuite là. Ah là, je vous le dis, dans 2 minutes, ça part. Hein. Parce que 10 bagnoles comme ça à suivre, oh, ça va être une histoire. Hein. C'est normal qu'il y ait une bagnole comme ça là? Ils disent qu'ils ont déjà un médecin à l'intérieur, mais par contre, quoi, si le psychiatre vient, ils sont prêts à le laisser rentrer pour qu'il ait un coup de main au médecin qui est déjà dedans. Ok, bah allez, dégage. Très bien. C'est qui le médecin à l'intérieur? C'est pas. Bah, allons-y, on va voir. Parce que le médecin à l'intérieur, si c'est la saigneuse, c'est la merde. Hein. Ah, bah, le psychiatre, allez-y. Ils ont assez de voitures, la capitaine. Ils en ont 10, comptez-les. Parce que le médecin qui est à l'intérieur, elle est complice. Hein. Ah bah, c'est pas grave. Pour vous expliquer les médecins, nous avons le petit garçon qui est là. On a bien vu, on le laisse faire. Okay. Alors, à la raconte, nous demande. Vous pouvez leur dire qu'ils ont 11 voitures. J'ai pas vu ce que c'était, les copains. Je vous fais un petit plan caméra, vous avez vu. Ils sont tous là, donc du coup, qui est le médecin qui est avec eux? Officier Brandmy. Ah oui, Dr. White. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils... Oh lolo. Oui, c'est ça. Ah, parce que hier quand même. Ah, parce que c'est les pichons là. On peut me faire un topo vite fait, j'ai pas pu tout suivre. Bah là en gros, on est sur un braquage. J'ai l'impression que c'est les pichons qui ont fait un braquage. Il y a des civils qui se rendent à l'intérieur de la banque là. Il y a des civils, ne les laissez pas rentrer. Non, mais je peux pas, ils sont derrière les camions, ils sont derrière les blindés là. Ils montent. Il y a un civil qui est monté dans un blindé. Oh, c'est un bordel. Ouais, ouais, là ils ont demandé 10 véhicules. Mais c'est pas vrai, il y a des civils. Ils ont demandé de bagnoles. Qui est mort. Semble avoir le contrôle. Ouais, d'accord, ouais, c'est vas-y. Ouais, ça va, Lindsay, je te cherchais. Ouais. Il y a des SMS pour aller chez lui. Ouais, ça va partir, hein, je vous le dis, ça va partir fort. Hein. C'est le chien, pas le gars. Ah, ouais, qu'est-ce qui se passe? Bien reçu. Une composition, mon capitaine. Il est dans la caméra. Et le chien au rappel. Ah oui, parce que. Je répète, les personnes qui ne sont pas dans le Pacifique, qui ne sont pas là pour ce qui se passe en ce moment, des civils qui viennent, nous allons tirer à bulle. Vous avez compris? Ici, nous ne sommes pas à jeux vidéo. Donc vous dégagez tous. Mais oui, c'est ça. C'est l'ombrique. Merci, l'ourso. Merci à toi pour ton c'est follow. Pas vrai, mais c'est pas vrai. Vous vous dégagez. Oh, ça va être une chat. Oh, yeah, ça va être une charpie. Vous voulez qu'on regarde si on peut extraire le chat par ici? Non, non, on s'en fout qu'il crève lui. Mais le chien, c'est lui qui a aidé à. Est-ce que vous avez des fait de faire attacher le lieutenant? Oh, le chien fait de la merde depuis tout à l'heure, il tue tout le monde et il arrête pas de venir, c'est 25 fois qu'on demande qu'il arrête de partir. Je vous assure que c'est une personne qui est mieux que ce soit plus dans la ville et qu'il soit mort. Vous voulez pas le tuer. C'est mieux pour la ville. Hein. Vaut mieux, vous savez messieurs, je sais que c'est dur ce que je vais dire, mais vaut mieux la mort d'une personne que la mort de 100 personnes. Bah après, nous c'est quand même notre métier de sauver les gens, quoi. C'est ça, vraiment hypocrite qui ouais, frate. Exactement ce que tu viens de dire, c'est les gens. Là ça a clé partout. Oui, donc, vous amène là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Sous le chien, il y avait quand même vachement l'air d'avoir quelqu'un, quoi.
Les autres préparés à... Oh là 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 là. Mais vous avez dit que vous diriez... Qu'est-ce que vous faites là? NCIS, get down! Get down! Dégagez, ah, ils ont eu du cul, hein. Allez, prenez le véhicule, montez le véhicule. Ouais, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont cons. A mon avis, eux ils sont descendus, ils se baladaient en mode tranquille. Non mais c'est un délire. Ah c'est fatigant. Hein. Non mais là c'est n'importe quoi, c'est Disneyland en fait, c'est ça. On est dans un parc d'attractions, on nous l'a pas dit. Le négociateur. Ah mais c'est fatigué là. Le négociateur arrive pour parler. Il y a quelqu'un de mort à côté de l'arbre devant la banque. Personne. Ah oui, là-bas, là, mais c'est rien ça. C'est Doberman, on s'en bat les couilles. Alors, vous allez là-bas et vous demandez qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un hélicoptère. On a amené les 8 voitures et vous essayez d'avoir des informations et de bouger tout ça. Ils ont tué un journaliste. Et qu'on est prêt à partir. Ok. Allez, allez. Non, mais. Ah mais Doberman, il va rester comme ça longtemps. Tout se passe dans le calme, calme-toi, t'inquiète. Ah là, ouais. Non, bon, capitaine, s'il repasse encore à provoquer, on les rafale, on est d'accord. Oui, c'est les mêmes, oui. Déjà, ils ont écrasé un journaliste là-bas, là. Où ça? Bah, à gauche, là-bas. Là-bas. Ouais, là-bas, là, ils sont écrasés, ouais. Ils ont kiffé de boubou, celui-là. D'ailleurs, il y a Doberman qui est encore mort, là, à droite, là. Il est dans le coma. Doberman, on le laisse, vas-y. On le laisse ici, il est bien. Il a pas compris, ça fait 10 fois qu'on lui demande. On va laisser crever. Bon, en tout cas, capitaine, hein, tout se passe dans le calme. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, préparez-vous, ils vont sûrement partir, donc ça va être une course poursuite. Hein. Ah, on monte dans les voitures. La voiture, elle est là, on est bien, bien, on se met en position de départ. Vas-y. On va préparer la voiture, on prépare la voiture qui est bien. C'est laquelle la nôtre? Non, c'est celle-là. Excusez-moi, est-ce qu'un agent peut-être peut nous dire comment les négociations se passent? On fait notre travail là et après on répond à tes questions de merde. Je pleure. Kenny, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es trompé de voiture, c'est celle-là la nôtre. Ok, je suis prête à répondre à vos questions. Que voulez-vous savoir? Le docteur Cox fait peur et partie des méchants, je répète, c'est un méchant. Je suis la chef du NCIS et je voulais ce qu'il dit. Ah bah j'en ai marre, putain, je suis crevé. Je me recoiffe, juste une seconde. Oh là là. Ok, c'est bon, je suis prêt. Ça a reprisé pour les streamers, ouais, c'est pour les streamers, ouais. Il va durer, ouais, que deux semaines. Ok, alors je m'appelle Lindsay, je viens de la ville de Paulson, c'est dans le Montana. Ça se situe dans la réserve indienne des Têtes Plates. J'ai rejoint le LSPD pour faire comme Gibbs dans NCIS. Venez avec vous, C'est horrible. C'est horrible. Ce truc, c'est horrible. C'est sous contrôle. Tout va bien se passer, madame. Ah bah ça, on n'en doute pas. Est-ce que vous avez des nouvelles du négociateur? Bah, vous le voyez, il est juste derrière vous, madame. Ah, c'est vous? Mais non, c'est le monsieur là. Non, c'est le monsieur que j'ai derrière. La bas derrière. Ah, mais tu n'as pas encore d'accord. Le négociateur envoyé n'est toujours pas. Le négociateur est en train de négocier effectivement. Bah oui, il est en pleine négociation. Ah bah oui, toi qui n'es pas revenu dans son. Il y en a un qui martèle son clavier, c'est horrible. La deuxième explosion a été l'ouverture d'un deuxième coffre. Donc nous en sommes à. Non, c'est la troisième explosion. Ah, c'est la troisième, j'ai raté la j'en ai raté une. C'est moi. Oh là là, vous êtes mauvais journaliste, hein, vraiment. Ah, moi j'étais pas là surtout. Bon, vous avez d'autres questions de merde, hein, je suis disposée. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là. Vous allez bien? Ah, mais Kelly, qu'est-ce que t'as fait? Ma gueule. Ah non, mais Kelly, faut pas faire ça. Attends. Elle est Ah là, elle est c'est un stress post-traumatique, c'est rien. Oh là là, mais
Non mais j'ai un calvaire sous la voûte. Je suis désolée. J'ai eu un réflexe. Non mais t'as eu le réflexe 3 minutes plus tard. Quelqu'un peut aller se renseigner. Attendez, vous savez que elle casse la tête, elle. États-Unis, on diffuse la paix dans le monde. C'est pas ouf là. En plus devant les caméras et tout. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites? Non mais qu'est-ce qui? C'est quoi? Écoutez, je crois que ici il y a une amie à nous qui est coincée dans un camion des méchants. Et bah vous restez derrière, on va faire tout ce qu'on peut. Allez. Là-bas, là-bas, ça va là-bas. Mais il y a des gens normaux dans cette ville? Je suis crevé, ils me fatiguent tous. Ah la police. Ah pardon, excusez-moi. Mais non, c'est la rose, la nôtre. Ah oui, c'est vrai, c'est la rose. Mais oui. Ah oui, c'est celle-là. Ouais, c'est vrai, elle a raison, Kelly. Oh putain, ils nous font chier eux. Hein. Ok, on est bien là comme ça, c'est bien, on est prêt. Hein. Allez. Mais qu'est-ce qu'ils font là avec le chien et tout là? Oui, non, mais là c'est pas l'endroit là. Allez, derrière là-bas, allez. C'était mon cousin, mais un problème, j'avais pas les animaux. Allez, vous allez là-bas là. Bah écoutez, vous êtes désagréable. Allez. Ah, c'est bon, ils sont en train de tous me casser les couilles là. Je vais péter un câble. Oh putain, mais elle est super énervante sa voix. On est en train de disposer. Ah voilà, un petit peu de calme. Top, madame, vous rentrez à la voiture directe, hein, celle que pas je pointe. Bien évidemment. Donc les voitures sont en train d'être disposées afin de. Bah, sous les ordres, je pense, du coup, des braqueurs. Oh putain, j'en peux plus. Ouais, c'est ça. Pendant quand même, les admins auraient déjà. Ah bah oui. C'est parti direction Nord. Alta Street. Le West Alliance en direct d'une voiture de police pour la. Oh non, putain, elle est avec nous, elle. Prenons tous les risques. On redescend. Ok, on va redescendre. On va vous donner les communications, non. Oui, il y en a encore plusieurs, il y a des camions. Oh putain. Ok, on prend la consigne. Aïe. Ok, les camions, oui. Ça nous intéresse. Là, tout droit, à droite. La prochaine à droite. Là, vas-y, continue tout droit. Tout droit. Ok, les camions, ils sont où? Putain, je sais pas. Toujours devant la Pacifique. On cherche un camion. West. Ok, on va vers le sud, on va se diriger vers l'ouest juste après. Allez, faites les coms là, c'est pas moi de les faire, vous allez me saouler. On est où là en fait? On est dans XIS ou quoi? On est sur Spanish Avenue. Spanish Avenue. Direction ouest. Où sont les camions, s'il vous plaît? Direction ouest, les camions, direction ouest. Suivez l'hélicoptère. Ok, on va l'hélicoptère, on fonce. Ok, on est sur la bonne route. Ok, c'est parti les gars. Oh putain, Gilles, il serait trop fier. Oh, à gauche. Ouais, vas-y, à gauche là, ralentis. À gauche, stagiaire, tu gères. Je suis sur la voiture bon, hein. On est sur Milton Road, direction sud. Direction sud, nous suivons toujours. Nous sommes toujours dans la voiture de police en train de suivre les braqueurs. On est avec vous, on est derrière vous là. C'est un problème. C'est des gens qui crient depuis 12 ans. C'est tout bonnement incroyable ce que nous sommes en train de vivre, mes chers téléspectateurs. Aïe. Vous pouvez pas vous foncez dans un camion. Vas-y. C'est ma nuque, mais ça va, je suis attaché. Ferme ta gueule.
t'es pas attaché. Je suis attaché. À droite, à droite, à droite, à droite. À droite, à droite, à droite. Les gens qui viennent de vous pousser parce qu'il y a un mec qui est bizarre avec ses phares. Vas-y, vas-y, vas-y. Le camion est arrêté, le camion est arrêté. Ça tire. Mais vous avez vu, vous direct, ça tire. Les pneus sont crevés. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe. C'est encore moi. Aïe, aïe, aïe. Ah, oh, mais c'est le stagiaire. Aïe, 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 ça fait vraiment mal. Aïe, 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 aïe. Ah, bon, bah, moi, je vais rester là. Je vais faire un petit somme. Hein. Partez sur moi. Il n'y a pas de problème. Aïe, aïe, aïe. Ça fait. Ah, putain de merde. C'est pas possible. Non, non, mais me roulez pas dessus, par contre. Respectez-moi un minimum, là. Non, mais là, tu vois bien que je suis déjà dans la merde. Tu vas pas me rouler dessus. T'es pas une salope à ce point-là. Non, là, t'es vraiment pas dans le sens de circulation. Si tu me roules dessus, c'est volontaire. Ouais, c'est merci, gentil. Ah, putain, fais chier, j'en ai marre. Oh là là, le coma du stagiaire H24, quoi. Il y a une balle qui passe dans la voiture, c'est pour ma tête. Mais c'est pas possible. Bon bah voilà voilà. Ah bah là j'ai bien les yeux en kikine de poupousse là. Hein. Ce stream de Doberman, vous êtes HRP et ruiné son RP parce que vous harcelez le monde à l'envers. Ah oh ouais non là par contre faut pas abuser quand même. On le harcèle pas parce que justement c'est lui qui vient tout le temps à nous. Hein. Oh on n'est pas du tout HRP, on le cherche pas du tout. Hein. Au contraire on le fuit comme la peste. Hein. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, justement, en plus, on le laisse vraiment parce qu'à chaque fois, on le prend, on le tège, on le dégage, on le laisse même pas payer. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il parte. On le cherche absolument pas. En fait, c'est peut-être aussi le truc aussi, c'est peut-être qu'on n'a pas de chance. Hein. On tombe tout le temps l'un sur l'autre alors que c'est pas du tout voulu. Hein. Ça arrive, c'est pas grave. C'est rien. Après, le problème, c'est que voilà, hein, y en a beaucoup qui ont du mal à. Il y en a très peu qui sont comme moi là, à se faire latter toute la journée et que ça pose pas de problème. Hein. Bon, c'est compliqué hein, de se faire latter toute la journée, il faut un entraînement hein, de la LSPD. Hein. Ah, si, il n'est pas de l'équipe de la NCIS, du LSPD d'élite, hein, forcément. Hein. Il est vite fragile le monsieur. Hein. Alors que s'il faisait 17 comas par jour, t'inquiète pas qu'il dirait « Ah mais en fait je suis pas trop harcelé, ça va ». Ah, il est pas mal ce gameplay. Par contre, en plus, toutes les unités de médic sont au braquage. Autant vous dire que ça va être long. Parce que là, tu regardes, là, c'est pareil. Hein. Là, il est venu encore une fois à la banque. Ah, je lui ai demandé de se barrer. Il est pas parti, tu vois. Il est allé sur le truc. Il a forcé. Ah, c'est pro gamer carpet de ouf. Je crois qu'il s'en fout. Bah là, en fait, non. C'est juste qu'il y a un truc. Donc, je sais pas combien de temps ça va prendre. On va voir, on va voir. Hein. Moi, je suis là. On va attendre. Ouais. Ok, c'était là, c'était moi. Hein. Je suis toujours là, moi. Y a pas besoin de rouler, je suis vraiment. Aïe, 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 ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça... ah c'est sympa quand même. C'est que ça, c'est un policier. Ah, bah non, non, c'est une serpillière. Ah, bah alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Aïe. Vous avez même pas déclenché un appel de secours, c'est de la chance que je tombe sur vous. Non, mais si je l'ai déclenché. Ah, bah non, je vous assure que vous l'avez pas déclenché. Oh putain. Ah, bah merci. Vous avez putain, eu de la chance ça marche jamais ce truc, hein. Ça marche jamais. Allez. Ah merci monsieur. Allez, on se relève doucement. Ouais, ça va. Au LSMS avec deux braqueurs. Putain, mais il parle jamais. Je suis tombé hein. Sur un type écrasé sur le bord de la route, je m'en occupe là. Il avait pas déclenché avec l'appel de détresse. Mais ce truc, il marche jamais, hein. C'est pas possible. Hein. Allez, on se relève doucement, monsieur. Attends, on l'a tous voilà. Vu. Est-ce que vous avez des infos concernant le deuxième fourgon? Ah merci. Allez. Ça va, on va venir me chercher. Ça va, allez, je vérifie quand même que tout va bien. Ça va, ça va. J'ai encore des médicaments en plus sur moi. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est bon, je suis désolé, je vous laisse. Parce ouais, que ouais, allez-y, allez-y, allez-y. Merci, merci beaucoup, hein. Allez-y. Ah putain de ça, merde. Eh, le message, il part jamais. Hein. Ah ouais, c'est relou, franchement, par contre, c'est relou. Ça veut dire que s'il y avait personne, là, moi, j'aurais attendu 20 ans, quoi. Oh, attends, vas-y. Vas-y, je prends un médicament, il est dangereux si vous n'êtes pas malade. Ouais, bah là, je suis bien malade, là, t'as vu. Bon, allez, on va aller tituber par là.
Je retourne au commissariat. Oh putain. Non mais par contre c'est vrai que je vais le signaler sur le Discord que les alertes d'urgence ne marchent pas à chaque fois. Je vais retrouver le moment là où ça s'est passé. Ah me roulez pas dessus putain de merde. J'essaye de traverser quoi. Oh, yeah. On va juste attendre là que le flou il passe. Ça dure pas très longtemps. Vous avez pas encore changé la radio, capitaine. Ah ouais alors attends la nouvelle radio. Oh là là ça aussi c'est un enfer. Bon attendez. Il faut que j'aille sur le Discord pour récupérer la nouvelle radio. Oh putain, mais c'est relou. Attendez. Tac. C'est insupportable. On va pas donner droit à la radio à la nouvelle fréquence, hein. Vous l'avez toutes sur vos téléphones. Pensez à changer la langue aussi. Ah putain. Où est-ce qu'ils ont mis la nouvelle radio? Ils l'ont pas mis. Ok, super. Bon, bah on va attendre, hein. Ok. Plusieurs braquards en état d'arrestation, un fourgon reste introuvable. Ah bah c'est super. Bon, est-ce que je trouve quelqu'un, voilà. Bon, attendez. Ah, les publicités sont incroyables. Hein. Les publicités sont réellement incroyables. Oh là, il y a l'hélicoptère qui doit être par là, donc ça doit pas être si loin. Ah mais du coup, j'ai pas la nouvelle fréquence. Je suis perdu nul. Ah putain, vraiment le timing du cadet. Au secours. Oh le stagiaire Julien, toujours plus au fond. Hein. Ah, c'est une réquisition. Au revoir madame. Oh vas-y, on va retourner au commissariat. Oh j'en ai plein les bottes là. Vialtel, je crois, il vient de le dire. Ouais, mais Vialtel, j'ai pas reçu de message en fait. Ah ouais, non, j'ai Marcelo là, c'est bon, mais j'ai pas reçu de message en fait. Alors, Vialtel, est-ce qu'il parle du Discord? Mais le Discord, il n'y a pas encore de nouveau message. On va attendre, on va retourner tranquillou. Qu'est-ce qu'elle fout là? On vous entend, capitaine, au retour. Tranquille, on roule pépère là, on va retourner au commissariat. On va refaire le. On va se tout remettre à plat. Le commissariat, c'est le reset mindset. Ah, il se descend de là, là. Oh putain, mais pourquoi il descend pas, lui? Ah putain, j'avais attaché ma ceinture, incroyable. Tellement rare que j'attache ma ceinture, j'étais persuadé que je l'avais pas attaché. Oh là là. Oh là là, là je me mets loin moi. Attends. Je regarde un truc. Ok, bon. Ça n'a pas marché. Ok, c'est pas grave. Ok. Ok, c'est bon. Ok, donc normalement, je suis bon, là. Oh là là, c'est horrible. Mais là, il est parti. Tout le monde roule comme des sacs. Hein. Ah moi je vais aller me prendre un petit café. On va aller se faire un petit café. Hein. On va aller se... on a mérité un petit café. Le stagiaire là il en a ras le cul. Ah Julien il est en dépression là. Il va aller bientôt se suicider. Ah en vrai je me tâte à faire une fin de service là. Il est quelle heure? Minuit là. Ouais, je crois que je vais faire une fin de service en vrai. Ah j'en peux plus là. Ils m'ont séché. Oh ils m'ont séché là. À la dernière journée ils m'ont séché. Vas-y, petit truc. Attends, j'avais pas pris un café, là? Et pas de café? Attends, c'est quoi que j'ai acheté, là? Cigarette, tatata. Prendre un peu d'extase. Oh putain, il y a l'autre connasse derrière. On envoie le chien en prison, chef. Le chien?
Oui, pas le yach, le chien. Mais laissez-le crever, lui, il y a autre chose à faire là. Il vient de me menacer d'une arme et d'essayer d'agresser d'autres personnes. J'ai... Ah, je la fuis, je la fuis, elle me fatigue, vas-y, elle me fatigue. Ah, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Où ça ? En vrai, quand c'est trop, ça en est presque plus drôle. Ouais, non, mais là, je crois que je vais faire une fin de service. Je vais faire une fin de service. Moi, je cadre, capitaine. Mais ça me saoule de les laisser comme ça, j'aimerais bien faire une fin de service propre. Tu vois, là, c'est... Attends, elle est là ? Non, c'est bon, vas-y, on passe. Stagiaire Julien, je suis revenu au commissariat. Bon, voilà. J'ai entendu des tirs, je suis à côté. Fais une fin de service, mon RP. J'ai trouvé le fourgon. Il est Bay City Avenue. Oh là là. Faites gaffe, ne le suivez pas, ne le suivez pas. Protection, protection des otages. J'ai reçu, capitaine. Ah, et puis là, moi, en vrai, j'ai hâte d'être. En vrai, c'est. Ils ont raison de me faire passer cadet. En vrai, parce que là, tu vois, j'aurais pu prendre une bagnole et aller les rejoindre, quoi. Parce que là, je peux rien faire, en fait. Je suis keblo, là. Ah, mais je crois que je vais faire une fin de service. Hein. J'ai pas le droit de prendre de voiture, officiellement. Officiellement, là, je prends une voiture, je repars à la route. C'est fini. Pour information, le LSM est surchargé aussi. Faites attention. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas ? Ah, je monte avec vous ! Non, on est plein. Ah non, merde, vous êtes plein. Allez-y, allez-y. Pourquoi, ah, non, non, allez-y, allez-y. Putain, qu'est-ce qu'il y a ? Ben rien, là, j'attendais. Une voiture. Ah, ok. Bon, voiture, rejoins le capitaine. Ok, ça marche. On laisse tomber le fourgon. Oh putain, il me saoule ce bug de la porte. Oh là là, ça y est, j'en ai ras le cul des bugs. Oh, c'est en train de me saouler. Oh là là, il y a trop de bugs. Vas-y, stop, arrête-toi. Oh, on dirait Star Citizen, c'est horrible. Je suis obligé de trouver des techniques. Putain, l'autre il se fait becter par le chien. Alors, on a un gros problème. À Bay City Avenue, il y a une grosse explosion. On a perdu. Bon, vas-y, je prends une bagnole. Vas-y, je prends une bagnole, c'est bon là. Oh, c'est une catastrophe ici. Venez vite, je vous mets le point. Le dernier point, venez ici, on a un gros souci. Vas-y, moto, pénitentiaire, Stan. C'est quoi, Bella, c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Ah non, mais merde, c'est pas ça moi que je veux. Oh là là, vas-y, quoi, y'a même plus une seule bagnole de keuf. Mais c'est un carnage. Non, mais là, c'est un carnage. Oh putain, et ça aussi. Allez, range la bagnole. Ouais, mais non, je peux pas prendre ça, c'est la mode. Non, mais non. Mais ouais, mais non, mais c'est pas possible en fait. Il y a bien une. Il y a bien un truc là. Il y a plus de voiture. Ne pas sortir. Bah ouais, mais là, capitaine, il y a plus de voiture. Il y a plus de voiture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a pas une bagnole. Bon. Allez, ça part sur une fin de service, les gars. Allez, allez, ouais, ouais, fin de service et je vais... Ouais, je sais même pas, non, non, je vais pas continuer en civil. Non, non, fin de service. Bah, retourne voir les filles, je sais pas où elles sont. Là, il y avait encore Doberman, tu vois, il est encore là. Pff, je sais pas ce qu'il fait, je trouve ça me saoule. Non, là, c'est bon, là, c'est pas productif, ça sert à rien. C'est pas grave, hein, on s'en fiche. On reviendra plus fort et plus viril la semaine prochaine. Ah, c'est con, j'aurais bien voulu avoir mon petit grade cadet, quoi, c'est ça qui me saoule. En vrai, là, je pars sur une fausse note, là, c'est pas bon, ça. Putain, il y avait l'autre Doberman là, j'aurais dû le tège là, j'aurais dû le mettre en dehors de la bagnole et bisous. On a perdu v'là les voitures aujourd'hui. Hein. Normalement, on a à peu près 20-25 bagnoles de flics disponibles. On a tout perdu quoi, je sais pas ce qui branle avec les voitures. Attends, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? C'est la bagnole de qui ça là-bas? Elle a qui cette bagnole pourrie là? Ouais, personne, elle est à moi. Bon, vas-y, on va essayer de prendre les infos, on va essayer de les retrouver là.
allez, on va rentrer. J'en ai marre. Ah mec. Ah putain, j'en peux plus. Ah, je suis au bout de ma vie, putain. Attends. Oh, vas-y, attends. Véhicule, réparer le véhicule. Vous n'avez pas de véhicule devant vous. Je vais te casser la gueule. Oh putain de sa race. Oh la malchance. Oh là 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 là, c'est incroyable ce qui m'arrive là. Il y a une balle qu'il faut pas prendre, c'est pour ma tête. C'est incroyable. Non non, pour mon grade, non non, il n'y a pas eu de HR, il n'y a pas eu de mal de non non, celui je l'ai refusé moi, le grade de cadet à la base. Je l'ai refusé, après j'ai les filles m'ont conseillé de le prendre, donc voilà. Donc je retournerai si on me le repropose, là cette fois-ci je dirais oui. Mais moi j'écoute mes supérieurs en fait, c'est la logique. T'es cadet, moi t'es stagiaire, donc tu connais rien. Donc ceux qui te guident, c'était supérieur. Et moi, le capitaine, il m'avait dit que c'était mieux que je fasse mon stage, donc je l'ai écouté. Ensuite, les deux filles, donc Lindsay et Kelly, m'ont dit « Non, non, mets-toi cadet. » Et bah du coup, j'écoute. Putain, il y a pas de... Il y a rien. Hein. Non, non, en vrai, moi, ça me dérange pas trop, le HRP, parce que... Putain, attends. Putain, j'entends des sirènes, ça rend ouf. Je les cherche, mais je les trouve pas. Alfred, les brioches, on ramène le camion Groupe 6 à l'autre qui a explosé avec tout le monde, capitaine. Mais à l'autre. Putain, mais et les informations aussi, c'est dégueulasse. Hein. À l'autre. On le ramène à l'autre. Ok, bon. Bah, si on le ramène à l'autre, alors. Je crois que vous avez pas changé la fréquence radio. Elle est encore. Exact, ouais. Mais c'est un plaisir, hein. Vous me bonjour, pas, oui, cool. Je me disais ouais, qu'on ne répondait pas beaucoup non plus sur celle-là, du coup. Bah oui, bien, du coup, voilà. Bon, bah, en tout cas, du coup, on a niqué trois fils de pute, ils étaient enflammés. Allez, je change la fréquence. Sur cette fréquence encore bah, nickel. Mais bah, c'est quoi, la note? Attends. C'est parce que c'est une ancienne voiture, et puis du coup, voilà. Sinon, bah, je parlais entre nous comme ça, lieutenant. Sauf qu'il entend le capitaine. Attends. Non, pas monsieur Pichon, je l'ai pas arrêté, moi. Ah d'ailleurs, je viens de trouver le truc pour faire l'imitateur de vitesse. Chien, là, qui se prend pour un super-héros. Vous me donnez quoi? T'as cru on était un groupe de clébards, mon pote? Non, mais moi j'en veux plus. Mais on a jamais voulu du yinche, nous. Non, c'est pas le yinche, on garde. Là, c'est le chien. C'est tous les mêmes, c'est tous des clébards, mon pote. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, non, mais en fait, je sais pas ce qu'ils m'ont donné comme fréquence radio, là. Oh là là, putain, c'est un bordel. Hein. C'est un bordel. Hey, les communications sont dégueulasses. Hein. Là, on me dit la nouvelle fréquence, c'est ça. Mais rien du tout, c'est la fréquence qui est volée, ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh putain, mais il a corrigé le poste. Ok, ok, ok. Bon, d'accord. Bah non, ouais, mais si, en plus, il a corrigé le poste. Bah, je comprends rien. Bon, allez, on arrête là. C'est bon. Allez les gars. Bon, sur ce, tant pis. Bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de s'arrêter comme ça. Je ne comprends rien. Vraiment, je ne comprends rien. Ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris là ce qui s'est passé. Là, on balance. Il y a marqué sur le Discord nouvelle fréquence. Et là, il y a. Donc, soit on se l'est encore fait niquer. Soit je sais pas. Mais là, bon, allez, c'est le moment de s'arrêter. Là, c'était l'heure de trop. Allez, on va pas faire comme sur les FPS, la game de trop, et tout ça. On va s'arrêter là. Je vais déséquiper. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même. La soirée était difficile, là. Hein. Là, la soirée, je le cache pas, elle était chaude. C'est peut-être toujours l'ancienne. Difficile, je sais pas. Là, je comprends pas. Sur le Discord, c'est pas clair. Je crois que tout le monde aussi, là, soirée difficile. Ça fait 3 jours qu'on est tous à fond, donc je pense que là, il faut une bonne nuit de sommeil. Il faut se coucher tôt, parce que c'est pareil. Hein. Et on se couche tous à 2-3 heures du matin tout le temps. Les neurones, au bout d'un moment aussi, elles suivent plus. Hein, donc, faut se calmer. Demain soir, je pense que je liverai pas, justement. Je pense que je vais faire un jour férié comme le capitaine. Donc, je pense que je liverai pas. Je reviendrai, moi. Attends. Bon, allez, on dégage d'ici. Non, mais tu vois, la radio, là, elle marche.
Il parle sur celle-là, donc je ne sais pas ce qui. Je ne sais pas, je ne comprends pas, c'est pas bien grave. Je sais pas. Ouais, les gens sont fatigués, je pense. Ouais, là, il faut... Mais le capitaine fait une pause demain, donc tu vois, moi, je veux faire pareil. Je viendrai pas demain soir. Et puis, on reprendra à partir de mardi, tout ça, dans une bonne... un bon mood, tu vois, on aura bien reset le mindset. On dégage. Oh putain, me dis pas qu'ils vont arriver quand je me casse. Attendez. Oh, c'est pas fini, hein. Oh, me dis pas qu'ils... Bon, hey, tu sais quoi, je retourne au commissariat, j'entends les sirènes qui reviennent, attends. Ah mais moi, c'est un truc de fou, comment j'ai jamais de chance. Mais c'est un délire, faut que je m'achète une pâte de lapin, là, ça devient chaud. Tu vas jamais arrêter comme ça. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais non, mais en fait, moi, ça me saoule, là, de quitter. Tu sais, c'est quitter sur une mauvaise... mauvaise note, là. C'est pas cool, là. Tu sais, tu dis pas... Tu pars un peu comme un voleur. J'aime pas ça, quoi. Ah, c'est pour ça, en vrai, faut que je passe cadet. Là, si on me repropose le cadet, prochaine fois, je dis direct, ouais, vas-y, passez-moi cadet, c'est bon. C'est... En fait, stagiaire, c'est cool. Le RP est cool. Mais c'est vrai que dès que t'es dans cette situation, bah, t'es bloqué, en fait. T'es full bloqué. Tu peux rien faire. Non mais j'ai balancé à la radio que j'étais là-bas, ils en ont rien à foutre. Je check là si... Attends. Non, je sais pas, je crois qu'il y a rien. Bon allez, on va aller à la porte. Tant pis, on finira sur une note comme ça. Ouais, c'est trop dommage. Trop dommage. J'ai même pas vu Thomas, rien, j'ai rien vu. Eventis, je l'ai pas capté de la soirée. Merde, non, c'était là. Ah bah là, oui. Hein. Ah bah tiens, il y a des médecins ici. Il y a Vanessa qui était là. Bon allez, vas-y, de toute façon, je suis en civil, là, c'est bon, je rentre. En fait, c'est pas les flics, la sirène. C'était les médics. Go Comico, attends le capitaine. Ouais mais attends, là, si je l'attends, je vais attendre combien de temps? C'est ça le truc. Bon, vas-y, dites-moi. Dans... Putain, j'entends des coups de feu, là. Il y a eu des coups de feu, là. Bon, au pire, c'est pas grave. Eh, je fais une patrouille en civil. Je fais une patrouille de bac. Ça existe, hein, aussi, hein. Ouais, je sais que c'est fini, mais j'ai pas vu les unités rentrer, en fait. Allez, je fais un dernier tour au commissariat. Allez, dernier tour au commissariat, s'il y a personne, je me casse. Ah, j'entends l'hélico, là. Ok, non, mais c'est bon, attends. Je crois qu'ils sont là. Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce que c'est tout ça? Oh, il y a des gens à l'accueil, merde. Oh, attendez. On va passer par derrière. Merde. Ah, ça se trouve, ils sont aux cellules. Attendez. Non, t'inquiète, tranquille, je vais passer par l'arrière. Regarde, tu vas voir, je vais faire un petit truc, on va faire un petit zigzag. Tu vois, là, je fais genre, oh, je les ai pas vus, dis donc. Hop. Vas-y, on se remet en tenue, vas-y. Ah, c'est bon signe, ouais, je pense qu'ils sont dans les cellules. On va aller aux cellules. Merci Rasta pour ton follow. Putain, je vais jamais m'arrêter, bordel. Allez, on se re... changement de mindset, là, vas-y, on va y arriver. Allez, on va y arriver, c'est le moment. C'est bon, elles m'ont pas cramé les... C'est bon, je suis passé. Non, c'est pas possible.
Ah si, c'est bon, ils sont là. Derrière masqué, ça peut être par exemple des gens qui sont avec vous. Pas des jeux, parce que les gens se disent qu'ils sont otages, malheureux. C'est possible, hein. D'accord. Non mais c'est bien, je vérifie les informations. Vous êtes monsieur ? On va vérifier les... Ça s'est bien fini, lieutenant ? Vous êtes monsieur ? Comment ? Ça s'est bien fini parce que j'ai pas pu assister, oui, là. Oui, ouais, ça va. Fouiller, vas-y, fouille-moi. D'accord, bon, combien de temps ? Ouais. Lieutenant, j'ai un souci. J'ai le prisonnier qui a traversé le mur. C'est quoi votre nom ? La dernière cellule au fond. Je l'entends un petit peu, mais je crois qu'il répond plus là. Capitaine, qu'est-ce que vous foutez là ? C'est Lee Johnson, c'est le patron de la gauche. Non, non, il a traversé le mur du fond. Ah, c'est celui à qui j'ai pété. Il a traversé ce mur là. Monsieur Toyota ? Je l'entendais tout à l'heure là. Ah bah, je sais pas où il est. Monsieur Montoya, monsieur Toyota, vous êtes là ? Mais où est-ce qu'il est ? C'est pas possible. Il a peut-être atterri à l'extérieur, hein. Je vais aller voir, y'a rien. Oui. J'ai fait le tour du commissariat, je vais retourner voir. Mais... Stagiaire, restez là, voir s'il revient. D'accord, ok. Je vais rester là. Bon. Maintenant, je suis responsable des cellules, super, parce qu'il y a un mec... Alors, à mon avis, ce soir, les serveurs... Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Pourquoi la porte, elle ? Qu'est-ce que vous faites, là, vous ? Avancez, avancez ! Ah, ouais. Ah, vous étiez de nouveau ici ? Ah, oui, oui, oui ! Non, 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 je crois que c'est plutôt à l'intérieur que vous devriez y aller. Allez, à l'intérieur. Vous inquiétez pas, au pire... Ouais, c'est à l'intérieur. Ouais, bah ouais, j'imagine bien, hein. Non, non, venez, 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 venez. On va aller sur la première cellule, venez, venez. La toute première, là-bas. Heureusement que vous êtes là. Ah bah oui, 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 non mais j'ai bien... C'est bon, j'ai retrouvé l'individu, lieutenant. Ah bah t'es là. Montoya. Allez, Montoya, Montoya, venez avec moi. J'ai une question à vous poser. Il a rien fait. C'est une question, j'arrive. Mais non, mais oui, mais... Putain, heureusement que j'ai vu la porte. Hein. J'ai rien fait, je me fais chaque fois voir aussi. Il va falloir les élever, hein, ceux-là. Hein. Petite question, vous avez combien d'otages Qu'est-ce qu'il faut là? Putain, heureusement que j'ai vu la porte là. J'ai eu un bon réflexe. Hein. Pour la banque. J'ai vu la porte bouger. Une dame. Mm-hmm. Une dame avec une robe qui est enceinte, je crois. D'accord. Il y avait le monsieur avec la calbute. Ouais. Il y avait. Comment il s'appelle? Il y avait le monsieur avec les chapeaux qui fait du vin. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mm-hmm. Et d'accord. Il y avait le docteur. Et d'accord. Il y avait moi. Ça fait, ouais. ça fait un peu plus que plus moi. D'accord, d'accord. Mais par exemple, il y avait d'accord, il y avait que cela. D'accord, ok, très bien. Merci. Il y avait tous ceux après qui étaient dans la banque déjà, mais c'était pas très important pour nous cela. Parfait. Si. Eh bien, venez avec moi, monsieur. Retour à la cellule. Mais par contre, parce que les autres stages, ils ont été libérés, mais qu'est-ce que je dois faire moi ? Eh ben écoutez, les agents qui se sont pris en charge, vous occuperont de vous. Venez. Ah, c'est bien. Ah, docteur, qui va s'occuper des stripteaseuses. Poussez-vous. Bien joué, Jean, encore. Bon boulot. Ah, moi aussi, je me casse, hein. C'est bon. Ah, vous avez réussi, quand même ? Ah, mais tu veux parler aux stripteaseuses, hein. C'était l'enfer ? Ah, ouais. Et toi, ça a été ? Ouais, c'est normal, y a pas de soucis. Ouais, je voulais m'arrêter, mais je voulais prendre ma fin de service, mais je voulais vous attendre quand même. Pour avoir un petit. Tu gères, vraiment, t'es le meilleur stagiaire. Ah, bah là, j'ai pas été fou là. Ils sont partis, bon, bah on se tire, moi je me tire. Ouais, moi aussi, je arrête là, moi, c'est bon, j'en ai plein les bottes. Ah, c'était ouf, c'était n'importe quoi. Non, mais là, c'était ouais, moi je me rappelle encore. Le calvaire sous la voûte, il est total. Je me rappelle encore. Quand je suis arrivé, j'ai dit, oh, c'est calme. Stagiaire, attention. Mais putain, ouais, c'est cette calme. Porte, allez, pousse-toi, j'en ai marre, laisse-moi partir. Allez, pousse, allez putain. Vas-y, pousse, Kelly. Donne tout, Kelly. Oh non, pas encore. C'est beau. Voilà, c'est bien, allez. Ah, ouais, c'est bon. Très bien. Écoutez, hein, là, c'est le calvaire sous la voûte. Attends, est total. Hein. Moi, ouais. Sinon, le capitaine. Oh là là, mais non, mais arrête, c'est bon, on va te poser tous les fusils là. Au moins le MP5. Oh, ok, moi le M4. Capitaine, Kelly et Lindsay, on va déposer nos M4, MP5 à l'armurerie, on est sages. Voilà, parce qu'on vous a écouté, qu'on entend tout ce que vous avez à nous dire. Voilà, tu vois, là au moins on finit sur une bonne note, c'est nickel. Ça me va là.
Là, c'est une bonne fin. Je vais essayer de penser, ouais. Pas de soucis, c'est ça, pas de soucis. Hein. Ah, cette soirée d'horreur. Avec quoi? Alors. J'ai rien compris, moi, je comprends rien. Vous avez fait la nouvelle fréquence, là, ou... Parce que moi, j'ai pas compris, là, la nouvelle fréquence. Alors, la nouvelle fréquence, hein, stagiaire... Mais c'est quoi cette tenue? Non, mais c'est quoi cette dégaine? Mais t'as un clodo, en fait. Hein. De quoi? Écoute, hein, la nouvelle fréquence, hein, elle est dans le téléphone de l'application et t'as un message. Hein. Ah ouais? Qui s'appelle nouvelle fréquence, hein, il y a 25 minutes. Hein. Ah non, mais c'est le... Bon, vas-y, tu sais quoi, on regardera. Bah ouais, c'est... Ouais, bah c'est la fréquence, oui, oui. Bon, bon, d'accord. Bon, allez, moi je vais m'arrêter là, tu vas-y, allez. Mais attends, Kelly, c'est bizarre, j'arrive pas à accéder à Muris, parce quoi? Ah, c'est peut-être parce que j'étais dessus. Faut que tu mettes, non, mais... le... Faut que tu mettes le nom. Hein. Non, non, mais ça me dit que... Le mec, là, il me dit comme quoi... Attends, la radio, c'est un délire. Le mec, il me dit comme quoi il est en train de te parler, en fait. Je peux pas y accéder. Hein. Bon, allez. Bah à demain, au revoir. À demain. Allez, bonne journée. Hein. Bah, bonne soirée, bonne skew. Allez. Allez, bisous. Allez, au revoir. Oh, regardez le suzboul. Oh là là, allez, ça ponce des chibres comme jamais. Oh putain, ça se fait sodomiser assez avec lui. Hein. Oh là 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 là. Je crois que c'est 350. Mais ouais, mais alors c'est la même. Mais oui, non, mais 350. Non, mais je comprends rien. Ouais. Bon, allez, vas-y, je prends la caisse, je retourne à la maison. C'est bon, au moins là, c'est fini. On a bien fini le truc, tu vois. On a dit au revoir, ça, c'est ça que je voulais. C'était juste ces 3 minutes là que je cherchais. En plus, j'ai ramené un prisonnier en cellule, c'est parfait. J'ai fait le café. Je tartine jusqu'à chez moi. Je perds mon permis, j'en ai rien à foutre. De toute manière, personne ne l'a. Je me casse, c'est bon, j'en ai marre. Voilà, c'est bon, je suis garé, nickel. Allez, sur ce, les petits potes, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Moi, je n'en peux plus, je suis à bout. Ils m'ont cassé la tête, je n'en peux plus. On se retrouve du coup mardi, les potes. Et moi, je vais me coucher, je n'en peux plus. Allez, des petits bisous, moi, je vous aime, c'est gentil. Vous êtes là, vous êtes au taquet pour moi, c'est super sympa. Sur ce, Julien, il vous dit à mardi. Et on fera la lavette et la charpillière autant que vous voulez dès mardi. Promis, il n'y a pas de souci. Allez, à mardi les potes. Ciao! Oh, c'est bien le canapé aussi. Le canapé, c'est génial. Oh là là, le canapé, ouais, le canapé. Oh là, on est bien dans le canapé, là. Oh, je suis bien, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, on va se péter un petit Fleetnex, là. Oh là 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 là. Ouais. Un petit NCIS. Ah ouais, épisode 4, vas-y, Gibbs. Ah ouais, vas-y, Gibbs. Ah ouais, Gibbs. Ah, c'est super, ça. Ah ouais. Ah là, je suis détendu, là. Là, je me sens mieux, là. Ah, c'est ça qu'il fallait, en fait. Hein. Aïe. Ouais, là, c'est bien, là. Ah, c'est bien, là. Ah, ouais. Ah, là, je vais dormir jusqu'à mardi. Hein. Allez, à mardi.